Il y a eu un bug apparemment, excusez-moi. Bonsoir à tous et bienvenue dans la 7ème dimension spéciale John Woo, partie 1, les amis. Oui, partie 1. Alors, merci à tous d'être si nombreux pour le maître de l'action Made in Hong Kong. Et pour ça, je me suis entouré d'une team extraordinaire. Vous allez voir, ils vont arriver dans quelques minutes, mais ils sont bien entendu mentionné dans la description de cette vidéo. Donc vous savez qu'il s'agit bien entendu de Merej. Pour la deuxième fois sur cette chaîne, le beau parleur et for the first time sur la 7ème dimension, Zoltan sera parmi nous. Alors ils ont automatiquement dit oui. Quand j'ai dit John Woo, ils ont dit oui. Donc c'est pas pour moi qu'il vient, c'est pour parler du maître de l'action, du maître de Hong Kong. John Woo, en plus, qui vient de sortir un film sur Amazon Prime qui s'appelle Silent Night, que j'ai adoré, mais ça on en parlera dans une autre partie. Ce soir on va se concentrer sur la période hongkongaise, le prime de John Woo, et ça va être plutôt cool. Donc 7 films, vous allez voir, on vous a préparé que des pépites. Et désolé pour le petit retard, hein, je sais que vous avez l'habitude, hein, on est toujours en retard, donc bonsoir à tout le monde. À la fin de ce live, vous savez qu'il y aura un after pour les abonnés de l'after 7ème dimension. Il y a le lien dans la description si vous voulez être membre Patreon ou membre de la chaîne pour avoir accès au live les after 7ème dimension. Voilà, une petite heure entre nous, on discute de tout, de cinéma, vous venez, tout ça papote. Voilà, ça c'est les after confidential. Donc si vous voulez en faire partie, il y a tous les liens dans la description, ce sera après ce live. En attendant, vous savez qu'il n'y a pas de 7ème dimension sans bon générique, un générique wouyen qui fera plaisir à Merej. Bienvenue dans la 7ème dimension sur John Ali TV. Bonsoir à tous. Salut les gars. Salut. Regardez-moi cette vidéo. Bon, ça me fait extrêmement plaisir de vous recevoir tous les quatre, et Merej qui est un habitué, Merej d'ailleurs qui en préambule de ça, je lui dis bon, il y a la partie 2 jeudi prochain qui est disponible, et Merej qui me dit bah tu sais très bien que je suis ta pute, je lui dis non, t'es la pute à John Woo. Ouais, je suis une pute. Celle de Woo. Ah, merci à toi le beau parleur de revenir, c'est vrai que t'étais venu, alors toi t'es spécialiste, hein. Je t'avais fait venir pour Bruce Lee, là tu viens pour John Woo. On va voir si les gens ont retenu certains trucs que j'ai dit sur Bruce Lee dans le chat. On va voir s'ils apprennent une leçon à l'autre. Hein. Ah, on verra ça. Et Zoltan, pour la première fois, merci Zoltan, ça me fait extrêmement plaisir. On avait déjà partagé quelques lives chez notre ami en commun. Merci à toi. Hein. Merci, ça m'a permis de me plonger un peu dans le John Woo que je ne connaissais pas si bien, donc tant mieux. Ah bah ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Bon, est-ce que vous allez bien, les gars? Tout va bien de votre côté? Rien à signaler? Le cinéma vous plaît en ce moment? Tout va bien? Parce que là, du coup, on va replonger dans les années 80-90. Ouais. On va faire un petit bond. Bien entendu avant. Je me sentais mieux il y a 20 ans. Ouais. En tout cas, c'est clair que là. Putain. Bon, ça va être cool. Écoutez, j'ai envie de vous dire, commençons. Hein. On va faire ça quand même chronologiquement. Voilà, j'ai choisi 7 films et on va commencer avec peut-être le grand classique
Est-ce que tu présentes le bougre avant quand même un peu? Est-ce qu'on présente le bougre? Est-ce que quelqu'un veut présenter le bougre avant? J'aime bien parce que vous aviez des bouquins. Qui veut présenter le bougre avant? Moi, je me suis un peu. J'ai un peu potassé aujourd'hui, donc si vous voulez, je peux vous plaisir, présente-nous. Présente-nous. Donc, le bougre, il est né. Il n'est pas né à Hong Kong déjà. Il a déménagé. Il est né. Je crois qu'il est né à Pékin. Hein. Ça commence bien dans l'exactitude. Il n'est pas né à Hong Kong. Il a déménagé assez tôt. Il a eu des trucs un peu traumatisants, notamment le fait qu'il se soit retrouvé à la rue avec sa famille assez rapidement. Et il a été. Ça l'a marqué, quoi. Et globalement, il a eu une enfance un peu hongkongaise galère. Avec cette espèce de marasme entre le tu sais, il y avait on voit ça au début d'une balle dans la tête, là, les manifestations, il y avait les pro-chinois, les pro-anglais, enfin, c'était un peu le bordel. Et donc, lui, assez rapidement, durant tout ce bordel, il a failli hésiter entre la religion et finalement, il s'est tourné dans le cinéma. Donc, c'est un peu comme Scorsese, il aurait pu finir prêtre, tu vois. Donc il va démarrer comme assistant pour le grand maître Chang Che sur les premiers films des Shaw Brothers, hein, ça. Donc c'est un peu il va commencer sur les films qui étaient un peu les seuls films qui se faisaient vraiment à Hong Kong à l'époque. Et il va être assistant, il va faire un peu plein de boulot dans le délire. Et ça va être un des plus jeunes réalisateurs hongkongais. Je crois que c'est le plus jeune réalisateur hongkongais à l'époque. À 25 ans, il va faire son premier long. Pas pour la Golden Harvest encore. Je crois qu'il fait d'abord un long pour la Shaw Brothers, je crois, si je dis pas de bêtises. Et après, il va en quiller pendant quasiment presque 8 ans, 7 ans, que des comédies et des films. Non, un peu de tout d'ailleurs. Mais bon. Il va arriver un peu au bout du rouleau après avoir fait quasiment 10 films, je crois, en moins de 7 ans. Il y a un peu de tout. Il y a des comédies de merde, il y a des films de kung-fu, il y a des films de guerre, des opéras. Ouais, il fait vraiment beaucoup de choses. Et en fait, il craque et en 85, il va aller à Hong Kong, à Taïwan. Il va aller à Taïwan, vivre là-bas. Il va s'installer et tu as vraiment Tsui Hark, qui est la génération d'en dessous, qui lui commence à émerger avec la nouvelle vague hongkongaise, donc John Woo fait pas partie de cette vague-là apparemment, qui va aller vraiment le chercher à Taïwan, parce que le dernier film qu'il fera avant celui dont on va parler en premier, c'est un film où il a tourné des parties à Taïwan, et donc en fait il allait arrêter le cinéma, quoi. Tsui Hark allait le chercher avec sa nouvelle société de production qui s'appelle Beauparleur. Film Workshop, exactement. Et il va lui proposer de faire le polar dont le mec a toujours rêvé de faire, et ça va donner ça, quoi. Ça va donner. Je crois que c'est une bonne introduction. Est-ce que Beauparleur, tu veux rajouter quelque chose? Non, on peut juste préciser qu'en effet, quand il est parti à Taïwan, en fait, il a mis sur la touche. Hein, c'était un peu en mode bon, hein, merci de faire des films qui ne rapportent pas grand-chose. Hein, tu vas t'occuper de la société là-bas, c'est trop sympa. C'est vraiment une renaissance et c'est là où il a explosé aux yeux de. C'est là où le vrai John Woo, tel qu'on le connaît, qui a révolutionné le monde, est né après. En fait, juste pour. Et il le montrait le visuel à l'instant, Mérège, effectivement, il va faire la rencontre qui va changer. Sa carrière, sa perspective, et qui va vraiment installer le benchmark Wu avec un premier film mondialement connu qui en aura inspiré plus d'un, mais dont lui-même se sera inspiré aussi. Il s'agit bien entendu, les amis, de A Better Tomorrow, le syndicat du crime numéro 1. Les gars, je vois dans la... Je crois que le Beauparleur, il connaît les paroles, il est en train de chanter. En mode karaoké ce soir, les gars. Mon compagnon est très, très 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 bon, si vous ne le savez pas. Oui, cette version qui est chantée, il me semble, par Leslie Cheung,
dans le syndicat du crime 1, c'est lui qui la chante, et d'ailleurs ils feront des concerts et tout, et c'est vraiment lui qui chante. Alors les amis, bon, là, attention, c'est du très lourd, on parle quand même d'un film qui a marqué toute une génération, et encore des générations aujourd'hui. Je vous fais le petit synopsis et ensuite je vous donnerai la parole. Alors le film, il est sorti en 86, il me semble, en Chine et dans certains pays, mais nous, il arrivera que plus tard. Je crois qu'il est noté qu'en 93 en France, je ne sais pas si c'est une erreur de ma part ou de Allociné, Mais déjà, toi, t'as dit succès à l'international, mais en vrai, celui-là, il n'était pas encore sorti de Hong Kong, hein, trop. Hein. Voilà, exactement. C'est, quand je dis voilà, succès international, c'est la réputation qu'il aura des années après. C'est pour ça qu'effectivement, il est sorti bien plus tard. Nous, on l'a découvert en France au début des années 90. Je vois qu'à le ciné, ils mettent 1993. C'est assez. C'est une erreur, en fait. Ouais, il me semblait qu'il était. Non, en fait, c'est à la fois une erreur et pas une erreur. C'est parce que il me semble que c'est en 88 ou un truc dans le style. En fait, il est sorti, le film, en France, en VHS, en vidéoclub. Ça s'appelait Le Syndicat du Crime, mais c'est là où il a trouvé son titre français. Et c'était avant que John Woo soit connu, avant que Hardball soit sorti au cinéma, etc. Et du coup, avec un doublage VF tout claqué et une copie en 4 tiers dégueulasse. Et en fait, c'est devenu une espèce d'objet rare de collection, tu vois. Et du coup, quand le film est sorti, parce qu'il est sorti en France, mais tu sais, en catimini, c'est-à-dire studio des Ursulines, il faisait des petits festivals genoux, des trucs comme ça, mais il n'a jamais eu le droit à une vraie sortie, entre guillemets. Et ben, la VHS, elle est devenue mythique un peu. Tu vois, c'était, putain, il y a une copie qui existe. Et tu vois, et du coup... voilà, et en fait, il est sorti au cinéma après sa sortie en VHS, en réalité. D'accord. Donc, mais tu me parles là de ce doublage tout pourrave, parce que tu veux dire qu'il a été doublé deux fois, c'est ça? Ouais. Ah, ça, je savais. Tu vois, ça, je savais pas. Pour moi, je connais qu'un doublage, celui qui est, on va dire, le doublage officiel. Alors, juste avant de continuer à vous donner la parole, le synopsis, hein, Sung Tse-ho et Mark Gore. Deux seigneurs de la mafia à Hong Kong coulent des jours heureux sous les ordres d'un parrain vieillissant. Tout irait pour le mieux si Ho n'avait un frère cadet qui a choisi de faire carrière dans la police. Ce frère cadet est joué par le magnifique, l'incroyable, de feu Leslie Cheung, cet acteur qu'on a connu aussi dans Histoire de fantômes chinois, pour les films un peu les plus populaires, on va dire, internationalement connus, qu'on verra aussi chez Wong Kar-wai dans Les cendres du temps, un de ses derniers films aussi. Les cendres du temps, c'est pas un de ses derniers films, parce qu'il est mort en 2003, il me semble. Il s'est suicidé, malheureusement. Et les cendres du temps, c'est dans les années 90. Moi, les gars, les syndicats du crime 1, c'est tout au long du film une espèce de benchmark. Vous voyez, ben, la pochette internationale, enfin, tout du moins française, et qui sera. Je sais pas si Woo s'est inspiré de Gainsbourg qui brûlait un Pascal. Deux ans avant, en 84, sur un plateau de télé. Je pense pas. Je pense pas non plus. Mais tu sais, c'est tout de suite, c'est quelque chose, une espèce, c'est un truc qui marque, quoi. Tu vois, Gainsbourg chez nous qui brûle un Pascal, c'était quelque chose de quand même très. Et Woo qui allume sa clope en brûlant un billet de $100. Un faux billet. Il y a une explication à ça, en fait, si je peux me permettre. Oui, pour vérifier que c'est bien. Scénario, à la base, les personnages devaient être des trafiquants de drogue. Puis en fait, ils se sont dit que iconiser des trafiquants de drogue, c'est pas bon. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des trafiquants de faux billets pour que ce soit un petit peu plus socialement acceptable de les voir comme des héros. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de brûler un faux billet. Voilà. Ouais, tu vois, tout ça, c'est génial. Et alors moi, c'est vrai que c'est un film que j'ai connu en français, forcément, que j'ai revu bien plus tard aussi dans sa version originale, mais que j'ai du mal à voir en VO parce que voilà, je suis aussi, c'est la nostalgie qui parle quand t'as des phrases comme ça qui restent très très imprégnées et que le doublage était quand même assez cool, même si les doublages, on sait que c'est plus facile pour les doubleurs, les comédiens de doublage français de doubler l'anglais que de doubler du cinéma asiatique, hein, en termes de timing, en termes de rythme et en termes de, comment on appelle ça, il y a un terme pour ça. Synchronisation labiale. Voilà, très bien, c'est exactement ça, la synchronisation labiale. C'est pas toujours pareil en Asie et en Europe, en tout cas. Avec l'Occident, enfin, avec le français et l'anglais, pardon, ça marche beaucoup mieux. Mais quand même, je trouvais qu'il y avait un effort. Et là, on découvre en fait quelque chose
que moi j'avais jamais vraiment vu au cinéma, c'est une espèce d'iconiser, effectivement, tu le disais très bien, des mafieux, en faire des héros tragiques, et ce mariage parfait, que pour moi, personne n'aura d'égal de faire des scènes d'action et de la tragédie comme ça, tout en mêlant la musique, parce que la musique est très importante chez vous, avec une espèce de d'inspiration comme ça, très musique européenne, musique symphonique européenne, et dont il s'inspira tout au long de sa carrière, on entendra ça dans la majorité de ses films, et il le fait très bien sur les films de mafieux. Moi, pour moi, ça a été un choc instantané, Le Syndicat du Crime 1, et j'ai découvert le 2 en même temps, parce que à l'époque, quand le 1 est sorti, enfin moi, le 2 était en même temps disponible, et là, ça a été mes deux films de chevet de Wu, que je regarde, voilà, qui m'ont fait chialer quand j'étais gamin, voilà, j'adore. Et je vais donner la parole à Merej sur Syndicat du Crime 1. Parle-moi de ce choc et remontre-moi ce coffret qui coûte maintenant 2 000 € qu'on ne peut plus trouver. C'est quel format, ça, Merej ? C'est DVD ? C'est le DVD de merde. C'est DVD, hein. Alors, les copies sont moches, mais le coffret est tellement beau. Ouais, bah après, il existe d'autres versions. Ouais. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a le livret. Et puis, t'as les trois d'ailleurs dedans. Ouais, il y a les trois, bien sûr. Le troisième, c'est réalisé par Choi Arc. Et bah écoute, moi, j'ai découvert le Syndicat du Crime donc au cinéma. Je ne l'avais jamais vu quand il est sorti au studio des Ursulines. Parce que je m'étais pris un an ou deux ans avant, je ne sais pas, un an et demi avant. Ils avaient sorti en fait à toute épreuve au cinéma. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert John Woo, hein, mais la plupart des gens, en réalité aussi, il y avait Christophe Gans et compagnie qui en parlaient un peu, tu vois. C'était vraiment un truc. C'était même pas un truc de niche. C'était un truc de fin connaisseur. Tu vois, c'était vraiment le mec aller au quartier chinois déjà, tu vois, et essayer d'avoir des copies pirates en VHS. Enfin, c'était très compliqué à avoir. Et du coup, bah, je découvre à toute épreuve, je me prends une claquouse atomique, je te dis même pas comment, hein. C'était genre la révélation d'une vie, quoi. T'as raison, hein. J'ai d'abord découvert à toute épreuve avant Le Syndicat du Crime et The Killer, on parlera tout à l'heure, mais j'ai d'abord découvert à toute épreuve et tu as raison. Et juste, je te coupe, je remercie tout de suite Axel Riordan, Big Love sur tout le monde, et Merej, j'attends ton retour sur L'Accusé de Paul Auriol, l'écriture est si fine que le film a été remaké dans 3 pays. Eh ben voilà, on attend ton retour, Merej. Et... Oh, tu vas attendre longtemps un peu. Hein. Et je te remercie, Axel. Merci à toi, mon gars. Ça fait trop plaisir. Merci pour le soutien, les amis. Vas-y, Merej. Ouais, donc tu disais, ouais, pareil que toi, moi j'ai découvert à toute épreuve avant, effectivement. En vérité, tout le monde, hein, en fait. Hein. Ceux qui disent le contraire, soit c'est des mythos, soit c'est vraiment les mecs qui étaient très, 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 très en avance, quoi. Et du coup, je recherche absolument tout sur John Woo. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ce mec ? Et du coup, j'allais au Virgin Megastore des Champs. Et il n'y avait que des imports, mais des imports NTSC de merde. Tu ne pouvais pas lire les cassettes NTSC, tu vois. Et je n'avais pas encore, à l'époque, parce que j'étais jeune et naïf, et je n'avais pas encore connaissance du quartier chinois. Je ne savais pas qu'on pouvait acheter des VHS, des trucs là-bas. Du coup, je galérais comme un con au Virgin. Et à un moment donné, donc, le studio des Ursulines fait un festival John Woo. Et il passe donc le Syndicat du Crime 1, 2 et une balle dans la tête. Et je me suis fait les 3 en 2 jours, tu vois. C'est-à-dire que je me suis fait le Syndicat du Crime 1, une balle dans la tête, et le lendemain, le Syndicat du Crime 2. Et en fait, pour des raisons obscures, ils n'avaient pas les droits de The Killer. The Killer, en fait, il ne pouvait pas le passer, parce que c'était... Voilà, et en fait, on n'entendait parler que de The Killer. Dans Starfix, et combien, les mecs, ils disaient The Killer, The Killer, The Killer, The Killer. En fait, The Killer, c'était devenu une espèce de film culte de ouf, que personne ne pouvait voir. Ça rendait ouf, quoi. C'est un peu comme actuellement, tu veux dire. Pardon. T'as dit ouais, un peu comme actuellement, effectivement. Mais bon, il est sorti. Il est quand même sorti au cinéma, tu vois. Et donc, du coup, je me rabats sur ça. Je me dis, bon, bah tant pis. Pas grave, The Killer, il n'est pas dispo, mais on va voir Le Syndicat du Crime. Et là, je me pose dans la salle, mec. Et je me suis fait atomiser. Mais genre... En fait, pas parce que...
c'est mieux, c'est moins bien hein, qu'à toute épreuve en termes d'action et de maestria filmique, enfin voilà. Mais juste parce que les personnages, leurs relations, ce côté un peu qui m'a marqué, tu sais, les amis qui se trahissent, les coups de couteau dans le dos, Cho Yun-fat tout foncedé, qui était au sommet de sa gloire et qui se retrouve, c'est comme un sale clochard avec son pote qui lui balance des billets, c'est comme on jetterait de la graille à un clébard et tout. Et tu sais, j'étais là, la puissance émotionnelle du film, tu sais, oh là là. Et je me rappelle, hein, j'ai tout vu, hein, j'ai vu le 2, j'ai vu Une balle dans la tête, mais en fait, celui qui m'a vraiment traumatisé, c'était le 1, c'était le syndicat du crime 1, je me remettais pas du perso. De vraiment le Cho Yun-fat boiteux, tu vois, avec le sparadrap, et vraiment cette image, cette image quoi, des billets par terre, là. Non mais c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué. Et ouais, je suis sorti, j'avais l'impression d'avoir vu le meilleur film du monde, quoi. Et puis sans compter que bon, les scènes d'action sont quand même cool, mais on va dire que dans celui-là, c'est pas tellement l'action qui est ouf, c'est vrai, enfin, même si c'est cool, hein, mais c'est Cho Yun-fat, quoi. Il est surcharismatique, je crois que c'est incroyable, quoi. C'est son meilleur rôle, peut-être. Il te touche en plein cœur. Et donc, ouais, l'émotion était très, très intense. Et je suis tombé, en fait, amoureux de Cho Yun-fat. C'était mon nouvel acteur préféré, qui a quasiment. Je me suis dit, putain, il faut que je voie tous les films avec ce mec. Et quelques années après, ils ont commencé à sortir les HK vidéo. Et alors là, c'était magnifique. Là. Et du coup, Aubergine, ils ont commencé à sortir les imports Hong Kong Légende et tout, les imports en PAL. Ça, on pouvait lire. Il fallait acheter un magnétoscope PAL NTSC, mais tu pouvais, tu vois. Et là, ils ont sorti des films de ouf, des films de Hong Kong, tu vois. Et donc, à chaque fois, tu achetais un film, par exemple avec Cho Yun-fat, tu achetais, je sais pas, Tiger on the Beat. Et là, ils te mettaient 50 bandes annonces de films complètement barjots. Tu vois, genre The Barefoot Kid, ou des trucs, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Hein. Et, tu sais, on voyait les trucs, on faisait « qu'est-ce que c'est que ça ?» Tu sais, on était complètement hypnotisés par les bandes-annonces de Hong Kong Légende. Et voilà, et quand HK Vidéo est arrivé, c'était une délivrance. Tu sais, c'était des copies magnifiques, avec sous-titres en VO, sous-titres français traduits parfaitement. Des bonus avec des films cachés, merci HK Vidéo. Voilà, ça c'était plus tard, mais parce que là, c'était vraiment les VHS. Mais excuse-moi. Ouais, non, je t'en prie. Et donc, par extension, c'est là où c'est marrant, quoi. C'est que c'est la première fois aussi qu'on voit apparaître le nom de Choyark, quasiment. Peut-être qu'il y avait eu Histoire de fantôme chinois. Moi, c'était Histoire de fantôme chinois, hein, Choyark, vraiment. Et la montagne de Zou, tu vois. Non, mais je suis pas sûr de qu'est-ce qui est sorti avant au cinéma en France. Je pourrais pas être certain. Ah, il me semble qu'Histoire de fantôme chinois, c'était déjà avant, il me semble. C'est pareil, les Gans et compagnie, ils avaient vu Zou, le premier Zou à Cannes, je crois, et ils en parlaient partout, tu entendais des rumeurs de trucs de fou, mais personne n'avait rien vu en réalité. Et donc, quand ça sort en VHS, tout le monde se jette dessus, et ça sort Zou, ça sort The Blade, ça sort The Lovers, tu vois. Ouais. Et donc, c'est très marrant parce que... Et après, j'arrête de parler parce que j'ai jacté pendant 4 heures, mais de voir, d'ailleurs, Cho Yun-fat dans le film, hein, qui a un petit rôle, mais de voir que John Woo et Cho Yun-fat étaient finalement, qui sont les deux de mes réals préférés, c'est mes deux réalisateurs hongkongais préférés, de voir que petit à petit, Cho Yun-fat, qu'à l'époque, moi, je considérais juste comme le producteur de John Woo, tu vois, un peu. C'est le producteur de John Woo. Et finalement, en réalité, maintenant, pour moi, Cho Yun-fat est bien un meilleur réalisateur que John Woo. Mais je m'en suis pas rendu compte. Cho Yun-fat, c'est le maestro quand même. Il faut quand même le redonner. C'est quand même grâce. Il faut dire, c'est aussi grâce à lui que John Woo est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je vais remercier tout de suite Steve, notre ami Steve de la chaîne Revue, qui nous fait un petit don de 5 francs suisses. John Woo, un réal à deux dimensions, son boulot à Hong Kong et celui aux USA, tout à fait. Et ça, on en parlera dans la deuxième partie, son travail aux USA. Merci à toi, mon Steve, espèce de fou. Tu fais assez de 7e dimension pour ne pas faire de don. Merci, mon gars. Non, mais tout ça pour dire voilà, qu'il faut en parler parce que c'est quand même Cho Yun-fat
Docteur Frankenstein avec Genou. C'est quand même lui qui a magnifié le style de Genou. Quand tu regardes The Killer, ça commence sur des plans en contre-plongée, typiquement Film Workshop, tu vois, et c'est quand même... Il y a quand même beaucoup de Choyard dans John Woo en réalité. La signature Workshop, c'est indéniable, et dès qu'elle est plus là, on le sent sur les réalisations de John Woo, ça c'est clair et net. Merci à toi Alex, le CERT. Salut, merci pour le live. Saviez-vous qu'une musique des Trois Syndicats du Crime est prise du film Birdie avec Nick Cage? Alors Birdie, je ne savais pas. Ils font dans tous les films de Hong Kong, ils font ça. Ils chopaient des musiques un peu partout. Et voilà, il y avait une espèce de vide juridique. Et donc, ils pouvaient absolument pomper toutes les musiques qu'ils voulaient. À l'époque de la Schumacher, tu avais des musiques de James Bond qui débarquaient comme ça. Tu fais OK, pas de problème. C'est trop bien. Ils devaient être dégoûtés, les gars. Merci à toi, Alex. Musique de James Bond, tu as une musique d'un film avec John Wayne au début qui est la musique principale. Donc, ouais, les mecs, ils se lâchent. Sont lâchés de ouf. Merci à toi, Alex. Merci pour ton temps, ça fait plaisir. Je remercie encore une fois Axel Riordan. Crois-moi, Mérège, le jour où tu vois l'accusé, tu feras une vidéo réaction dessus. Je peux rien spoil, mais quand le film finit, la claque marque longtemps. Ah bah, tu vois, Axel, il attend vraiment ta vidéo là-dessus, Mérège, je te le dis. Merci, moi, Axel, espèce de fou. J'ai préparé un... Juste avant de donner la parole à Zoltan, je vous ai... une des phrases cultes qui a été reprise. Et toi, tu le sais très bien, des répliques cultes qui ont été reprises au début des musiques de son rap, de hip-hop. Une scène de Marc que je vous mets, elle dure 10 secondes, hein, vous allez voir. Tu sais, c'est quoi mon but? Être un putain de bourgeois. Gagner du blé à rien glander. Je ne veux surtout pas retourner où j'étais. Je ne veux plus cirer les pompes d'un enculé pour avoir de quoi vivre. J'ai jamais vu le syndicat du crime en VF. Eh ben voilà, tu viens de le. T'as jamais regardé le syndicat du crime en VF? Non. Ok, bon, j'ai une autre scène tout à l'heure que je vous montrerai qui est pour moi la meilleure scène du film. Elle est en VF, hein, parce que moi, c'est vrai que mes souvenirs sont en VF. Zoltan, le syndicat du film 1, ton avis, et surtout quand est-ce que tu découvres ce film? Bah, moi, franchement, je l'ai découvert pour cette vidéo. Hein. Moi, John Woo, je fais partie de ces gens qui connaissent. Tu sais, je fais partie de la génération d'après Mérège, en tout cas. J'ai pas connu la grande période HK. Qui était la fin des années 90, quoi, en France, enfin, mi-90. Donc, j'ai pas vécu ça. John Woo, je le connais par ses fresques américaines à la base. C'est réel. Moi, j'aime beaucoup les films américains qui, en tout cas, j'aime beaucoup Mission Impossible 2 et Volte-Face. Quelqu'un qui aime Mission Impossible 2, il n'y a pas que moi. Voilà. Non, mais je m'étais plongé dans John Woo, mais pas sur celui-là pour ma vidéo sur les fusillades que j'avais faite il y a quelques années, où là j'avais découvert pour l'occasion The Killer et à toute épreuve. Mais c'est vrai que là, le Syndicat du Crime, ça faisait partie de ces titres où tu vois le nom tout le temps, tu sais qu'il est là, t'as l'impression que c'est un peu le parrain hongkongais, quoi, mais tu l'as pas vu, quoi. Et donc là, c'est cool, j'ai pu enfin me plonger dedans avec un. Bah en plus, avec l'occasion d'en parler après, donc c'est hyper agréable. Super. Et en fait, c'est vrai que déjà, il y a plusieurs choses qui marquent quand tu regardes un film comme ça. C'est que de regarder un film comme ça aujourd'hui, ça te fait reconsidérer beaucoup de films que tu as vus après. Après celui-là. Bah, je fais une parenthèse, tu m'excuses, Zoltan. Toi, en plus, qui es un fan comme moi, comme Mérège, inconditionnel d'Infernal Affair, de cette trilogie incroyable. Ouais. On sait que Alan Mack et j'ai oublié le nom du deuxième réal. Se sont inspirés, adorent John Woo et ont réinsufflé ce truc hongkongais aussi dans un Hong Kong qui n'était plus, qui avait déjà été rétrocédé. Découvrir comme ça le Syndicat du Crime 1, ça doit être un truc de dingue quand même. Bah ouais, c'est vrai que ça fait partie de ces trucs où il y a, je te dis, c'est juste sur, il y a à la fois tout ce que ça a influencé par la suite. Enfin, je veux dire. Moi, par exemple, c'est débile, hein, je suis un fan de Drive. Bon, en fait, tu regardes le Syndicat du Crime. Moi, j'ai toujours cru que Drive, c'était un peu une adaptation, un côté un peu. Il y avait toujours un truc très Melville, tu vois, le samouraï et tout ça. Mais en fait, il y a aussi beaucoup du Syndicat du Crime, le côté iconique, en fait, de certains aspects. Bah, en fait, ça vient du Syndicat du Crime. Ça, c'est des détails, avec le cure-dent dans la bouche, enfin, tu sais, les conneries, quoi. Et en fait, tu vois tout ce que ça a donné par la suite. Mais ce qui est ouf aussi, c'est que tu vois tout ce qu'il a emprunté par ce qui s'est fait juste avant. C'est-à-dire qu'en effet, moi qui connais pas trop mal les films de Melville, les films de Peckinpah,
les films de Sergio Leone même. Enfin, tu vois, tu sens tout ce qu'il a gaulé et qu'il a digéré et qu'il a l'impression qu'il rebalance tout en un film. Vraiment, là, il te fait la synthèse de tout ce qu'il va te faire par la suite. Il va améliorer certains aspects, il va se perdre sur d'autres aspects aussi. Mais là, il te fait un espèce de truc, t'as l'impression que c'est, ouais, genre vraiment le John Woo, c'est genre séminal, quoi. Vraiment, vas-y, je vous montre tout ce que je suis capable de faire. Et c'est vrai que c'est assez ouf, quoi. Enfin, comme tu dis, hein, Chow Yun-fat, j'ai rarement vu un acteur qui arrivait à être... Bah, enfin, après, je sais pas si c'est... Il y a Chow Yun-fat, mais il y a aussi tout ce qu'on lui file pour être iconique, quoi. Enfin, c'est absurde, le gars, il a le long imper, les lunettes de soleil, le cure dans la bouche, les mimiques, les attitudes, le fait d'avoir une séquence au milieu où il désigne 40 personnes tout seul. Enfin, tu sais, genre, le changement radical du perso. Tu sais, il y a un moment, tu lui dis, mais tu sais, tu pouvais t'arrêter à un truc cool. T'es pas obligé d'y mettre 40 trucs cool, tu vois. Et donc, ça s'arrête jamais, quoi. C'est un truc de malade. Il y a ça, il y a le fait que bah, ce soit un espèce de truc extrême. Moi, j'aime bien, enfin, moi, John Woo, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est quelque chose qu'on a perdu, c'est son romantisme, en fait. C'est que c'est un mec qui assume quelque chose qui pourrait être aujourd'hui considéré comme mielleux, quelque chose un peu naïf, un peu nièvre presque, mais que j'ai envie de ça, parce que c'est à ça que le cinéma sert, c'est de croire à fond dans tout ce que tu fais. Et John Woo, c'est ça. Il croit à fond dans ces personnages de chevaliers des temps modernes qui ont des valeurs ultra... Enfin, tu vois, qui vivent avec un code d'honneur, des valeurs, tu vois, la famille, les amis, c'est quand même un truc d'amitié qui est ultra fort. Et tu vois, les amours, même le côté, la vision qu'ils ont des femmes, c'est quelque chose d'hyper, un peu, c'est des personnages comme ça qui apparaissent toujours dans des moments musicaux. Il y a une sorte d'idolâtrie. Bon, c'est un peu des plantes vertes, on va pas se mentir, mais il y a quand même cette espèce de truc, ouais, de fantasme absolu, quoi. Et c'est beau, en fait, d'avoir des mecs qui à l'époque, faisaient ça sans aucune... On se dit, ça va être too much, quoi. Et aujourd'hui, il y en a tellement plus, des mecs qui font des trucs comme ça, des réals qui vont à ce point-là, dans l'emphase, dans l'acceptation totale du style, de faire des regards qui durent 4 secondes, où ils se disent rien, et juste, ils se regardent, et tu as une musique hyper forte derrière, et les gars, ils hochent juste la tête à la fin, c'est hyper... Et aujourd'hui, il y a une forme de dérision. Et d'ailleurs, dans les recherches que j'ai faites, c'est des films où le public européen, au départ, il ricanait un peu, hein, de ce genre de trucs. Parce que tu vas voir The Killer en salle, les gens sont morts de rire. Voilà, c'est ça. Il y avait un truc de ricanement qui était possible aussi, parce que c'est vrai que c'est tellement too much par moment que tu pourrais... Enfin, il y a un truc, ça peut, en tant que spectateur, il faut accepter... aussi d'y aller, mais à 200%, et de te laisser totalement embarquer par cet univers, quoi. Et après, moi, ce que je trouve fascinant avec toutes les scènes d'action de John Woo, parce que c'est quand même, c'est là où il est vraiment énorme aussi, c'est sa capacité à détruire, quoi. Moi, c'est toujours ce qui me choque, c'est, je vois pas pourquoi les autres films d'action, j'ai l'impression que les décors n'ont pas grand chose, alors que John Woo, il te ruine toutes les séquences. Il ne reste plus rien dans le décor, quoi. T'as tout qui pète. C'est-à-dire que la séquence, quand ils se battent dans l'appart, là, ils se tapent tous les meubles. Tous les meubles, ils se déglinguent un par un, ils se rentrent dedans. C'est la table basse, pomme. Et après, il a aussi une capacité à rythmer son montage, qui est vraiment une partition de musique où il a ça me fait penser à Jackie Chan, hein, cette capacité à accélérer, à ralentir pile poil quand il faut. Je veux dire, le plan où il lui pète la tête dans la table, t'as pile poil le plan qui est au ralenti de la tête qui traverse le verre, après tu reprends un rythme normal. Enfin, c'est une espèce de cadence qui est parfaite pour la lisibilité et qui donne des séquences d'action qui sont t'es jamais perdu. Tu sais exactement tout ce qui se passe. Tu comprends, chaque plan a une signification, tu comprends ce qui se passe. Enfin, tu vois, je veux dire, aujourd'hui, les scènes d'action, c'est soit on nous fait des plans-séquences hyper stylisés, soit on nous fait des choses où tu sais même plus ce que tu regardes et tu sais juste que c'est des gens qui se battent, quoi. Là, John Woo, c'est jamais le cas. Pour moi, tu sais exactement. Faire plaisir à Mireille, là, sur le plan-séquence. Soit tu mets des néons partout et c'est beau les néons. Ouais, non mais voilà. Donc là, franchement, c'est une leçon. Ah, John Wick. C'est une leçon. J'ai pas vu le dernier, moi, John Wick. Je me suis encore 3 heures, c'était trop pour moi. Mais non, et en plus, je trouve qu'en termes de narration, ça va vite. Il n'y a pas de perte de temps, t'es direct dedans.
Tu vois, le début m'a fait marrer parce que ça ressemble vachement à Police Fédérale Los Angeles, comme le générique. C'est sur des mecs qui fabriquent des faux billets, quoi. Et voilà, et c'est comment tu t'es. En vrai, c'est pas. Enfin, maintenant, je comprends déjà mieux, tu vois, Scorsese avec Les Affranchis, quoi. Je me dis qu'il avait forcément dû voir ce film avant de le faire, Les Affranchis. Ah oui. Obligé, en fait. Tu peux pas faire Les Affranchis sans avoir vu le Syndicat du crime avant. D'une certaine manière, je me dis, bah oui, en fait, cette iconisation du gangster, tout ça, il a dû le griller, il a dû le voir, Scorsese, tu vois. Et je retrouve de ça dans tellement de trucs maintenant que je me dis, ouais, il y a un vrai. Enfin, c'est beau de voir un film aussi, pas précurseur, mais qui pose autant de bases, quoi. C'est pas tout le temps qu'on voit ça. Et puis décomplexé sur. Sur son iconisation, c'est très intéressant ce que tu disais sur l'iconisation des gangsters, des hommes et la place de la femme, en tout cas cette vision qui est très ultra romantisée, c'est too much, tu vois, mais quelque part, ça donne une espèce de lecture encore plus fictionnelle, mais et d'un coup, tu es replongé dans un réalisme avec une violence, avec une narration visuelle qui te dit tout, avec une espèce de véracité, et les acteurs sont tellement plongés dans l'action que tu prends des coups pour eux. Tout à l'heure, tu parlais des meubles, la scène de l'appartement à la fin. Tu te dis, si le mec, à un moment donné, il s'est pas pris 3 écharpes dans l'œil ou dans le doigt, c'est que c'est pas du bois, tu vois. C'est juste pas possible. Tu te dis, les mecs, ils doivent se blesser tout le temps, quoi. Tout le temps et tout le temps sur des tournages comme ça. Et tu parlais aussi des valeurs de trahison, de famille, d'amitié, de fraternité. Et t'as utilisé le mot chevalier. Et moi, ça... À cette époque-là, je regardais un dessin animé qui s'appelait Les Chevaliers du Zodiaque, qui est pour moi le manga number one, tu vois, ever. Et ces valeurs-là de chevalier romantique, eh ben, j'ai l'impression que John Woo s'en est inspiré dans son film, parce que ce que je voyais en dessin animé, c'était ce que je voyais dans le cinéma de John Woo que j'avais jamais vu avant. Tu vois, les mecs qui crient avec son pote dans les bras et qui va le venger. Ça, c'était typique du dessin animé japonais Les Chevaliers du Zodiaque, et où la retranscrit comme ça tout au long, je trouve, en tout cas de sa saga épique romanesque de la mafia. Et ouais, c'est fou. Le beau parleur, le syndicat du crime number one. Attends, je peux rebondir juste sur un truc, pardon. Oui, non, parce que tu sais qu'avant, il a fait Last Hurrah for Chevalry. Oui, Last Hurrah for Chevalry, effectivement. Oui. Mais je l'ai vu, alors je ne l'ai pas revu. Et tu sais que tu m'en as parlé. En fait, c'est marrant parce que c'est un wuxia, tu vois, c'est un film de sabre et tout, mais c'est clairement, t'as tous les codes de John Woo, t'as les frères de sang, l'amitié, la trahison, c'est assez marrant. Ouais, je pense que ça, c'est un truc qui l'habite depuis toujours. Oui, pardon, parce que t'as dit chevalerie. Et donc, clairement, il y a la chevalerie, il y a les chevaliers, et même dans le syndicat du crime, il y a Tilung, tu vois, qui est en fait une icône de la Shaw Brothers, qui sort son sabre. Ah, tu vois, c'est gaulerie, quoi, quand même. Et d'ailleurs, il lui fait ressortir, dans Syndicat du crime 1, il lui fait ressortir, il déshabille avec la... Non, mais en fait, il a clairement remplacé les sabres par des flingues. Mais sinon, quasiment la même chose. Et d'ailleurs, j'en profite pour, rapidement, mais si vous êtes abonné à Mubi, en ce moment, ils passent tous les films de la Shaw Brothers. La sélection, elle est dingo, je crois qu'il y a 17 films ou 18 films. Et franchement, bah, c'est trop bien si vous avez envie de découvrir cette période-là du cinéma hongkongais, quoi. On en parlera après, t'en fais pas. Ça c'est clair et net. Mon beau parleur, parle-nous bien et parle-nous beau. Oh là, ça va être difficile, mais ils ont dit plein de trucs, c'est ça le problème. Alors d'abord, première chose importante, il faut savoir que ce film est un remake. Pendant longtemps, ils voulaient faire un remake d'un film qui s'appelle The Story of the Disarmed Prisoner, désolé, mon anglais n'est pas terrible, ça c'est le titre international, le titre chinois, la traduction, c'est La vraie couleur des héros, qui est le titre chinois aussi du syndicat du crime. Better Tomorrow, c'est le titre international. Ouais. Donc c'est un remake. Par rapport à ce qu'on a dit sur Chow Yun-fat et la place qu'il prend, c'est intéressant quand on regarde le film, parce que le personnage de Chow Yun-fat, en réalité, c'est un rôle presque, entre guillemets, secondaire par rapport à l'histoire en elle-même. Si on regarde, c'est surtout l'histoire des deux frères. Et en fait, ce qui s'est passé, un peu comme ce qui s'était passé entre Kurosawa et Toshiro Mifune, Chow Yun-fat, sur le tournage, il s'est lâché, et il fallait pas l'arrêter, parce qu'il était dans une folie créatrice que tu ne pouvais pas arrêter. Et du coup, c'est pour ça qu'il a pris cette place qu'il n'y a pas d'ailleurs dans le film d'origine. Ça s'est fait presque naturellement, et c'est ce qui fait que le film se démarque du. Non, c'est Marc, mais il se démarque pas justement.
Je remercie juste rapidement, excuse-moi, Nonosto, il a fait un petit don PayPal. Merci à toi sur le lien de la description PayPal.me. Merci Nono pour ton don, ça fait extrêmement plaisir. Je t'en prie, vous parle. Ouais. On a parlé de Chang-Chi tout à l'heure et on a parlé des influences. Bon, on en reparlera après, mais oui, en effet, John Woo a été assistant réalisateur de Chang-Chi. Hein. J'en avais parlé sur Bruce Lee, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait réviser. Donc, ce film, pas encore, mais en fait, je le prépare pour la suite, c'est un peu compliqué. Au Japon, il y a un genre de film de gangster qu'on appelle le Ninkyo Eiga. Le Ninkyo Eiga, c'est le film de Yakuza héroïque. Et en réalité, quand John Woo va faire ses films, que ce soit le Syndicat du Crime, que ce soit The Killer et compagnie, il va reprendre les codes du Ninkyo Eiga, tout en ayant évidemment différentes influences, comme l'a très bien souligné Zoltan, entre autres celle de Chang-Chi et compagnie. Et c'est pour ça qu'il met en avant ces espèces de gangsters héroïques. Ça, c'est une influence aussi du Ninkyo Eiga. Le Ninkyo Eiga, c'est un genre qui peut paraître un petit peu particulier. Quand on dit gangster héroïque, on est quand même un peu limite, mais le Yakuza au Japon ayant un statut particulier, ça peut se comprendre. À Hong Kong, je pense que tout le monde sait que la mafia a la main mise sur le cinéma, donc on peut imaginer la triade, exactement, qui était assez motivée pour ce genre de film. Et justement, le Syndicat du Crime va créer une mode, comme toujours à Hong Kong, quand il y a un truc qui fonctionne, il y a 50 films dans l'année qui sortent parce qu'ils les font super vite, ce qu'on appelle le Heroic Bloodshed. Et donc, le Heroic Bloodshed, on peut dire que c'est d'une certaine manière une espèce de version hongkongaise du Ninkyo Eiga. Et pour faire un lien occidental, on va dire, on pourrait dire aussi, d'une certaine manière, que le Heroic Bloodshed, ce côté un peu amitié virile et tout ça, c'est un peu une espèce de version hongkongaise de ce que pourrait être le buddy movie aux États-Unis. Bon, c'est relativement différent, mais c'est pour trouver quelques liens. Pour aller dans un truc que tu as dit, Zoltan, je pense que pour voir des films qui s'assument à 100% de nos jours, je profite, il faut aller voir du cinéma indien, hein, parce que là, ça s'assume toujours à l'ancienne et c'est trop bon. C'est vrai. On dit souvent de John Woo que c'est un réalisateur de films d'action, et c'est vrai, hein, c'est pour ça qu'il est connu. Bon, on a vu qu'il a fait des comédies, il a fait autre chose, mais je parle dans cette période. Mais ce film, en fait, c'est un pur film de gangster, en réalité, parce qu'il y a très peu d'action, finalement. Les fusillades sont assez courtes. Le final, il est assez court. Et il y a la fameuse scène qu'on appelle la scène des pots de fleurs, qui est la scène d'iconisation ultime de Shaun Fat, qui étonnamment c'est la scène d'iconisation, mais c'est aussi la scène de la chute. C'est ça qui est paradoxal. Et c'est dans cette scène que justement John Woo va faire, je trouve, la meilleure scène du film, et qui va tellement marquer qu'il s'est dit, après tiens, je vais faire des films entiers là-dessus, tu vois. The Killer, tu sens que c'est une extension de cette scène, c'est sûr. Ah oui, ouais. Ouais, c'est un peu comme Fury Road et Mad Max. Premier part de The Killer, c'est quasiment la même scène. Oui, exactement. C'est dans le même décor. Et t'as pas vu Just Heroes, mais dans Just Heroes, il y a un personnage qui dit même « Hey, je vais faire comme je suis une fête dans le film. » Oui, 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 on va en parler après. On va en parler justement, c'est ça qui est intéressant. C'est exactement ça. Comment ce film devient méta dans les autres films, quoi, tu vois. J'en profite parce que dans Une balle dans la tête, il y a une... Là, à un moment, il y a toujours une fête qui raconte une anecdote. Et en fait, c'est une séquence de Une balle dans la tête. Ah bah écoute, t'en profites bien. Et d'ailleurs, je laisserai Merej. Est-ce que tu veux rebondir d'abord Merej là-dessus avant que... Ouais, si tu veux. Alors vas-y, rebondis sur ce que vient de dire Zoltan. Et attendez, non. Alors je vais trop donner la parole, mais ouais. C'est que là, juste ce que vient de dire, ça, j'ai préparé un extrait là-dessus et je voudrais vous le montrer justement pour rebondir là-dessus. Oui, non, en fait, il y a une scène assez mythique où Chow Yun-fat explique à Chi-Lung que plus jamais personne ne foutra un flingue sur la tempe parce que quand il était jeune, quand ils étaient au Vietnam, ils se sont fait braquer. Non, il précise pas le Vietnam, mais il dit dans un bar en banlieue. Fin... Ouais, enfin, je crois qu'il précise, mais après je suis pas sûr. Mais peu importe. En fait, qu'ils les ont obligés à boire de la pisse. Et, ouais, c'est d'une balle dans la tête, on est d'accord. Enfin, elle est coupée. C'est ça. Mais justement, tu vas voir pourquoi. Et donc, cette anecdote, en fait, je crois que c'est une histoire vraie. Mais c'est pas une histoire vraie. C'est Ringo Lam qui a raconté ça à John Woo. Je crois que c'est ça le vrai truc. Donc, c'est un truc qui est arrivé à Ringo Lam jeune. Donc, il a raconté à John Woo. John Woo l'a mis dans son film. Ce qui s'est passé, c'est que. En fait, une balle dans la tête, à la base, c'est le Syndicat du Crime 3, en fait. Mais il y a une césure entre Choyark et John Woo. John Woo, en fait, je ne sais pas pourquoi, parce que Choyark, c'est un connard. Il veut faire de la maille, absolument. Et donc, au bout d'un moment, il lui a dit « Bon, tu me casses les couilles ». Il a récupéré Chow Yun-fat, parce que de toute façon, il est sous contrat avec lui. Il a réalisé tout seul le Syndicat du Crime 3. Mais John Woo, il a gardé plein d'éléments du Syndicat du Crime 3 pour faire une balle dans la tête, et notamment cette histoire de jeunes qui sont au Vietnam et qui boivent de la pisse. Et donc, tu as une scène où ils se font braquer
où ils boivent de la bière, mais où ils... c'est de la bière dans des gros trucs. Non, c'est, en fait, une bouteille, c'est exactement comme il décrit, c'est une bouteille de whisky. Il y a son pote. Non, tu m'écoutes-moi jusqu'au bout. Et donc, parce que tu l'as pas vu cette scène. Et donc, la bouteille de whisky, ça c'est avant. Ça, la bouteille de whisky, c'est avant. Non, juste après, il coupe. Tu sens qu'il y a une coupe dans le film. Écoute-moi jusqu'au bout. Et donc, une scène où ils amènent des pintes de bière et ils sont obligés de boire les pintes de bière. Sauf qu'en fait, ils pissent dans la bière. Et cette scène-là, elle a été invisible pendant des années. En fait, ils l'ont passée en festival. Et genre, il y a des grosses rumeurs comme quoi elle existait, mais personne ne l'avait jamais vue. C'était un truc de ouf et tout. Enfin, c'est devenu complètement mythique. Et sorti de nulle part du chapeau d'un magicien, à un moment donné, il y a 15 ans à peu près, ils ont sorti une édition en Blu-ray, en DVD, à Hong Kong, et dans les bonus il y avait cette scène coupée, et donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle le Director's Cut, c'est celle-là, Bullet in the Head version uncut, et dedans je vous ai mis l'extrait donc de la fameuse scène où ils boivent la pisse dans les pintes de bière. Et donc, ce qui n'a rien à voir avec, enfin, ce qui vient juste après la bouteille de scotch. Oui, non, mais tu le sens dans le film, tu le vois qu'il y a une coupe. Et parce que, la meuf, elle est dégueulée. Oui, et puis la meuf s'en va, elle est dégoûtée, je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Et donc, cette scène. Et je voudrais que je me fais striker si je mets un petit extrait d'une minute. Au cas où, les amis, si je me fais striker, on revient dans 5 minutes. Et je redonne la parole à Beauparleur, mais c'est parce que c'est la scène, moi, c'est ma scène préférée du Syndicat du Crime 1. C'est quand Chow Yun-fat, Marc, raconte cette anecdote avec Ti-Lung, et il raconte cette anecdote avec l'autre qui va devenir, qui apprend à être, qui est sous leurs ailes et qui va devenir le mec qui va les trahir plus tard. Et alors, elle est en français, la version que je vais vous mettre, mais tu verras, elle est super bien doublée. Si tu l'as jamais vu, Meresh, tu vas le découvrir. Et c'est le jeu de Chow Yun-fat que je trouve incroyable dans cette putain de scène. Mais pourquoi tu nous mets ça en VF, espèce de foufou? Parce qu'on est en France. Il part du jeu de Chow Yun-fat et il nous met des extraits en VF. Mais c'est pas grave. Vous l'avez vu en VF déjà, le film Zoltan? Toi, t'as rajouté en VO, Zoltan, du coup. Ouais, mais l'extrait, je l'ai vu en VF aussi. Bon, voilà. Alors, en tout cas, je vous mets cette scène en VF, mais regardez-le aussi en VO, bien entendu. Allez, c'est parti. Regardez tout en VO. Parce qu'elle a déjà eu un flingue entre les deux yeux. Non. Nous, ça nous est déjà arrivé. Tu te souviens? Ça se passait dans un petit bar de la banlieue. Il y a ce mec qui nous offre un coup à boire dans un nightclub. J'ai fait une réflexion, ça lui a pas plu du tout. Il y a deux types qui m'ont braqué. Je devais boire une bouteille de whisky. J'avais pas le choix. Mais j'aime pas le whisky. Et tu sais quoi? C'est lui qui l'a bu à ma place. C'était pas terminé, manque de peau, tout de suite après, j'avais 4 flingues sur la tête. Tu sais ce qu'ils ont voulu que je boive après? De la pisse. Et toi, sur ce coup-là, tu m'as pas aidé. Tu vois, c'est ça qu'il faut apprendre. Et c'est comme ça qu'on a dégoté notre premier boulot. Ouais, faut oublier ça. Je peux pas. J'ai chialé. Jamais j'avais chialé avant. C'est ce soir-là que j'ai juré que je ne laisserai jamais plus personne de ma vie pointer un flingue sur ma tête. Donc, effectivement, c'est l'extrait en VF, mais cette scène-là, les gars, est-ce que vous avez vu le jeu de Chow Yun-fat? Et il raconte effectivement, du coup, exactement la scène qui se passe dans Une balle dans la tête, sauf qu'elle est cutée, on voit pas quand ils boivent de la pisse, mais quand il lui dit t'as bu la bouteille de whisky à ma place, c'est exactement ça qui se passe dans Une balle dans la tête, on y reviendra.
Et je, mais cette scène-là, elle est incroyable. Le jeu de Chow Yun-fat, tout. Moi, c'est devenu mon héros, quoi. Continue le beau parleur si tu veux finir sur le syndicat du crime 1. Ouais, j'avais encore deux petits trucs à dire. Vite fait, alors, comme on l'a dit, vas-y, vas-y, vas-y. Acteur fétiche, en effet, de la Show Brothers, mais aussi, surtout, de Chang-Chi, entre autres. Hein. Il avait eu Wong Yu, duquel on avait parlé pour Bruce Lee. Quand Wong Yu est parti réaliser son film, justement, qu'on avait évoqué la dernière fois sur Bruce Lee, eh ben, il a pris, entre autres, Tilung, qui est donc un de ses acteurs fétiches. Donc, on est dans la continuité. Le syndicat du crime, c'est, avec un autre qu'on va citer prochainement, le film numéro un de John Woo pour les Chinois. C'est pas The Killer, c'est pas Hard Boiled, c'est celui-là, parce que c'est celui qui a le plus d'émotions, ce qui leur parle le plus. Pour eux, c'est son meilleur truc. Après, on a vu la scène, tout est dit, hein, le jeu d'acteur, le regard, le côté amitié, tout ça, il y a tout qui est dans cette scène, c'est incroyable. Si on accroche, c'est juste parfait. Y a pas d'autre. Non, mais même l'animalité, le regard, il est trop fort. Même quand il se tape sur la tête, on a l'impression qu'il est possédé par le truc. Quoi. C'est mais Chow Yun-fat, blague à part, c'est tellement un acteur incroyable, capable de faire le pitre comme pas possible, d'avoir la méga classe, un acteur de fou furieux, ce gars. Donc, le syndicat du crime 1, que j'ai vu, il y en a qui ont découvert du coup en salle bien plus tard en 93, mais qui était déjà un film de 86, c'est vrai qu'on avait une espèce de chronologie très compliquée avec le cinéma asiatique en France. Alors moi, bizarrement, ouais, quand j'ai découvert... Hein. Parce que franchement, je trouve ça aberrant que ces films-là soient durs à trouver quoi, aujourd'hui. Ah oui, non, mais c'est... tu veux un bon Blu-ray de ce film, il est introuvable, je crois. Non, mais en fait, c'est question de droit. Ouais, c'est des droits, c'est tout, c'est une question de droit. Hein, c'est tout, ouais. Ouais, mais c'est fou. Enfin, c'est mais c'est, il a raison, Zoltan, c'est une aberration, ce truc-là, c'est pas possible. Quoi. Alors là, une balle dans la tête, franchement, moi, pour le trouver, mais j'ai. Et en plus, je crois que c'est très très complexe parce qu'il y a des mecs qui ont les droits de la VF, il y a des mecs qui ont les droits de la VO. Il y a des mecs qui ont les droits de la VO sous-titrée. Enfin, tu vois, c'est un vrai casse-tête, quoi. Mais c'est ouf parce que ça te freine vachement. Pas dans la. Enfin, tu vois, il y a des réals. Tu prends un mec comme, je sais pas, Sergio Leone, qui est bien plus vieux que John Woo. Aujourd'hui, tout le monde a vu ses films, il passe à la télé tout le temps. Enfin, tu vois. Mais John Woo, c'est avec cette période-là, même si tu es à fond dedans, en fait, il faut avoir été initié pour les avoir vus. C'est ça qui est bien. Ou alors, suivre le live. Et comme ça, vous avez dit. Voilà, exactement. Non, mais c'est fou. Enfin, moi, je trouve ça flippant. C'est-à-dire que t'as personne, à part si t'es initié, qui tombe dessus de manière un peu harmonieuse, quoi. T'es obligé d'avoir du cul, d'avoir quelqu'un te le file ou. Mais dis-toi que, en fait, c'est génial parce que, en fait, t'es en plein dans ce qu'on a vécu à l'époque. À l'époque, c'était ça. À l'époque, il y avait un mec qui venait te voir et te fait mec, j'ai fait une VHS du Laserdisc de Thunderbolt. Putain. Non, il fait si, tu vas voir, c'est incroyable. Et c'était vraiment un truc de sous le manteau. Toi, les mecs, vraiment. Ça. Et moi, j'ai rencontré mon meilleur pote. Attends, tu parles du Jackie Chan, là, Thunderbolt. Ouais. Et en fait, ce que faisaient des mecs, c'est qu'ils allaient au quartier chinois, ils louaient les laserdiscs. Exactement. Il y avait des LD. Ils faisaient des copies en VHS. Parce que ça, les mecs, tu les louais. Ils faisaient eux-mêmes les copies, ils trouvaient les VHS. Et donc, c'était vraiment des trucs sous le manteau. C'était vraiment la copie d'une VHS, Il fallait aller chez Musica ou chez New Top. Et les mecs parlaient pas vraiment. Ils parlaient français, mais pas trop, tu vois. Ils s'étaient embrouillés, te louaient de la merde, mais en même temps, comme ils voyaient que tu revenais, ils te filaient des bons trucs. Bref, et c'était vraiment. Et tu voyais toujours, tu sais, des espèces de semi-caïra trop chelou, tu sais, qui étaient là. Et qui, voilà. Et qui, t'aimes ça, toi, les films de Hong Kong. Et dès que tu disais oui, il y avait un sort de putain, on s'est reconnu, tu vois, ça brillait dans le regard. Et c'était vraiment une petite, une petite, je sais pas comment dire, confrérie de fans hardcore, de mecs qui étaient là. Et donc, avec Beauparleur, c'est même là où on s'est rencontrés. C'était les débuts d'Internet. On s'est rencontrés entre guillemets. Il y avait des forums, tu vois, donc c'était le fameux forum HK Mania. Et donc, où tous les mecs qui allaient dans le 13e se réunissaient et disaient, ouais, alors moi, ce week-end, j'ai loué ça, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Et c'était incroyable, quoi. Et fallait vraiment mener l'enquête, quoi. Fallait mener l'enquête, acheter le VCD en qualité pourrie, enfin, et personne, tu parlais de ça autour de toi, les mecs disaient, qu'est-ce qu'il me raconte, ce mec, de quoi il parle, quoi. Et au passage, sur le forum, les gens étaient des pointures, hein. Putain, les gens connaissaient vachement bien. Hein. C'était vraiment une réunion de fans, quoi. C'était très spécial. Et je remercie Ali Ajax avec son don de 5 euros. Merci à toi, Ali. Il dit hello, bro. Le truc dingue serait que tu fasses une interview avec Jean-Pierre Dionnet. Il est ultra calé sur le cinéma de Hong Kong. C'est vrai. Bah oui, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Mais parfois, il dit des bêtises. Tu vois, on verra. Ça peut arriver.
pourquoi pas. Non, mais voilà, le syndicat du crime 1 est donc forcément, tu l'as très bien dit pour rebondir, Beauparleur, en fait, Shaun Fat, à la base, il n'a pas le rôle principal, mais il est tellement incroyable et iconique en tant que marque dans Syndicat du Crime 1, Better Tomorrow, qui va... Il meurt à la fin, voilà, spoiler, attention, on est obligé, parce oh, que... Oh merde. Oh là là, ça va. Mais en VF va. Ou en VO parce que... Le mec, il a spoilé. Mais t'es un ouf, pourquoi t'as spoilé? Mais parce que je suis obligé de parler du... On va parler du 2. Et alors, t'es pas obligé de le dire. Mais si, parce qu'on va, on va parler du personnage du 2. On est obligé de dire que comment il arrive. Tu peux dire que c'est son frère, sans dire que l'autre s'est fait ken. Bon, voilà. Ouais, mais sinon, ouais, mais c'est pas drôle de dire pour... Parce que, ouais, mais ça, mais en même temps, il y a prescription. Ouais, le film là, c'est 86, les gars. Mais moi aussi. Et faites comme nous, les gars. Fallait faire vos devoirs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ouais, ça gâche pas le film de savoir ce qui se passe un peu sans ce personnage. On est d'accord, Zoltan. Merci. Voilà. Ça va. Et en fait, le gars, du coup, il est là. Et les gars, il faut que Shaun Fat revienne dans le 2. Ouais, mais il est mort. Comment on va faire? Et je m'en fous. Shaun Fat revienne dans le 2. Mais ça, c'est Chuyark. Parce que, oh non, mais en fait, il faut dire. Moi, je vous le dis, c'est l'enfer sur Terre. Hein, ce qui, moi, j'ai l'impression d'être dans une télé-novelle, là, ça, quand j'ai regardé. Non, mais c'est génial, justement. Je pouvais pas. Hein. Non, mais c'est Chuyark. En fait, le film, il a tellement cartonné. Et Shaun Fat, il est devenu tellement un acteur fat. Iconique, quoi. Ouais. Sans faire de mauvais jeu de mots, qu'il s'était obligé d'avoir Shaun Fat. Tu pouvais pas faire autrement, quoi. C'était bon, bah, alors, c'est parti. Trailer. Et on revient tout de suite pour Le Syndicat du Crime 2. Moi, les gars, je suis... Alors, le 2. Moi, par exemple, je fais partie des gens qui, quand ils regardent le 1, je suis tellement dans la hype de Shaun Fat. On a très peu parlé de Leslie Cheung, mais je l'adore. C'est-à-dire vraiment l'espèce de jeune chevalier. Tu sais, c'est D'Artagnan, en fait, Leslie Cheung. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça, quoi. À Porto Saramis, c'est D'Artagnan. Et automatiquement, j'ai envie de voir le 2. Parce que la musique m'a hypé, parce que l'impair et les lunettes m'ont hypé, le Beretta et les 47 et les 45 m'ont hypé, tu vois, je veux voir le 2, surtout que tu vois la bande-annonce du 2, tu dis, mais attends, Shaun Fat, il revient, tu vois. Et comment, pourquoi, je veux voir. Et je regarde Le Syndicat du Crime 2, et justement, je vois Zoltan qui se pose la tête, il dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Zoltan, Le Syndicat du Crime 2, tu l'as vu du coup derrière le 1, t'avais vu le 2 déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai regardé à deux mois d'intervalle, mais je suis désolé, je vais choquer, mais pour moi le 2 c'est un nanar, hein. Pour moi c'est horrible le 2, franchement, c'est parce qu'en plus j'ai vu Syndicat du Crime 1, une balle dans la tête, et après j'ai vu le Syndicat du Crime 2, ah oui, oui. Genre là je me suis fait ça les trois derniers jours. Et franchement, le 2, en fait, je suis désolé, mais c'est horrible. Enfin, vraiment, le scénario, il est imbitable, c'est nul à yesh. Il fait repartir, c'est tout ce que j'aime pas, en fait. C'est que des. En fait, c'est du fanservice avant l'heure. Franchement, c'est. C'est du fanservice, ça, c'est horrible. Enfin, moi, c'est vraiment. Là, pour le coup, autant, tu vois, je louais la naïveté et le romantisme du premier et tout. Là, pour moi, c'est l'inverse total. C'est. On ne fait que des trucs qui servent à rien, juste parce que c'est ce que vous avez bien aimé dans le 1 en y mettant les potards à 25 000, quoi. Enfin, à 11. Et moi, je peux pas... Enfin, franchement, là, j'ai eu une énorme douche froide. Hein. Aussi, non, mais après tout, la VO, quand t'as les mecs qui parlent en américain et tout, mais c'est hardcore. Enfin, t'as des séquences qui... Tu sens que c'est du Shaun Fat Show, mais alors, juste pour le... Parce que pourquoi pas, quoi. Enfin, du Shaun Fat Show. Ouais, pour la séquence où il lui fait bouffer du riz et tout, c'est... Waouh. C'est hardcore. Enfin, la trame avec le perso, la principale, qui devient ouf et tout, là. Oh, c'est horrible, j'en pouvais plus, putain, et le mec, il le joue pas terrible. Enfin, bref, franchement, j'ai été choqué de... parce que, pareil, quand je me renseigne, les gens, ils l'aiment autant. Donc, moi, j'avoue que je ne comprends pas, j'ai perçu à ce point-là
le delta entre les deux. Moi, je l'adore. Je préfère le 1, mais je l'adore le 2 aussi. Mais pas au niveau du 1, c'est sûr. Mais pour d'autres. Ah non, mais après, voilà, c'est décomplexé, c'est fun. Il y a des séquences d'action encore plus grandioses que. Je veux dire, si t'as pas vu The Killer à toute épreuve, une balle dans la tête après, enfin, les séquences d'action du 2, elles sont impressionnantes. Bon, vu qu'après, il a fait des trucs bien plus impressionnants, je trouve que c'est pas là-dessus que je me réfugie. Et par contre, sur le reste, sur les persos et le film, pour moi, c'est regardable. C'est horrible. Mais bon. Ok. Alors, le beau parleur. Je vais être d'accord avec Zoltan sur l'histoire quand même. Hein. Ça, on peut pas nier hein. Le retour de Shaun Fat. Alors attends, dis comment. On n'a pas dit comment revient Shaun Fat. Vas-y, résume le film. Alors là, accroche-toi, mon gars. L'autre, il est mort. Ils disent merde, il faut que Shaun Fat revienne. Vas-y, t'as un frère. Vas-y, ouais, son frère. Vas-y. Frère jumeau. Non, mais attends, il le présente façon Nicky Larson. Tu sais, oui. L'autre, il les dessine en fait. Il dit c'est qui lui? Il ressemble à Mark. Ça, c'est Ken. C'est pas Mark. Oui. Et attends, mais en fait, c'est là où ça devient déjà tout de suite méta, bien avant Justin Rose, c'est qu'ils iconisent Mark. Genre, on est dans un workshop. Pour le coup, on est vraiment dans un workshop où t'as des photos de Mark, t'as son imper troué, t'as sa paire de lunettes. Et tu sais, genre, c'est iconique, quoi. Tiens, putain, c'est son vrai manteau. Et il dit, ouais, il a un frère qui vit à New York, tout ça et tout. Et son frère s'appelle Ken. Et c'est comme ça qu'ils vont faire revenir Shaun Fat 2, quoi. Mais je suis totalement d'accord qu'au niveau scénario, honnêtement, c'est pas terrible. Mais il y a un truc à Hong Kong, il y a pas mal de fans de Hong Kong comme ça. Alors moi, c'est pas mon cas. Mais il y en a plein qui disent, bon, les scénarios, c'est de la merde, mais l'action est géniale, donc je kiffe, mais le scénario, c'est de la merde. Moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est même des films, généralement, qui sont considérés comme ayant des scénarios moyens, moi, j'aime bien. Parce que, bon, ça, on rentre dans un autre délire. Mais par exemple, là, on est dans l'Heroic Bloodshed, il y a un type de scénario que j'aime bien. Si je regarde un film de Kung Fu, les scénarios des films de Kung Fu, ils ont un truc que j'aime bien. Si c'est juste l'action, j'ai un peu plus de peine. Là, pour le coup, c'est clair qu'il faut comprendre que c'est l'action qui prédomine au niveau de la qualité. C'est clair qu'on voit déjà ce bond de qualité, ça monte clairement. Ce n'est pas encore ce qu'il fera par la suite, c'est sûr. Mais on voit clairement là déjà tout ce qui est John Woo qui est là. Et on a dit le manteau, les lunettes de soleil, Matrix, coucou, comment tu vas, et autres variantes. Quoi. On voit déjà, les codes, entre autres le massacre final qu'on peut rapprocher en effet de la Horde sauvage de Sam Peckinpah. Même si en réalité, bien sûr que John Woo a déjà cité Sam Peckinpah, mais lui-même s'inspire plutôt de Chang Chi, qui lui-même refaisait un peu du Sam Peckinpah, mais en mode Wuxiapian. Pour moi, graphiquement, pardonne-moi, hein, je te juste pour rebondir, pour moi, graphiquement, il ne s'inspire pas du tout de Peckinpah. En fait, il s'inspire de Peckinpah au montage. Non, au niveau du montage, en fait, au niveau des ralentis. Ralentis, les mecs qui meurent au ralenti. Mais c'est tout, quoi, en fait. Mais ah oui, et puis le fait que Tilung il sorte un sabre, mais c'est un katana qui sort, c'est pas un sabre chinois, c'est un sabre japonais qui fait le lien avec ce que je vous ai dit, le Nimkyo Iga. Donc en fait, John Woo voulait pas faire ce film, comme l'a dit Meresh, c'est le seul qui a fait bon, il nous faut une suite, tu te démerdes, et puis il faut Yeshu une fois, tu fermes ta gueule, et puis voilà. Donc il l'a fait, et on sent que voilà. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il s'est lâché au niveau des expérimentations. Il savait aussi que la scène qui avait marqué dans le premier, c'est celle des pots de fleurs, donc il fallait pot de fleuriser le film, si tu vois ce que je veux dire. Et voilà, en fait, c'est plus, je pense qu'il s'est lâché un peu dans ses hommages, dans ses expérimentations qui nous mèneront évidemment vers le bonheur absolu et parfait par la suite. Après, c'est pas un film que je déteste parce que je trouve que justement, il est important dans l'histoire du cinéma de Hong Kong de par son visuel. Et parce que c'est quand même assez kiffant, même si parfois je trouve, la mère, il a pété un plomb, il a fait chaud, crasse. On sent peut-être aussi que parfois c'est un petit peu surchorégraphié, tu sais, t'as montré la scène, là, le fameux, là où il y a un mec qui tombe, il l'esquive. Ça, bon, c'est parce que c'est chorégraphié par Ching Siu Tung, donc, et on sent encore cet aspect peut-être, un peu surchorégraphié, chose que les gens critiqueront plus tard dans John Wick, par exemple. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas évoqué encore, c'est le type de gunfight qu'il y a à Hong Kong, dans le cinéma d'action hongkongais, là, on peut en parler. Là où le cinéma d'action américain, quand on regarde des films d'action américain, moi j'adore le cinéma d'action, je ne sais pas si vous savez, c'est mon genre préféré. Donc le cinéma d'action américain, j'en ai vu quelques-uns. Et souvent, quand on regarde des scènes d'action, bon, on va pas se mentir, tu vois que les mecs, ils bougent pas beaucoup. Hein, c'est un peu pan-pan, je me cache, je sors, pan-pan, si tout va bien, et puis voilà. Et en fait, le cinéma hongkongais est beaucoup plus physique. Il y a beaucoup plus de physicalité. Ça tombe bien, c'est un film d'action. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste le flingue qui tire. Il y a beaucoup plus de mouvement dans l'espace, beaucoup plus de déplacement et de chorégraphie, justement, sans doute issu du cinéma d'arts martiaux, tout ça. Comme on a dit, Chang-Chi et compagnie. Donc, c'est pour ça que c'est pas le premier film avec des gunfights à Hong Kong et tout ce qui va avec, vraiment pas, mais c'est clairement un film qui a fait école. C'est pour ça que c'est un film qui est quand même important dans l'histoire du cinéma de Hong Kong.
Non, mais c'est bien cette précision que tu as de dire que c'est en fait l'extension des films d'arts martiaux, sauf que les mecs, ils ont des guns dans la main et il faut les faire évoluer dans l'espace. Donc il y a des ballets, des chorégraphies qui sont faites avec des mouvements très. Ouais, c'est sûr. Un hein, gymnase, genre... quoi. Tu vois, il faut sauter, il faut faire des, dans, des mecs qui flippent. C'est la première fois qu'ils descendent les escaliers à l'envers. Enfin, tu vois, en fait, ils réutilisent plein de mouvements. Il y a même certains plans. Tu, genre, moi, je vois un plan qui est au début de toute épreuve. Où tu as Choi Yun-fat avec son, un peu en, avec le flingue en premier plan et lui qui a son cure-dent, tu vois. Tu sens qu'en effet, c'est une espèce de croquis de tout ce qu'il va faire après en mieux dans The Killer et dans à toute épreuve en termes d'action. Mais c'est vrai que tu perds. Pour moi, j'étais hyper frustré en fait de me dire tu perds plein de trucs qu'il y avait dans le premier qui a plus du tout. Tu vois, le côté dans le premier, tu vis quand même, parce qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais le premier, ça reste quand même, c'est un peu l'impasse hein, de le film de Coppola, de Palma, hein, je veux dire, c'est l'histoire d'un, quand même d'un gangster qui sort de tôle et qui essaye de plus toucher au milieu, et le milieu qu'il rattrape de manière inéductable, en plus avec son frère en parallèle, qui est flic, tu vois. Et là, c'est vrai que tu perds ça direct, genre, première séquence, le gars il sort de tôle, vas-y, on lui file une mission, et après, enfin, je veux dire, il n'y aura plus jamais ce rapport un peu bizarre de t'es un ex-tôlar à qui on a confié une mission. Enfin, tu sais, t'as l'impression que le gars, on lui a dit, vas-y, fais ce que tu veux. Bon, la police n'en entend plus parler. Enfin, tu vois, genre, c'est hyper décousu. Et moi, pour moi, ça me gâche presque le 1, parce que il y a un truc de me dire, attends, le 1, il y avait toute une espèce de, enfin, ça lui coûtait, quoi, de trouver, enfin, d'obtenir ses libertés. C'était pas rien. Tu vois, et à la fin, l'acte qu'il fait à la fin, il a une valeur, tu vois, de se dire, vas-y, mon frère, tu peux m'emprisonner, il n'y a pas de problème. Et dans le 2, c'est en mode, bah, les steaks, on me libère tout de suite et on me surveille même pas pour la suite et tout. Enfin, c'est le Conan le destructeur de Conan le barbare, Syndicat du crime 2, c'est un peu ça. Non, mais après, voilà, je peux comprendre que ce soit un délire total de parce qu'en termes d'action, c'est vrai qu'il y a des séquences, tu vois, celle de l'église qui est hyper bizarre, d'ailleurs, en termes de chorégraphie, je trouve. Je sais pas si vous voyez bien la séquence, mais quand même au départ, ils veulent buter un gars au fond de l'église, et je sais pas pourquoi ils braquent un gars avec un couteau, genre au tout début de l'église, j'ai rien compris ce qui se passait, je me dis c'est trop bizarre. Bah, t'as la scène de l'hôtel qui est un peu genre, tu sens le mec qui révise en fait ce qu'il va faire dans le début de à toute épreuve. La scène de l'hôtel, ça ressemble vraiment à la scène du salon de thé dans à toute épreuve, tu vois. Les escaliers, les différentes armes qu'il utilise et tout. Mais bon, j'avoue que j'ai été hyper surpris, quoi. Parce que je pensais que c'était un peu comme Infernal Affair, où pour le coup, le 1 et le 2, il y a, enfin, tu vois, moi, je trouve qu'il monte en puissance presque. Et ça apporte des réponses au premier. Enfin, tu vois, c'est là, pour moi, c'est l'inverse. C'est limite, vous m'auriez fait un autre nom avec d'autres gars, j'aurais préféré, quoi. Il y a un truc super intéressant dans ce que tu précises, c'est que justement, c'est le film qui est plus actionneur que le premier, mais étonnamment, il fonctionne moins bien parce que le drame fonctionne moins bien. Et c'est ce qu'on disait en off, c'est que John Woo, comme tu l'as dit avant, Zoltan, c'est avant tout un gars qui va à fond dans l'émotion et dans le drame et dans la musique et tout ça, qui fait comme moi, personnellement, ça fonctionne superbement bien. Ce mélange, on va dire, de films d'action et de drame, qui sont des genres... pas forcément ironique, mais que les gens généralement, les jeunes aiment l'action et pas le drame, on va dire comme ça, si on stéréotype, bah, je trouve que c'est ce mélange des deux qui fonctionne superbement bien. Et là, pour le coup, bah, forcément, vu que l'histoire est un peu boiteuse, bah, c'est... Mais il y a même un moment où il y a une mort dramatique où j'ai cru que c'était du fantasme, c'est genre la mort de la fille du... Bah oui, mais alors... Ouais. Moi, j'y croyais même pas, genre, tu sais, et ça, c'est normalement, c'est pas normal, en fait, dans un film comme ça, et connaissant ce que John Woo fait normalement, il y a un truc comme ça, t'es supposé être en emphase émotionnelle totale, et là, j'arrivais même pas à savoir si ce que je voyais, c'était du vrai, du faux, une projection, peut-être. Je me dis, putain, là, t'as chié dans la colle, mon gars, quoi. Normalement, un truc comme ça, t'es supposé me soigner avec. Non, mais c'est Choyard, ça, t'inquiète. Ouais, bah non, mais après, j'imagine. C'est normal, tu sais, n'oublie pas qu'il fait des... Il fait des films avec des catcheurs à tête d'animaux. Hein. Il a un problème aussi. Alors, avant de donner la parole justement, Mérège, moi, il y a quand même un truc qui m'a fait, et je suis d'accord avec vous, donc c'est plus action que drame. Bon, l'iconisation, elle est sur-iconisée, là, dans celui-là. On voit effectivement qu'il s'entraîne à faire tout ce que le public veut, en fait, au final. Je pense qu'il y a une espèce de fanservice avant l'heure. Et en fait, les deux trucs dramatiques, je trouve, qui fonctionnent bien, alors un plus que l'autre, c'est quand même le Leslie Cheung, je trouve, la place qu'il a dans ce film-là. D'ailleurs, spoiler alerte, il va mourir dans ce film. Et moi, ça me bute. Surtout qu'en plus, il est mort très jeune. Mais quand il meurt,
Sa séquence de mort, elle est quand même, faut l'accepter. Hein. Ben, non, mais moi par exemple, oh. moi, c'est là où je trouve que John Woo, il arrive encore, tu vois, à tu vois, quand il dit, il appelle T-Long, j'ai oublié son nom d'ailleurs, il dit à son grand frère, Pépi est morte. Là, il y a la musique qui démarre avec les violons, et là, il fait un espèce de drift avec sa voiture, tu vois, quand il apprend la mort de la fille, parce que la mort de son pote, la fille de son pote est morte. Et moi, c'est ces petits moments qui sont malheureusement effectivement trop vite balayés qui me disent, ouais, quand même, tu vois, à chaque fois, il fait mourir des personnages importants et t'as pas envie qu'ils crèvent. Et derrière, il va faire mourir Kit, donc joué par Leslie Cheung. Et ça me bute en plus, parce que je voulais pas qu'il meure, moi. Tu vois, à chaque fois que je regarde le film, je redoute sa mort, tu vois, à ce personnage, parce que je l'aime trop, tu vois. Et c'est là où ça fonctionne pour moi. Mais bien entendu, beaucoup moins bien que le 1. Mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir regarder le 2 quand j'ai vu le 1. Il y a un truc comme ça qui marche. Et toi, Meresh, t'es un peu comme Zoltan, un peu déçu du 2. Moi, je te parle de mon ressenti quand je l'ai vu donc, au studio des Ursulines. Je vois le 1, j'ai l'impression d'avoir vu le meilleur film du monde. Je vois une balle dans la tête, je me dis putain, vas-y, enchaîne. Et quand Syndicat du Crime 2, il commence, c'est pas possible, quoi. Enfin, tu vois, la séquence à New York, toute flinguée, j'y crois pas du tout. Le scénar est nul. L'acteur avec les cheveux blancs, je le déteste. Tu sais, vraiment, je déteste ce perso. Oui, c'est vrai qu'il joue pas. Alors lui, c'est vrai, il joue pas terrible. Le mec, il devient ouf, quoi. Ouais, ouais. C'est pas Jackie Chung dans une balle dans la tête. Ça, c'est clair. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est pas Jackie Chung. Mais encore une fois, tu sens le proto, quoi. Le mec, il a fait un croquis de ça. Exactement. Et puis, moi, il y a un truc que j'achète pas du tout. Enfin, c'est Ken, en fait. J'en ai rien à foutre de Ken. Moi, c'est Mark, mon héros. Ken, mais en fait, ça a beau être Shogun Fat, j'en bats les couilles. Enfin, tu vois, il suffit pas qu'il foute l'impair de son frère et ses lunettes pour être, tu vois, Mark, quoi. C'est mort. Et en fait, moi, ça m'a toujours dérangé de ouf. J'étais là, mais je m'en fous. Vous auriez dû faire un préquel. J'en ai rien à foutre. Ouais, au pire, il est pas. Enfin, tu vois, franchement, je préférais. Ouais, voilà. Non, mais voilà. Au pire, il est pas. Enfin, il se prend une balle dans la tête en même temps. Mais bon, en même temps, enfin voilà, c'était pas possible, quoi. Et du coup, je faisais un rejet en tant que spectateur. Tu sais, pendant tout le film, de me dire, mais c'est pas Marc à arrêter tout de suite. Tu vois. Et pour être tout à fait honnête, commence avec lui qui parle anglais. Hein, et là, ça picote. Hein. Ouais, ça picote bien. Non, pour être tout à fait honnête, moi, le film, en fait, je le regarde pas. En fait, je regarde la fin. Et j'ai dû mettre une centaine de fois la fin de Better Tomorrow 2. En fait, on l'a tous fait, hein, je pense. En fait, on regarde le gunfight final parce que c'est la première fois qu'on voit ça ever on screen, tu vois. Il y a un truc de jamais vu. Et comme disait Beauparleur tout à l'heure, il y a une sorte de plus-value. C'est la scène des pots de fleurs, mais fois 1000. Là, ça commence vraiment à ressembler à toute épreuve, entre guillemets. Et c'est complètement incroyable, quoi. Le plan le plus incroyable, je crois, pour moi, c'est Sweet Chun Fat qui se baisse au ralenti avec l'explosion qui lui arrive. Tu sens que c'était pas prévu sur le tournage, limite, que ça lui a vraiment fait peur, quoi. Il n'y a pas de fond vert, les gars. C'est du pratique. et voilà. Et c'est une sorte de massacre complètement ouf. Surtout qu'à l'époque, enfin, tu sais, comme je te disais, c'était des films, tu avais l'impression un peu de voir un porno. Enfin, tu vois, il y a un truc, personne n'a jamais vu ça, personne ne connaît. Tu as l'impression d'être tombé sur un trésor, un truc en or massif, tu vois. Mais objectivement, le film, il n'est pas bien. Objectivement, Better Tomorrow 3, c'est beaucoup mieux que Better Tomorrow 2, quoi. Il n'y a, y a pas de souci, quoi. Mais voilà, c'est ce massacre final. C'était le début du meilleur réalisateur d'action de l'histoire. On se disait, putain. Qu'est-ce qu'il va faire après? Enfin, tu vois, tu avais instantanément envie de suivre la carrière du gars, quoi. Et on n'a pas été déçus parce qu'on s'est pris à toutes les preuves. Non, mais Schizo, il dit balle réelle, une dinguerie. Mais tu sais, je regardais les scènes de fusillade quand je me suis refait la plupart des films. Bon, il y en a que je n'ai pas revu parce que je les connaissais par cœur. D'ailleurs, excuse-moi, je te dis n'importe quoi parce que j'avais vu à toutes les preuves avant. Mais parce que là, je cogite chronologiquement. Mais en fait, c'est ce qu'ont dû se dire les gens à l'époque, puisque toute épreuve était bien sortie, évidemment. Mais nous, Européens, Français, on avait déjà vu. Enfin, si tu veux, c'est bizarre, on s'est pris les films dans le désordre, quoi.
Donc on oui, a, en fait, tu te dis comment ça se fait que. Non, mais ça va être. Non, mais c'était un peu l'apprentissage. Enfin, tu vois, c'était un peu l'apprentissage du roi. C'était. Parce que quand À toute épreuve sort, c'est le meilleur film d'action du monde ever, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et tu te dis, il faut absolument que je voie le reste de sa filmo. Enfin, c'était plus ça pour nous. Mais pour les Hongkongais, j'imagine, et puis pour ceux qui avaient accès à ces films, j'imagine pas le choc. Enfin, tu vois, c'était un choc, un vrai, quoi. Tu vois. Il y avait très, très peu de films comme ça. Enfin, aussi bien shooté, aussi fou, aussi sanglant, avec autant de practical, tu vois, les mecs se déboîtent l'épaule, se pètent la tête, c'est incroyable. Ce qui me fait marrer, c'est que tu sens qu'ils ne prennent jamais une balle dans la tête, parce que c'est relou à faire, en fait. Donc, ouais, bah, ils se retrouvent toujours avec le corps, tous les mecs se font liquider le bide, mais la tête, il n'y a jamais une balle qui feurte. Mais c'est marrant, il y a Schizo qui dit « balle réelle, une dinguerie », parce que je disais, tu sais, tu revois les fusillades d'avant, t'as vraiment l'impression que les mecs se tiraient dessus, quoi. C'était tellement bien fait, c'était tellement graphique, c'était tellement tout en practical. Les mecs tiraient, bien entendu, à balle à blanc. Du coup, t'avais vraiment cet impact, la déflagration avec la flamme, tu vois, devant les flingues. Donc, du coup, tu crois, alors qu'aujourd'hui, maintenant, on sait que 99% des fusillades sont faites tout en CGI, même les flingues, ils tirent jamais, les mecs sont obligés de, tu vois. Donc, déjà, il y a un truc dans le jeu qui te tue, parce que quand tu tires à blanc et quand tu tires, tu fais semblant de tirer, c'est pas du tout la même chose, quoi. Il y a quand même, t'as l'impression de tirer une balle quand même, tu tires à blanc. Mais même, tu clignes des yeux, il y a exactement, oui, parce que t'as le. Tiens, je raconte une anecdote. Tu te souviens de la scène d'action que j'avais filmé, le combat que j'avais fait, je t'avais montré, mais à la fin. Je tire à blanc avec un vrai pistolet à blanc et je m'étais trompé, j'avais mis une balle au lieu de mettre une balle à blanc dedans, j'avais mis une balle au poivre. Donc en fait, il y a un shot. Attends, écoutez bien. Je tire. Ou pas attends, je tire et il y a une rafale de vent au moment où je tire et tu vois le nuage de poivre qui me tombe dans la gueule et là je m'écroule par terre et mon frère en train de me filmer mort de rire et j'ai les yeux rouges et tout, ils mettent de l'eau dans le truc. On a dû attendre 20 minutes avant qu'il puisse refaire la scène en tirant à blanc. Au passage, je vous montrerai ça, les gars. Vous allez voir. On rigole, mais tu vois, qu'on le veuille ou non, c'est pas. Moi, je suis à l'ancienne, hein, quoi qu'il en soit. Mais après, il y a eu le truc, l'accident avec Brandon Lee et tout ça, quoi. Donc, malgré tout, il y a plus de sécurité aussi. C'est... Non, non, là, alors, voilà. Le prop master, ce qu'on appelle celui qui s'occupe de toutes les armes. Mais moi, des fois, je me dis à Hong Kong, s'il n'y a pas eu des accidents, c'est que. Enfin, bref, mais bon, ça, on le saura jamais. Évidemment qu'il y en a eu. Mais c'est voilà. Donc, non, attention, hein, y a un danger, il faut faire très attention. Non, après, juste pour là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, quand c'est. Je veux dire, une fois que tu as intégré certaines notions, tu peux faire des choses qui sont hyper convaincantes différemment. Enfin, tu vois, faut la technologie au service du truc et. Et je pense que tu peux faire des gunfights aujourd'hui qui sont tout aussi convaincantes que ce qui a été fait à l'époque. Après, je pense que là, John Woo, c'est une combinaison de plein de trucs. C'est à la fois des performeurs qui sont capables d'aller dans un extrême très très loin, des décors qui sont capables de déglinguer, de refaire, et tu vois, une espèce de démesure là-dessus, des armes ultra, enfin tu vois, où ils poussent au plus loin possible là, c'est la non-sécurité. Forcément, bah ouais, ça marchait bien, quoi. Mais l'explosion là, le plan de l'explosion où Chow Yun-Fat il est juste derrière l'explosion, c'est quand même un truc de fou. Hein. Le film Lifeline, on n'en parlera pas. C'est le backdraft hongkongais qui est sorti. C'est les mecs qui sont plongés dans le feu, quoi. Tu vois, c'est un délire complet. Tu l'as vu le film, comment il s'appelle, Devil Hunters, je crois. Où à la fin, en fait, ils sont sur un balcon comme ça, il y a une explosion, puis ils devaient sauter avant qu'il y ait l'explosion. Puis en fait, les acteurs, l'explosion les a pris, tu vois. Et le film s'arrête là, il y a eu un petit accident à la fin, puis ça finit par tel acteur a fini à l'hôpital pendant 3 jours, il a été brûlé à 30 degrés. De toute façon, on l'a vu avec Jackie Chan, combien de fois il s'est. Ouais. C'est une nana qui se fait cramer, non? Ils sont trois, ouais, en effet. Sibelou. Et au passage, petite parenthèse par rapport au truc des balles réelles, en Thaïlande, Panari Kritakai, donc celui qui a été entre autres le chorégraphe de Hong Bak et tout ça, qui était le grand monsieur du cinéma d'action thaïlandais, il filmait en effet des scènes d'action à balles réelles parce qu'ils n'avaient pas de sous, en fait. Donc tu vois, tu veux que je te dise, la première fois qu'on a vu, je pense pour toi aussi, Beauparle, la première fois qu'on a vu Born to Fight, le trailer, on était là, les Thaïlandais, parce que c'est des déglingos. Parce que tu crois que les Hongkongais, c'est des oufs, mais les Thaïlandais, c'est des psychopathes, réellement. C'est-à-dire que tu vois le plan où le mec tombe, il rebondit sur deux camtars pendant que le camtar roule, et sa tête passe à ça de la roue, mon gars. Et tu sais, on commence à voir ça, on fait, qu'est-ce que c'est, mec? Et c'est la seule fois où j'ai retrouvé un peu cette sensation de putain, on n'a jamais vu un truc pareil. C'était la première fois qu'on a vu Hong Bak et Born to Fight, c'était complètement dingue, quoi.
Bah, mecs sont des barjots réels, quoi. Les scènes de gunfight à balles réelles que je disais, je crois que c'était dans les Born to Fight, mais les anciens, c'est ceux qu'il avait fait avant. Ouais. Voilà. Les amis, on avance. Donc, juste pour rappel, hein, on était en 86 sur le Syndicat du Crime 1 et il enchaîne, hein, parce qu'en 87, ah bah, c'est le Syndicat du Crime 2. Ressent, hein. Ça se ressent qu'il l'a fait, qu'il a pas potassé longtemps. Bah, tu vois, il s'est pas dit, putain, qu'est-ce que j'ai à raconter. C'est la méthode hongkongaise. Ça, tu vois, il faut sortir tout de suite, surfer sur le show. Voilà, ils ont voulu faire un succès, ils ont voulu faire des thunes facilement, ils l'ont fait. Ouais. Ouais, bah t'inquiète, les Ricains font pareil, hein, ça on va pas. Oui, mais sauf que... Ils mettent plus de temps. Ils mettent plus de temps. Le Hongkongais, c'est des psychopathes, ils te sortent ça, genre bling, tu vois, 6 mois après, limite, tu vois, c'est très ça. Bizarre. Exactement. Les gars, nous sommes en 1989 et va sortir. Oui. Au cinéma, bon, moi je l'ai vu bien plus tard, malheureusement, mais bon, quelque part. Le monde entier, mais le monde le entier. Le meilleur film du monde. Pour moi, le chef-d'œuvre absolu. Tout, j'allais dire tout par-delà. Non, pas tout par-delà, mais tout redémarre de ce film-là pour moi, même si ce film s'est inspiré de plein d'autres films merveilleux. Non, mais si, mais t'as raison, tout par-delà. Mais pour moi, ce sera ma référence, en tout cas, j'en suis son contemporain. Je sais pas combien de fois je l'ai vu, c'est j'adore. Il s'agit bien entendu, vous le savez tous, de The Killer, petit trailer. En français dans le texte, un putain de chef-d'œuvre. Ça, c'est. Ferrage, il a fait comme moi. Merde. On a dégainé. Alors, ça, bien entendu. C'est merci HK Vidéo, hein, toute cette édition-là qui est maintenant un peu introuvable. Voilà. Où dedans, vous aviez la version longue. Je pense que voilà. Ah voilà. Et le magazine qui allait avec, bien entendu, que Zoltan a dégoté en foiré. Remercie Kim du restaurant Toriyoshi pour me l'avoir prêté. Ah ben on remercie Kim alors. Voilà. Et j'ai voilà. Merci. Voilà. Ça c'est une édition. Ça c'est un bootleg qui est sorti. Voilà parce que voilà malheureusement, comme a dit Zoltan, c'est très compliqué de retrouver ces films. Voilà. C'est donc, ouf. Ça, ouf hein, franchement. C'est voilà, donc merci les gars. The Killer, voilà, c'est pour moi, enfin vous avez vu un petit peu voilà, la mini bande annonce que j'ai refaite. En fait, dans ce film, pour moi, il y a tout. C'est un film, moi, j'ai un film parfait. Plus je le revois, plus je l'aime, plus je le redécouvre, plus je me dis, mais quelle folie ce film! Mais quelle folie de détails, quelle folie de tragédie, quelle folie de maestria, quelle folie de déflagration, de pyrotechnie, de chorégraphie, de narration visuelle, de classe, de production design, tout est absolument parfait. Le duo, le buddy movie, le flic, le tueur, Daniel Lee et Chow Yun-fat, c'est pour moi c'est vraiment le chef-d'œuvre ultime. C'est là où en plus Chow Yun-fat incarnera mieux l'icône qu'il est déjà depuis le Syndicat du Crime 1, avec ce qui avec ténébreux à mort, ce qu'il faut de pseudo-humour dans le film, parce qu'il y a un peu de... c'est pas vraiment de l'humour, mais on sait qu'il sait très bien jouer l'humour, il sait faire le con, on le verra par la suite. Mais là, c'est la perfection. Pour moi, ce film, c'est tout ce que devrait être un bon polar d'action, parce que c'est pas juste un polar, c'est un polar d'action avec des scènes d'action qui j'imagine qui vont choquer toute une génération de violence, une histoire d'amour, la musique, je parle de la musique de Ko, hein, pas la musique empruntée à James Horner, mais la musique originale qui est incroyable, voilà, c'est tout ce que j'aime, je l'adore, je l'aime d'amour ce film, The Killer. Et pour commencer, je vais donner la parole à Merej, qui va commencer sur The Killer. Ouais, alors juste, je rebondis sur ce que tu as dit, alors plus maintenant d'ailleurs, c'est marrant, mais si jamais vous trouvez cette édition là, il faut vraiment la choper, parce que donc il y a la version longue
donc la version taïwanaise de The Killer, donc avec une, je crois, 15 ou 20 minutes en plus quand même. Hein. Bon, c'est doublé en mandarin, parce que c'est à Taïwan, c'est en mandarin, donc c'est un peu relou et la qualité, elle est pas parfaite, mais c'est vachement cool d'avoir cette version longue de dispo. Ceci dit, là, ils viennent de sortir un Blu-ray en Allemagne, et en fait, il y a dedans cette version longue, mais en 1080p, donc en Blu-ray. Donc c'est upscalé et tout, mais c'est quand même cool, c'est la meilleure version qui existe, donc voilà, vous pouvez la trouver. The Killer, moi je te dis, c'était un film fantôme. The Killer, c'était le film fantôme. C'est-à-dire, tout le monde avait vu Hardball, tout le monde, enfin, moi, quand on était dans la hype du truc, tout le monde avait vu, donc, pendant les rétrospectives, le Syndicat du Crime 1 et 2, tout le monde avait vu Une Balle dans la Tête, et tout le monde entendait parler de The Killer, The Killer, The Killer, The Killer, The Killer, et un putain de possible de voir ce putain de film, quoi. Et pendant hyper longtemps, quoi, ça me rendait dingue. Et donc, une fois, je vais au Virgin Megastore des Champs, et là, mon petit cœur, je vois The Killer. Putain. Et je fais, oh, bordel de merde. Et la cassette était en NTSC, je me suis dit, je m'en bats les couilles, je l'achète quand même. Et donc, je l'ai acheté, donc c'était en doublé en anglais, hein. C'était donc un import américain. Et donc, j'arrive chez moi, je le mets dans mon lecteur, et là, irregardable. Enfin, c'est même pas que c'est regardable, c'est, tu peux pas, c'est mort, quoi. Je voyais rien, donc j'essayais de faire, mais en fait, je voyais que dalle. J'étais dégoûté. J'ai dû, je sais pas, faire des quantités de vaisselle astronomique pour essayer d'avoir de l'argent de poche pour me choper un petit VHS NTSC. C'était mort de chez mort. J'avais envie de chialer ma race. Et je sais pas, peut-être 6 mois après, encore Virgin Megastore des Champs. Et là, alors là, The Killer, version PAL, en VO sous-titré anglais. Il me semble que c'est Hong Kong Légende, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est Hong Kong Légende. Oui. Alors là, mec, là, c'était incroyable. Elle a tout fébrile. Donc, je mets The Killer. Donc, la première fois que je le vois, c'est comme ça. Hein. C'était en VHS. Et ouais, c'est en fait déjà ce qui frappe. Moi, je trouve que ce qui frappe, c'est que il y a la puissance de Tchoyark derrière. Hein. C'est vraiment un film workshop. Donc là, pour le coup, la photographie, elle est vraiment beaucoup plus belle. Il y a vraiment... techniquement, ils ont fait un boom en avant, quoi. Vraiment, c'est mortel. Ils ont beaucoup plus de thunes. Chow Yun-fat, c'est même plus une mégastar, c'est THE mégastar. C'est genre... c'est Alain Delon en vrai. Et du coup, John Woo, bah, il fait ce qu'il a toujours voulu faire, c'est-à-dire son remake du Samouraï. Lui, je crois que son acteur préféré, c'est Alain Delon. Donc, il lui fait jouer basiquement le rôle de Alain Delon. En fait, il s'appelle même Costello dans le Samouraï. Il s'appelle Costello Delon. C'est ça qui est très marrant, quoi, quand tu. Tu dis qu'il s'appelle Costello dans The Killer, ou tu confonds pas avec Vengeance de Junito là, dans ce que tu dis. C'est une question. Non, il je crois qu'il se fait appeler Costello. Non, il s'appelle John dans The Killer. En France, il l'appelle Jeff. Et on croyait. Je crois que. Non, si. Jeff. Non, aidez-moi dans le chat. Non, mais je crois qu'il se fait appeler Costello ou un truc. Il me semble que c'est le nom. Hein, il me semble qu'on en avait parlé pour Vengeance, c'est le personnage interprété par Optique 2000. Je crois pas qu'il s'appelle Costello dans The Killer. Ah, il me semble que c'est surnom. C'est l'histoire de Jeff et de John, justement. Que ça vient de là, parce qu'en français il l'appelle Jeff, et puis tout le monde pensait qu'il s'appelait Jeff, alors qu'en réalité il s'appelle John. C'est non, je suis un malade mental, t'as raison, c'est Jeff. Pardon, oui, je dis Costello. En fait, c'est le samouraï qui s'appelle Jeff. Oui. C'est ça. Samouraï, il s'appelle Jeff, exactement. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça, autant pour moi, oui, c'est pas Costello. Enfin bref, voilà, je me suis trompé, nom de famille, prénom, n'importe quoi. Enfin bref, ils ont le même nom, quoi. Et donc, c'est pas un remake hein, du Samouraï, mais il y a énormément d'influences. Dans le Samouraï qui s'appelle Jeff Costello. Voilà, il s'appelle Jeff Costello. Autant là, pour il moi, s'appelle c'est, Jeff. Voilà, c'est pas Costello, c'est Jeff, n'importe quoi. Et donc, du coup, le notamment la relation avec la chanteuse, parce que dans le Samouraï, Delon, il va défourailler un mec,
Et puis la chanteuse est là, tu sais, dans une espèce de jazz piano bar. Et puis leurs yeux se croisent, ceci, cela. Et donc voilà, il y a un tout petit point commun. Mais c'est vraiment deux films qui ne se ressemblent pas en réalité. Et puis c'est un tueur à gages, quoi. Mais c'est surtout en fait la classe un peu de Chow Yun-fat qui est un peu comparable à celle de Delon, tu vois, il y a un truc comme ça, quoi. Et ouais, je sais pas, ça doit être probablement le film où Chow Yun-fat il est le plus beau, quoi. Enfin, en fait, il y en a trois, quoi. Il y a Le Syndicat du Crime, The Killer et À toute épreuve, mais dans The Killer, il est tellement claqué avec son écharpe et tout. Ouais, c'est trop léger. Avec ses cheveux en arrière, tu vois, il a vraiment un truc de... la photo, s'il te plaît. C'est la beau gosse attitude, quoi. Mec, c'est magnifique. Et puis, donc il y a l'apport Choi Ark qui est indéniable, parce que c'est pareil, hein, Choi, il a enchaîné aussi, hein, il commence à avoir plein de succès au compteur et tout. Donc, ils prennent un peu du galon, les techniciens sont de mieux en mieux. Et puis, il y a aussi le monteur hein, de John Woo, hein, David Woo, qui lui, c'est pareil, hein, les deux font la paire. Hein. C'est-à-dire que ce mec-là, David Woo, vous pourrez aller voir. Hein, alors, c'est Woo, W-U. Hein, c'est pas, en fait, par exemple, c'est le mec qui a monté Crying Freeman. Ou c'est le mec qui a monté Le Pacte des Loups. Et quand vous regardez Crying Freeman ou Le Pacte des Loups, et d'ailleurs, Gans, il allait chercher parce qu'il savait que le mec était un master. Parfois, tu as l'impression que c'est Wuyin, mais parce que, voilà, parce que c'est son monteur. Christophe et d'ailleurs. Il disait ce mec est un génie parce qu'il dit il te multiplie le nombre de morts à l'écran, juste par le montage et tout. Il dit c'est une bénédiction. Il te multiplie le nombre de morts alors que tu n'as pas le budget, tu n'as pas pu le filmer. Mais voilà. Et donc, Gans en parle hyper bien, je crois, dans le making-of de Crying Freeman. Où en fait, il lui donnait énormément de conseils, notamment, ça peut paraître des petits trucs à la con, hein, mais ce que disait Zoltan tout à l'heure, passer de la vitesse normale à la vitesse réelle, et tu vois, et donc il lui disait, par exemple, filme des gros plans sur les flingues, tu vois, parce qu'il avait une tendance à faire que des plans d'ensemble, donc tu vois, par exemple, pour genre voir la cartouche sortir, tu vois, ce genre de plan typiquement Wuyin, ben en fait, tu sais, des raccords dans l'axe, mais juste sur les flingues qui se déplacent de gauche à droite, etc. Et ben ça, c'est des gimmicks de David Woo. Et donc, David Woo, il a réalisé des... Il faut se pencher un peu sur la question. Il a réalisé des trucs aux États-Unis, même des téléfilms de merde avec des princesses et tout. Et à chaque fois, tu peux prendre le truc le plus pourri du mec, c'est de la tuerie au niveau du montage, de la spatialisation et tout. Et là, tu fais « Waouh !» Mais le gars est trop, trop fort, quoi, vraiment. Donc, voilà, un petit, quand même une petite... il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, parce que c'est quand même aussi lui... parce qu'il me semble que c'était pas lui sur Better Tomorrow 2 et Better Tomorrow 1, si ma mémoire est bonne. Peut-être que je dis de la merde, mais vous pouvez m'aider dans le chat. Et voilà, et donc la rencontre aussi avec ce mec... fait que c'est... D'ailleurs, c'est très bizarre. Parfois, il est crédité en tant que musique éditeur. C'est super bizarre. J'ai jamais bien compris, mais bon, en tout cas, son apport est indéniable. Et donc, formellement, on est là vraiment, comme je disais, on passe dans la quatrième dimension. On passe dans la quatrième dimension. On est, c'est comme tu dis, au niveau du rythme. Bah, en fait, on a l'impression de voir, tu sais, souvent, on compare les scènes d'action de John Woo à du ballet, machin. Mais en fait, c'est vrai, en fait, c'est un morceau de musique, ce film. C'est un morceau de musique parfait. En fait, alors, soit t'adhères, soit t'adhères pas. Hein. C'est vrai que moi, je te disais, j'ai été voir le film en salle, les gens, les Français, ils riaient de ouf, ils trouvaient ça ridicule. Tu vois, à la fin, quand ils cherchent voilà, avec la meuf et tout, ils étaient morts de rire, la salle, morts de rire. Tu vois, parce qu'ils trouvaient ça ridicule. Je ne comprendrai jamais, moi, mais bon, c'est comme ça. Mais comme disait Zoltan au début, parce que c'est un... En fait, là où c'est super touchant, c'est que c'est vrai que c'est ultra naïf, mais en réalité, c'est hyper sincère. Et donc, si tu adhères au délire, bah, tu es touché. Mais c'est vrai que quand même, on en a, je ne sais pas pour Beauparleur ou pour Zoltan, moi, au début, quand je découvre le cinéma de Hong Kong, il y a plusieurs phases quand même, tu vois.
quand tu vois, tu sais pas, une balle dans la tête et que l'autre il commence à faire l'avion là, et on sera heureux dans les champs, et tu fais ouh là là, toi. Tu vois, il y a des trucs qui sont tellement naïfs que en fait faut s'habituer au délai, faut s'habituer au code. En réalité, c'est pareil, la première fois que tu vois des mecs s'envoler, câbler, flotter dans les arbres, là, tu fais what the fuck, ils ont des pouvoirs, c'est quoi? Et donc forcément il y a un temps d'adaptation, il y a quelques mois, ça peut être en année, peut-être pour certains, je sais pas, où il faut vraiment se faire au code, et c'est une sorte de petit travail, quoi. Moi, j'ai pas kiffé tout de suite, instantanément, les films de Hong Kong, tous. J'aimais le polar, et quand on me disait Jackie Chan, je faisais, ouais, mais vas-y, c'est de la gaudriole, un peu, ça me saoule. Je voyais Zhou, je faisais, ouais, mais c'est n'importe quoi, il s'envole, tu vois. Et il m'a fallu quand même du temps pour me faire au truc. Donc, et 20 ans plus tard, on fait chier tout le monde avec ces films. Ouais, non, mais c'est-à-dire que non, je le dis peut-être aux petits jeunes ou ceux qui ne sont pas habitués. Oh, bah, ils sont habitués, les petits jeunes, maintenant. Ils vont voir tous les Marvel à la con qui sont. Non, mais non, 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 parce que Marvel, c'est des super-héros. Là, oui, toi, non, tu parles de films de tu, le Zoo, les montagnes, c'est des super-héros, les. Oui, oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, il y a des films, il y a des polars où c'est câblé, clairement, tu vois, où les mecs, ils vont faire des triples salto-arrière, ils se sont juste pris une balle, hein, tu vois. Et ou même, je parlais des éléments naïfs, il n'y a pas forcément d'éléments naïfs dans les Marvel ou des trucs comme ça. Et donc voilà, c'est juste pour le. Un truc que tu as dit qui est très intéressant, mais tu vois, par exemple, quand cette manière de faire des films d'action a été amenée en Occident, on a dû la déguiser dans de la science-fiction avec Matrix, toi, pour justifier ces excès, tu vois. Vas-y, continue. Totalement, totalement. Alors que dans une comédie romantique, ou dans une comédie, ou dans un drame, il peut très bien avoir un mec câblé qui fait un triple salto, tu vois, ça va déranger personne, tu vois. Donc juste, voilà, pour les gens qui voudraient s'y mettre, je le dis, c'est pas instantané, quoi. Il y a des trucs, vous n'allez pas kiffer d'entrée, ça demande un petit effort, mais c'est ça aussi qui est passionnant dans l'aventure, quoi. Mais en revanche, une fois que vous êtes contaminé, parce que ça vous contamine petit à petit, vous vous en rendez pas compte, une fois qu'on est contaminé, bon, bah, on lâche prise et puis après, on devient complètement accro. Et quand on regarde les autres trucs, les trucs américains, européens, on se dit, mais je peux plus kiffer. Ça manque de rythme, ça bouge pas assez. Donc, voilà. Juste en précision, effectivement, en fait, je crois que c'est la traduction française qui l'appelle Jeff. Ouais. Mais en fait, même, c'est parce qu'ils le disent, hein, même dans HK, ils l'appellent bien John, parce que, en fait, dans la version hongkongaise et chinoise, c'est bien John qui s'appelle le héros. Donc, en fait, je pense que c'est les Français qui ont peut-être fait un hommage au samouraï. Voilà, ils ont dit, non, tiens, non, c'est Jeff dans les sous-titres anglais, t'es ouf ou quoi? Non, je me souviens clairement de l'interview où John Woo, il explique, il dit qu'il s'appelle John comme lui. Il disait, les gens me disaient Jeff. Ah, non, regarde les sous-titres, c'est Jeff. Mais mec, même ils l'ont, c'est John. Et regarde les sous-titres, tu verras. Les sous-titres de The Killer, c'est Jeff, mais 100% sûr. Oui, non, mais les sous-titres, oui, mais c'est pas la VO. Et les sous-titres, ils se sont gourés. Non, mais je te parle des sous-titres anglais, moi. C'est des sous-titres anglais à l'époque. Ils se sont gourés parce qu'ils l'appellent John dans la version originale. Ouais, bah, t'as peut-être raison. Bon, alors, ouais, donc c'est, alors ça serait des, parce que c'est bizarre. Et c'est Christophe Gans, et puis je pense pas que Christophe... Non, parce que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était pas du tout une copie sous-titrée française, je te dis, c'était Jeff, j'en suis certain. Eh ben, écoute, ils disent pas, elle l'appelle pas Jeff dans le film, en tout cas. À part en français. Bon, bah écoute, peut-être bizarre. En anglais, j'ai jamais vu en anglais, peut-être aussi, mais peut-être en anglais elle dit Jeff, mais en chinois c'est Jeff. Non, moi je suis pas sûr parfaitement de ce détail, mais bon, après on s'en fout, on l'appelle Jean-Luc, si tu veux. Voilà, j'y sais. Zoltan, alors Zoltan est parti. Vous êtes en train de casser mon délire. Je suis sûr que c'est Jeff. Mets ton DVD le temps que Beauparleur y parle, si tu veux. Beauparleur. Il dit c'est Ajong. J'ai plus, c'était une VHS en pâle. Question. Max, il dit qu'en cantonais, c'est Ajong. Donc John. Exactement. Ah, oh, vous me faites chier. C'est pas grave. Alors, petit détail technique. John Woo, c'est un amoureux de cinéma de manière générale, et il a dit qu'avec ce film, justement, il rendait hommage à Scorsese, et aussi en effet à Melville, qui fait partie de ses sources, parce qu'il a des sources diverses, comme on l'a déjà dit. Il faut jamais oublier un petit détail technique. Attends, tu te fous de moi ou quoi? Il dit ça, il dit. Ajong is called John and Jeff in some subtitle Prince of the Killer. Donc c'est pas moi qui hallucine. Oui, comment, mais on parle de sous-titres, mais on parle de la VO.
Non, mais d'accord, mais ce que bon. Je te dis, c'est que c'est pas des Français qui ont fait un hommage, puisque c'est des sous-titres anglais. C'est possible. Bon, le mec, il s'appelle Sakuraba, le gars qui a dit ça, donc respect, parce que j'adorais ce combattant. Bref, continue, au lieu de faire du HS. Qu'est-ce que je disais Du HK. Oui, du HK. Faut pas oublier un détail technique, c'est que on habite, enfin, les gens, ils vivent, nous, dans un univers cinématographique. C'est-à-dire, par exemple, chez nous, généralement, ce qu'on voit le plus, c'est des films américains et des films français. Mais quand on est en Asie, ben, on a tendance à voir d'autres types de films, et entre autres des films japonais, encore une fois. Ce film est un quasi remake inavoué d'un film japonais qui s'appelle An Outlaw, un hors-la-loi, parce qu'en anglais, magnifique, qui est un film de 1964. et encore une fois, il reprend un peu les codes, justement, du Nimkyo Iga. Je reviens là-dessus. Alors, c'est un film avec Ken Takakura, qui d'ailleurs a joué aussi dans le film original Manhunt. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fera un remake de Manhunt, le film japonais, tout ça, c'est pour expliquer tout ça. Donc oui, en effet, c'est une référence à, entre autres, au Samouraï de Melville, mais ce n'est pas que une référence au Samouraï de Melville, même si chez nous, on aime bien dire ça, dire « Ah voilà, il a fait son Samouraï, oui, machin, forcément. » C'est ça, mais ce n'est pas que ça. Et John Woo, c'est un gars, c'est un mec, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, intelligent, c'est-à-dire que quand il est interviewé par des Français, il va forcément dire « Ah, j'adore tel réalisateur et tout », c'est normal, hein, c'est pas du lèche-cul, c'est quelqu'un vient d'un pays, tu dis « Ah, j'adore ce que vous faites chez vous », c'est normal, tu vois. À moins que tu dises « Ah, j'adore les Allemands, vous, je vous aime pas », tu vois. Bon, mais, donc il a tendance à faire ça. The Killer, mon premier John Woo, mon premier amour, oh là là, quelle balle dans la tête, c'est le cas de le dire, quelle bombe atomique ce film. À l'époque, le cinéma de Hong Kong, moi je regardais des petits films de Kung Fu, parce que j'aimais ça, parce que j'adore les arts martiaux, c'est une de mes passions, puis tout le monde me disait, tu sais, faut que tu regardes ce film, puis je suis pas sûr si je vais aimer les autres genres. J'ai acheté le DVD HK Vidéo, j'ai regardé, j'ai fait... Bon, il y a quoi comme petit polar? Attends. Tu l'as découvert vachement tard, du coup, toi. Ah ouais, mais moi j'ai découvert le cinéma. Parce que donc, moi, je sais pas, 2000, peut-être comme. Moi, je l'ai découvert sur Canal+ la première fois, et je crois que c'était en 95. Ouais. Il est tard, jusque-moi, il est très tard. Je me souviens, je dis à mon père, on avait Canal+ piraté. Alors, désolé, Canal+, mais à l'époque, voilà, on avait le décodeur piraté. Et j'ai dit à mon père, il y a The Killer qui passe. Et moi, j'étais, tu vois. Et on perdu, on va le rader ensemble et tout. Et il passait, je crois, à 1h du matin, c'était un vendredi soir. Et mon père, il s'endort comme ça sur le canapé. Et moi, j'étais à côté de lui. Et donc, du coup, je baisse un peu le son. Je pouvais pas rader le film trop fort parce que mon père dormait à côté. Il voulait le rader avec moi, mais il s'endormait. Donc, je voulais pas le réveiller parce que ça. Et là, je vois le film. Bon, bien entendu, j'avais mis la cassette pour le copier. Et là, je vois le film, les gars. Et je fais, oh putain, mais c'est quoi ce truc? Et attends, en 95, j'ai quoi? J'ai 13 ans. Moi, je redécouvre ça. J'ai 13 ans, mais je vois le meilleur film du monde, quoi, tu vois. Donc, sur Canal. Merci, Canal+. Vas-y, vous parlez. Bon, moi, je l'ai découvert, j'avais 17-18 ans aussi. Hein. Malgré tout, ça commence à faire longtemps, bordel de merde. tout ce que tu as dit, hein. Shaun Fat, il a trop la classe, la musique, l'ambiance, le drame, ce mélange drame-action, et une action trop bien, et un drame qui te prend, c'est pas juste de l'action d'un côté, et ça fonctionne, et c'est épique, et c'est grandiose, et c'est extraordinaire, et c'est... Oh merde. Et la musique, et tout ce qui va avec. Et en plus, j'ai envie de dire un détail, t'as mis la bande-annonce HK Vidéo, là, tout à l'heure, où on voit du massacre tout le long. Oui. Le film est beaucoup plus subtil d'une certaine manière, subtil dans la nature, tout ce qu'on a dit, mais beaucoup plus romantique, beaucoup plus d'accord. Humain que cette bande-annonce. Qui, au début, tu te dis que ça a l'air d'être un truc un peu extrême asiatique, comme on dit, un peu hyper violent. Et en fait, j'ai envie de dire que toute cette violence qu'il y a dans la bande-annonce, il y en a plus dans le film, mais elle est tellement noyée positivement dans les émotions et tout, que malgré tous les impacts de balles, malgré tout ce que tu veux, et ben c'est moi j'ai enfin bref c'est incroyable enfin moi c'est génial pour alors, la petite histoire ouais, oui un truc juste ce film a inspiré évidemment plein de films à travers le monde. Je me suis revu il y a pas si longtemps 58 minutes pour vivre, donc d'ailleurs numéro 2, la scène de l'annexe où il y a le T-1000 qui se fait buter. Et ben la scène, tu regardes le type de chorégraphie, la manière dont c'est filmé, bon c'est pas la maestrie de John Woo au niveau de la spatialisation, de comprendre qu'est-ce qui est où. Mais tu te dis, ah, là, il y a The Killer qui est passé, entre autres les échafaudages et tout ça. Tu fais, ah oui, tout à fait. C'est sûr, ah, certain. Oui, c'est certain. Avec les impacts de balles, les mêmes, tout, oui, les mecs qui sont en blanc, c'est clair. Donc pour toi, c'était. Ouais, pareil, t'es un peu comme moi, t'es un amoureux de ce film, tout simplement. Ah oui, il n'y a pas de. Zoltan. Et alors, est-ce que t'as, Zoltan? Du coup, tu viens de découvrir The Killer ou tu l'avais vu celui-là? Non, ça je l'avais déjà vu avant. Ouais. D'accord. Et là, tu te l'es refait du coup? Non, pas refait parce que je l'ai vu, que je l'ai analysé pour une vidéo, que j'ai monté les séquences et tout ça.
Bon, c'est un film que à l'époque, je l'ai beaucoup vu, quoi. Enfin, quand j'ai travaillé dessus. Donc, non, bah, moi, le truc qui me parle le plus avec The Killer, en fait, c'est les purs. C'est un truc que je trouve. Bah, j'adore, moi, quand un film décide de tenir sur rien, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment un film, c'est le gendarme et le voleur. Enfin, pas le voleur, le tueur, quoi. Mais c'est d'une. Enfin, tu vois, c'est d'une simplicité efficacité. Narrative. C'est un tueur, il y a une meuf qui se retrouve aveugle à cause de lui, il y a un flic qui est derrière, il y a un job qui va foirer, et puis voilà, quoi. Et puis, ça fait un film, quoi. Et donc, parce que oui, tout ce que vous avez dit, c'est indéniable, les scènes d'action, ça démarre tout de suite, le gars, il est au summum de sa maîtrise, John Woo, là-dessus. Mais c'est vrai que c'est là où je pense que ça, où vraiment le truc avec le samouraï fait sens, c'est épure, c'est le fait de raconter une histoire qui tient vraiment sur un post-it, quoi. Il ne s'emmerde pas avec des embrouillades de triades, de trahison, de chef de gang, de je ne sais pas quoi. Enfin, il y a quand même un peu de trahison, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais tu vois, c'est hyper basique, quoi. C'est hyper basique. Et c'est là où, finalement, ça laisse place à... Bah, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une logique à ce que ça laisse place à l'action, tu vois. C'est pas... Autant dans le syndicat du crime 2, je trouve que là, c'est tu mets de l'action mal intégrée dans un récit compliqué pour rien. Enfin, là, c'est l'inverse, quoi. C'est de l'action. Enfin, c'est un récit qui est juste là pour servir l'action et l'iconisation des personnages et la relation, parce que ça reste quand même deux opposés qui vont finir par s'allier. Enfin, tu vois, par faire une ultime alliance pour à la fin dans un combat désespéré, quoi. Donc on retrouve, tu vois, encore ce qu'il avait déjà fait dans finalement à la fin du syndicat du crime où t'as les deux frères qui s'allient à la fin. Enfin, tu vois, il recycle un peu ses thèmes et tout ça, mais là c'est vraiment au service de quelque chose de tellement condensé que je trouve que c'est extraordinaire comme film. Ouais. Et puis très fort. Un petit mot sur Danny Lee, qui a trop la classe aussi, bon. Malgré ses vêtements un peu d'époque. Ouais, mais non, mais même son intro dans le bus et tout, moi j'adore cette séquence. Ouais, ouais. Et là, tu vois, c'est du. Enfin, dans ma vidéo sur les fusillades, je l'avais analysé pour montrer à quel point c'est d'une précision d'efficacité, quoi. Et c'est vrai que en termes de montage, de découpage, de se passer faire de tout, c'est d'une efficacité ce film. Et après, moi, il y a des séquences que j'adore. Moi, j'adore la séquence où les deux se tiennent en Mexican stand-off avec la fille. Enfin, toute cette séquence de quiproquo où la fille continue de leur servir, tu vois. C'est vrai que c'est des trucs un peu de double jeu, de comment on fait bonne figure. Voilà, c'est, on retourne dans le côté naïf hein, de John Woo, mais ça fonctionne si t'es client du délire et que t'acceptes. Il y a un truc que je trouve trop bien, quoi. Au passage, la scène dans le tram, comme souvent à Hong Kong, les scènes dans les rues, elles ont été filmées sans avoir l'accord, tu vois. Ah bah. Donc en fait, les flics ont débarqué et puis ils voulaient arrêter le tournage. Et puis Danny Lee, en fait, c'est un mec qui avait souvent joué les policiers vertueux, tu vois. D'ailleurs, on peut presque parler d'un genre, le flic Danny Lee, comme a fait Arnaud Lanuc dans son livre. Et en fait, comme il a bonne presse au niveau des flics, c'est lui qui allait négocier pour qu'il puisse tourner la scène. Ils ont fait bon, ok. C'est vrai, en fait, la simplicité, le scénario et puis le développement des personnages, c'est-à-dire Danny Lee, hop, en introduction de film, tu comprends tout de suite, pas que le mec, tac, il fait une bavure, il passe devant la commission, machin, tatatitatata, et tu comprends que c'est un mec qui est là pour la justice et qui recule devant rien, et qui veut et qui va tout faire pour arrêter le tueur ou le méchant, et là, quand il tombe sur un méchant pas comme les autres, il va devenir son ami, quoi, et c'est complètement efficace. Il y a une scène que, déjà, la scène d'introduction, les gars, ça commence, il y a un titre, et t'as le titre de Killer qui apparaît sur le plan, ce fameux plan d'Hong Kong de nuit. Mais déjà, le ton du film. La musique est incroyable. L'introduction dans l'église, c'est la présentation du personnage. Il sort et tout, après, pam, il met son chapeau, son imper. Une des scènes que j'adore. Mais exactement, une des scènes que j'adore, c'est cette scène-là, là. Quand le flic refait exactement les gestes de Chow Yun-fat sur le fauteuil, tout ça et tout. Bref, c'est juste un putain de chef-d'œuvre ultime. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre de John Woo ultime, hein, malgré qu'il ait fait des chefs-d'œuvre aussi. Hein, il a fait des chefs-d'œuvre par la suite, mais ça, les gars, ça, c'est. S'il y en a qui l'ont pas vu, s'il y en a, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas vu. C'est à revoir automatiquement, c'est à posséder. Moi, je trouve qu'en termes d'action, c'est son, enfin, pour moi c'est le plus pur, quoi. C'est-à-dire que
tu vois, toute épreuve, on en parlera après. Je trouve que là, il y a une espèce d'homogénéité qui me parle beaucoup plus que dans toute épreuve, qui part un peu dans tous les sens et qui est plus impressionnant. Tu vois, là, moi, je préfère des scènes d'action un peu plus resserrées, même si à la fin, c'est quand même dantesque, mais ultra intense qu'un espèce de festival qui dure une éternité et qui. Tu vois. Tiens, il y a Wanted qui pose une bonne question, et Mireille, je vais te répondre. Pourquoi, par contre, je me suis toujours demandé pourquoi il y a des baisses de lumière dans ce film par moment. Alors, tout dépend de la copie que tu as vue, mec. Parce qu'effectivement, dans l'intro avant, il y a des baisses de lumière dans l'introduction de l'église, suivant le plan que tu regardes. Et ça, c'est dû à une copie. Parce qu'il y a des copies où il n'y a pas du tout ça. Voilà, Wanted. Donc, fais attention à la copie que tu vas regarder. Écoutez, je parle. J'avais posé la question. Donc, je sais qu'il y en a qui savent. On va voir si vous avez fait vos devoirs. Ah. Toi aussi, John, tu le savais. Je pose la question à Zoltan, en même temps, ça me fait marrer. Est-ce que tu sais la différence entre il y a une différence qui saute à la gueule, mais que tu ne vois qu'au cinéma. Il y a un truc, il y a un détail de The Killer que tu ne peux voir que si tu l'as vu au cinéma. Qu'est-ce que c'est? Bah, vu que je ne l'ai pas vu au cinéma, je ne pourrais pas te dire. Vous en 1080. Alors, dans le même, franchement, ça ne se voit pas. Ça, je ne comprends pas la question, en fait. En fait, il y a un détail. Il y a un plus spécifique. Un détail. Il y a un détail. Il y a un détail. Pas physique, mais il y a un. Ouais. Alors, si tu veux, il y a un détail physique qui saute. Voilà. Ça, il l'a dit à l'extérieur. Et en fait, Danny Lee, il a un poil ici comme ça, qui fait comme ça. Il a genre un méga poil, mais genre un poil comme as, quoi, tu vois, qui sort du cou, tu vois. Et en fait, tu ne le vois qu'au ciné parce que c'est en énorme, tu vois. Et en fait, le perso, il se balade avec un poil comme as, quoi. C'est trop drôle. Et on peut faire des Mexicans poil off. C'est le seul défaut du film. Si on n'aime pas les poils. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Non, non, mais... Ouais. The Killer, voilà. Allez, regardez. John Jeff, je vais dire les deux prénoms, comme ça, Mireille sera content, est un tueur professionnel aguerri qui travaille en solo. Lors de l'exécution d'un contrat... Jeff, rien à foutre, il s'appelle Jeff pour moi. Il blesse accidentellement, pardon, aux yeux une jeune chanteuse, Jenny. Rongé par le remords, Jeff n'a de cesse de se racheter. Il accepte d'éliminer un parrain des triades afin de réunir la somme nécessaire à la transplantation de cornet dont Jenny a besoin. L'affaire tourne mal et Jeff se retrouve à la fois poursuivi par ses employeurs et par un policier acharné, l'inspecteur Lee. Forcément, dans la course-poursuite qui s'engage, les deux hommes apprendront pourtant à se respecter au point de s'allier. C'est les gars. Cherchez pas, arrêtez tout. Après ce live, allez voir The Killer, c'est tout ce que j'ai à foutre. Non, mais c'est marrant. Moi, ça me donne la même sensation que Suspiria, ce film. C'est-à-dire, j'ai l'impression devant tant de perfection formelle et de rythme parfait, j'ai l'impression de rêver un peu. J'ai l'impression d'avoir pris de la drogue alors que j'en ai pas pris, quoi. C'est très particulier. J'ai oublié de vous montrer cette édition tout à l'heure. Syndicat du crime qui s'ouvrait, enfin en fait c'est comme ça, puis ça s'ouvrait comme un livre. Voilà, Syndicat du crime 2, il y avait le 1 aussi. Moi j'ai cette édition, j'ai pas le 1, j'ai que le 2, je suis dégoûté de ne pas avoir le 1 comme ça. Voilà, très jolie, une édition sympa de Metropolitan aussi. Donc voilà. Eh bien les amis, on passe à la suite, hein, parce qu'il faut qu'on avance. Donc la même année. Oui. Parce qu'on ne sait pas comment ils font, hein, comme a dit. Bon, c'est très bien qu'il y a des. Ils enchaînent, t'es ouf. Ils enchaînent. On sait comment ils font le travail. Comment il s'appelle ? John Woo va faire un autre brouillon. Il va prendre Syndicat du crime 1 et 2 et The Killer, il va faire un film. Et voilà, il va faire une fusion qui va s'appeler Just Heroes, petite bande-annonce d'époque. C'était court. C'était très court. C'était court mais intense. Ouais. Oui, parce que ça devenait trop long. Dans le rôle principal, Daniel Lee. Je ne sais jamais si c'est Daniel Lee ou Daniel Lee. Bon, Daniel Lee, c'est le réalisateur. Daniel Lee, c'est l'acteur. Voilà, Daniel Lee. Et donc, pareil, on est sur un polar, mafia, trahison, amitié. Ça ressemble un peu au Syndicat du crime 2, bizarrement. Avec des fusillades quand même à la The Killer. Très violent. C'est une adaptation du Roi Lear, en fait. Du quoi ? Du Roi Lear, Shakespeare. Ah, voilà. Ah bah tiens. Eh ben, tiens, Zoltan, est-ce que tu l'as revu, Just Heroes ? Non, je ne connais pas ce film.
Ah oui, t'as pas pu le voir, c'est vrai. Ouais, j'ai pas réussi à le trouver. Franchement, c'est trop chiant. Il y en a deux de la liste là, que tu m'avais donnée que je n'ai pas trouvé. Sur YouTube. Il est sur YouTube. Ouais, bah, je suis le seul en haut, je suis pas allé chercher, évidemment. non, mais c'est ouf, tu vois, je vais me faire chier sur les sites de torrent et tout. Il s'appelle John ou Jeff dans ce film. Arrêtez tout de suite. Me cassez pas mon délire. Jeff Forever. Rien à foutre. Donc, en réalité, réalisé par John Woo et Wuma. Là, ils sont quatre. Tu vois. Moi, j'en ai que deux. J'ai dire deux. Wuma et John. Regardez. Ouais, je vais vous dire ce que j'ai lu dans le... Après, c'est Hong Kong. Il ne faut pas oublier que les réalisateurs, des fois, il y a le chorégraphe qui réalise une scène. Ouais, y a ça aussi. Oui, tu parles de mecs qui ont mis la main à la pâte, mais ça, c'est... Non, mais ils sont notés. Enfin, moi, de ce que j'ai lu... Montre-nous un peu, t'as quoi comme visuel sympa, là ? Ça, c'est sur Volteface. Officiellement, en tout cas, au générique de fin, il est marqué « Directed by John Woo et Wuma ». Parce que moi, j'ai lu. Alors, c'est afin de permettre à Chang-Chi de prendre sa retraite que quatre de ses disciples, John Woo, Danny Lee, Wuma et David Chang, décident de mettre en place le... Ouais, c'est des acteurs. On les bénéficie. Oui, c'est... Il y a marqué « Réalisé par le Quatuor en un temps record ». C'est pour ça que je me suis fait avoir. Mais... Ouais, parce que Danny Lee, il a mis la main à la page. Il y a marqué que c'est quand même 80% un film de John Woo. Oui. Bien sûr. Donc, après la mort d'un chef de triade, le syndicat du crime, organisé d'Hong Kong, est en conflit alors que divers dirigeants potentiels se disputent le pouvoir. Vas-y, Merej. Just Heroes. Non, bah déjà, ce qui est marrant, c'est que c'est la dernière collaboration de John Woo de Choyark. Ensuite, c'est la dernière fois. Enfin, c'est en fait, c'est comment dire. À Hong Kong, il y a une petite tradition comme ça. Parfois, ils font des films pour des associations pour aider, je sais pas, les enfants malades, ceci, cela, les victimes d'un truc. Et là, en gros, ils ont fait le film pour financer la retraite de Chang-Chi, parce que malgré tous les films qu'il a fait, il était en slibar. Et donc, ils ont donc tous travaillé bénévolement, tous les mecs, alors que ça coûtait de la thune, hein, mais juste personne n'a été payé, quoi, en gros. Et avec toutes les recettes du film, ils ont donc passé toutes les recettes du film donc, à Chang-Chi. Et en fait, Chang-Chi a refusé la thune. Et en fait, ouais. Il n'a pas refusé la thune, il a pris la thune, mais il l'a donnée à une autre association. Du coup, c'est très gaulerie. Le jeune cinéaste. La classe, quand même. Ouais, la pour classe. Les jeunes cinéastes. Et en fait, je trouve que c'est marrant parce que, pareil, Justin Rose, il a mis longtemps à sortir. Il était un peu introuvable. Et en plus, on avait un peu une tendance à en avoir rien à foutre parce que comme c'était co-réalisé, on se disait, ouais, bon, il a juste fait des scènes d'action, on s'en fout. Enfin, tu vois. Et en fait, le film est un peu... sous-côté pour moi. Ah, de ouf. Parce qu'il est chambé, en fait. C'est, il est chambé. Moi, c'est mieux que Syndicat... Je vais vous dire un truc, c'est mieux que Syndicat du crime 2. Ah bah oui. Je te l'enverrai, Zoltan, faut que tu le vois. Non, c'est pas compliqué. Ouais. C'est beaucoup mieux que le Syndicat du crime 2. Ouais. Il y a un casting absolument colossal, à commencer par David Chang et donc Danny Lee. Tu retrouves tous les gars de The Killer. Non, c'est une dinguerie. Et t'as un jeune Stephen Chow, c'est assez marrant de le voir là-dedans. Et puis, on se demande un peu. Qui est pas mauvais, Stephen Chow. Non, il est pas mauvais quand il joue sérieusement. Et il y a. Enfin, il est très très bon, de toute façon, c'est un génie. Hein. Il y a encore une plus-value pour moi. C'est-à-dire que là, on se rapproche dangereusement de À toute épreuve. Et ce qui est très marrant, en fait, c'est qu'il y a... c'est en gros une histoire. C'est le parrain de la mafia qui meurt. Et après, tout le monde se bat pour avoir le titre et tout le monde se plante des couteaux dans le dos et ceci, cela. Et il aborde des thèmes assez intéressants, des trucs qu'il n'a jamais abordés. Le suicide, par exemple, l'alcoolisme. C'est très, très sombre, très, très noir. C'est assez marrant. Et il y a... Une sorte de, on va dire, de best-of John Woo. Donc, on commence. C'est shakespearien, de toute façon, c'est shakespearien. Oui, complètement, complètement shakespearien. Avec des retournements de situation, des traîtres, enfin, tu vois. Fausses morts, enfin. On voit des fausses morts, complètement. Enfin, voilà, c'est très, très drôle. Tu veux dire, c'est ça. Et puis, il y a même, tu sais, la fameuse phase de Speed, shoot l'otage. Tu vas m'en demander là-dedans aussi. Je pense qu'ils avaient vu, Just Heroes peut-être quand ils ont fait Speed. Voilà, c'est assez marrant. Et donc, ouais, il y a une sorte de best-of, oui, hein, avec certains gunfights qui vont faire penser à The Killer.
Et d'ailleurs, le film fait énormément penser à The Killer parce que déjà, il a été tourné après, parce que c'est la même ambiance musicale. C'est le même mec qui a fait la musique sur les. C'est Joseph Coe aussi qui a. Ouais, pour le coup, c'est complètement The Killer au niveau de l'ambiance. C'est un mélange cool. parfait des deux, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte de la puissance de Sean Fat. En fait, le film a été boudé aussi parce qu'il n'y avait pas Sean Fat dedans. Et quand tu dis John Woo, tu dis Sean Fat aussi, en fait. Sinon, il en manquait un peu. Tu vois, il y a un truc comme ça. Non, mais t'as raison. Pour moi, s'il y avait eu Sean Fat dans ce film, ça aurait été le film parfait. Non, mais tu mets Sean Fat à la place de Danny Lee, c'est, ça y est. Le truc, tu vois, il s'envole, quoi, tu vois. Mais c'est ça qui est marrant. Et donc, il y a de grosses scènes d'action qui font donc un peu penser à The Killer. Il y en a d'autres qui vont faire penser un peu au syndicat du crime, notamment le climax final qui se passe sur deux étages et tout. C'est assez mortel. Avec vraiment, il y a de la maestria au niveau du montage. C'est David Wu encore au montage. C'est mortel. Et puis, avant la fin du film, pareil, tu as une espèce de, on va dire, de brouillon de hard-boiled. Tu vois, dans un hangar, pareil, avec David Chang et Danny Lee, avec les mecs qui sont habillés en blanc, les impacts de balles, les bidons qui explosent partout. Enfin, c'est assez coolos, franchement. Et ouais, et le film est ultra sérieux. Il est ultra violent. Il est très, très bien réalisé. Il y a plein d'actions, et quand il n'y a pas d'action, tu te fais pas chier. Tu vois, c'est vraiment, l'histoire est cool et tout. Les personnages féminins sont intéressants, même si c'est... Parce que dans Le Roi Lear, les personnages féminins sont extrêmement importants. Là, un petit peu moins, mais quand même, hein, tu vois. Et ouais, c'est super, en fait. Et il me semble, si je ne dis pas de conneries, que Spectrum, Big Up Spectrum Film, doivent sortir Justice Rose, normalement, cette année, en Blu-ray. Si, si. Ouais, Spectrum, les amis. De temps en temps, ils passent nous voir si. Donc ça va être de la bombe atomique. Sortez-le, et ouais, les gars. C'est vraiment le plus sous-côté de tous les John Woo. Je pense que si vous ne l'avez pas vu, voilà, vous ne boudez pas parce qu'il n'y a pas Sean Fat. Jetez-vous dessus. Vous allez kiffer. Non, mais d'ailleurs, Meresh, tu m'as dit, tiens, il faut qu'on fasse Just Hero, remate Just Heroes. Et moi, dans ma tête, Justy Rose. Et en fait, je le vois le film. Je fais, mais je l'ai vu 500 fois ce film. Juste oublié, tu vois, Justy Rose, en fait. Et je me suis retapé. Je fais, oh, qu'est-ce que c'est bon, putain. Ah, c'est ça faisait bon. Au moins peut-être 10 ans que je ne l'avais pas revu, tu vois. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme m'a dit Meresh, je le disais à vos parleurs tout à l'heure en préambule. C'est un mélange de The Killer et de Syndicat du Crime. Vraiment cool, quoi. Avec un sérieux, avec de la musique, avec la tragédie. C'est très shakespearien, encore plus même. Ouais, ouais. Donc, et puis, formellement, on dirait déjà hard-boiled. Et au niveau de l'ambiance sonore, c'est The Killer. C'est très bizarre. Ça fait vraiment best-of John Woo, quoi. Je peux pas dire autrement, quoi. C'est à toi, mon beau parleur, parce que Zoltan n'aura pas encore vu ce film. Ouais. Bah, y a pas grand-chose à dire de plus. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il est très sous-coté. Pour moi, on a tendance à citer un peu toujours les mêmes de John Woo. Et on oublie de mettre Justy Rose, qui pour moi est totalement au niveau. Vraiment totalement au niveau. Il y a peut-être le gamin qui fait un peu trop de blagues à des moments qu'on peut regretter, mais c'est pas, je trouve pas que ce soit... Il n'est pas très envahissant, ça va encore. Ah oui, celui qui met les flingues dans les pots. Voilà, qui au début, on le voit avec ses lunettes. Non, mais... Il fait comme chez une fête dans le syndicat du crime. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure, c'est marrant d'en parler. Bah, dis-le, le côté méta, d'un coup, de singer son propre film dans un de ses films, quoi. Mais c'est la preuve que le syndicat du crime est un film qui a laissé des marques ultra-violentes, quoi. Un benchmark, hein, le truc. C'est... Voilà. Ah, et... Le film, il est vraiment très bien, très wooien à tous les niveaux, dans les scènes de gunfight. Je veux dire, c'est pas un petit film de John Woo. C'est John Woo à la grande époque qui fait du grand John Woo. Je veux dire, faut le voir. Danny Lee, il a trop la classe. David Chang, qui était aussi un acteur fétiche, justement, de Chang-Cha, la même période que Tilung. Hein, c'est la période David Chang, Tilung. Bah, il a aussi la classe. Le méchant, c'est Shen Kuan-Tai, qui est aussi un autre acteur qui a été révélé et starifié par Chang-Cha. Mais là, je comprends pas, vos parleurs. Là, il a deux bras. Comment ça se fait? C'est parce que c'est pas Hong Yu. Ah, mais tu parles de David Chiang, ok. Je suis un peu en décalage. Parce que la génétique, ça a évolué depuis. Ouais, c'est ça, c'est un lézard. Exactement. Non, mais le film est franchement, pour moi, à considérer au même niveau que ces grands John Woo. Pour moi, il est à voir. Si on aime John Woo, on aime ce film et il n'y a pas de discussion. Et puis voilà, quoi. Et puis en plus, ça a été fait avec du cœur, parce que ça a été fait avec des gens qui avaient une ambition derrière, comme on a dit, pour changer et tout ça, pour leur maître. Et puis voilà, pour moi, c'est un film, il faut absolument le voir. C'est un film, c'est un polar pur, bien fait. Enfin bref, il n'y a pas grand chose à dire de plus avec ce que vous avez dit, hein. Shakespearean et tout, regardez-le.
Non, mais voilà, découvrez Just Heroes, c'est une tuerie. C'est sorti en DVD à l'époque chez Metropolitan. Je sais pas s'il y a des copies Blu-ray, moi j'en ai pas, mais apparemment Spectrum, nos amis de chez Spectrum, s'ils ont obtenu les droits. Bon. Non, mais attends, mais Spectrum, parce que je fais juste une petite parenthèse, Spectrum, depuis 2 ans et demi, là, ouais. Ils assurent, mais. De ouf, de ouf. Mais non, mais ils assurent, genre méchant. J'aurais tout racheté là. Là je sais pas. J'ai bossé pour eux, quoi. Là, je sais pas si tu as vu vos parleurs, peut-être. Est-ce que, je sais pas si tu as pris le coffret Takashi Miike. Non, j'ai pas pris. Mais bordel de merde, c'est du travail, c'est colossal, quoi. Non, non, franchement, ils enchaînent les sorties, mais c'est un plaisir, quoi. Et en plus, ils se mettent au 4K. Par contre, il faut quand même préciser un détail, des fois, il y a des soucis dans les sous-titres, hein, attention. Ouais, il y a des petits soucis. C'est pas grave. Non, il y a des petits. C'est vrai qu'il y a des petits soucis parfois. Mais je veux dire, parce que en fait, HK. En fait, ce que j'aime bien chez Spectrum, c'est que c'est HK alternatif un peu. Tu vois. HK, il sortait les évidents. Tu vois, les évidents, les machins. Lui, comme les évidents sont déjà sortis, tu vois, il doit faire. Il doit aller chercher derrière le truc, tu vois. Ouais, moi, j'ai récupéré Tragic Hero là, le 1 et 2. Et justement, du coup, il va chercher Just Heroes, tu vois, pas de sortir The Killer, voilà. Mais justement, il te sort les trucs que même les fans sont pas forcément vus ou débordés. Moi, j'avais découvert Cops and Robbers, là, je sais pas si vous l'aviez vu, celui-là, de HK. Oh ouais. Là là, mon gars, de chez Spectrum, mais monstrueux, quoi. Bah, monstrueux, non, mais il a sorti des trucs, c'est une dinguerie. Ouais, hein. C'est vraiment, Antoine, on l'embrasse. Il y a l'ami Arnaud qui fait les bonus et des films HK, et c'est clairement une valeur ajoutée. Arnaud, il est trop fort. Oui, c'est sûr. Moi, je bois ses paroles comme du petit lait. Arnaud qui ? Arnaud Lanuc. Il est très bon. On les embrasse. Les amis, on avance. Donc, Just Heroes à découvrir, c'est vrai, film trop sous-coté. C'est le film le plus sous-coté de la sélection ce soir, en tout cas, et qui est au niveau, en tout cas. Alors là, on arrive en 1990. Ouais, alors là, je sais ce que tu veux dire. Là, les gars, c'est un film choc. Attention. C'est un drame. C'est en fait ce qu'aurait dû être le Syndicat du Crime 3. On fera le petit storytelling juste après cette petite bande-annonce. Il s'agit bien entendu de Bullet in the Head, une balle dans la tête. Ah putain, on a l'impression qu'il a écouté Zoltan. Comment ça, il n'y a pas d'appel dans la tête? Allez, on va même appeler ça une balle dans la tête, nom de Dieu de merde. C'est ce que je voulais dire à Zoltan tout à l'heure. Il disait, les mecs, t'as jamais de balle dans la tête. Putain, là, il n'y a que ça tout le long du film. Quoi. Ah bah, ouais, mais tu sens qu'il ne fait pas partie des chorégraphies. C'est vraiment à part. Non, mais il tire à bout portant. T'as vraiment l'impression que les mecs se font exploser la tête. T'as vu le plan, là? Là, il le taffe. Ouais. Alors déjà, t'es un salopard, je voulais te le dire, toi, t'es un Mérège, bien entendu, t'es qu'un gros salopard, parce que j'ai aucune de ces deux éditions, je suis dégoûté. Surtout la HK, là, avec Jackie Chan, qui est incroyable. Ah, mais ça, bon, c'est alors... ouf que celui-là, il soit pas dispo là, en France, non, dans une bonne qualité, facilement, et tout ça. Ouais, ça me flingue la tête. C'est du foutage de gueule. Non, mais même pas en streaming, en plus. Même pas. Tu peux même pas le louer, tu peux rien faire. C'est John Ali qui m'a filé un plan, parce que sinon, je le voyais pas. Je suis taquin, mais c'est ouf. Il m'a dit, écoute, t'as pas un lien pour un plan, une balle à la tête? Je fais, bouge pas. C'est pas un plan cul, c'est un plan tête. De ouf, voilà. Nous, c'est pas les plans cul, c'est des plans film. Non, mais, alors moi, j'ai découvert ce film en VHS à l'époque. Par contre, c'était sorti en VHS, en français et tout. Donc ça, tu vois, ouais. À l'époque, quand même. Et en VO. Il y avait une VHS en VO, monsieur. Il y avait une VHS en VO. Alors moi, j'ai vu en français. Je crois que c'était Delta Vidéo, si je dis pas de conneries. C'est Delta Vidéo. Ouais. Exactement. C'est Delta Video qui a édité le film en VHS à l'époque. C'était pas ce visuel-là. C'était le visuel où Tony Leung tient son pote dans les bras à la fin. Il a le sang et tout. Ça défendait, je crois qu'il y avait deux jaquettes. Une jaquette VF, une jaquette VO. Alors, ouais. Alors, la jaquette VF, c'était ça, en tout cas, il me semble. Enfin, bref. En tout cas, il y avait deux visuels, on va dire, jaquette originale. Moi, ce film-là, à l'époque, c'est un choc. Hein. Vraiment, de ouf. Je me prends ça dans la tête et je crois que c'est dans ce film
quand je suis petit, hein, parce que je suis très jeune, que je découvre Tony Leung. Et je deviens, voilà, pour moi, putain, Tony Leung, c'est, tu vois, c'est au niveau de Chow Yun-Fat. Tu vois, c'est, c'est automatiquement, je sais qui ce gars. C'est qui ce gars, tu vois. Et je me serais pas trompé, parce que bon, tu vois, le mec. Non, mais tu, c'est pas possible, t'avais déjà vu Toute Épreuve. Ah oui, j'avais. Ah bah oui, non, t'as raison, je l'ai vu dans la Toute Épreuve, putain, je suis con, excuse-moi. Non, non, mais, mais t'as vu, c'est bizarre, quand tu vois, fait, voilà, c'est ça. Par en chronologie, comment on se fait niquer notre propre truc, c'est assez marrant. Mais voilà, c'est exactement ça. En plus, il fait vachement jeune dans Une Balle dans la Tête, qui a été tournée 3 ans avant, enfin, voire 4 ans. Mais effectivement, tu vois, c'est ça, c'est que la chronologie, on se trompe, voilà. Donc, Tony Leung, que j'adore, et que je découvre cette histoire d'amitié. Alors moi, déjà, ça me prend au trip tout de suite, parce que c'est des amis d'enfance qui vivent dans le même quartier pauvre, de la banlieue de Hong Kong ou quoi, dans les années 60. Et donc là, j'adore automatiquement. Il y a le côté, ils essaient de se gominer les cheveux. Il y a l'influence américaine. Enfin, tu vois, tout ça et tout. Un des potes veut se marier. Et si tu veux, à l'époque, il y a les révolutions un peu communistes. Parce que le président de l'époque, c'est Mao. Et donc, tu as les révolutions communistes qui viennent un peu à Hong Kong. Parce qu'Hong Kong, c'était quand même une annexion des Anglais, tu vois. Donc voilà, Mao, lui, c'est le président de la Chine, voilà. Et donc du coup, il y a tout ce truc là et donc ces potes là ils vont faire une boulette. Il y en a un qui va une boulette in the head durant une bagarre va tuer quelqu'un, et du coup ils vont s'exiler, ils vont devoir fuir, faire des affaires, faire un peu de contrebande où, eh ben, au Vietnam, parce qu'à cette époque là la contrebande au Vietnam, c'est malheureusement, c'est comme ça qu'on survit, comme ça qu'on fait du business. Il y en a eu énormément, la drogue, tout ça et tout. Et donc, ils arrivent au Vietnam. Le Vietnam, à Saigon, qui est pris entre, dans la guerre, quoi, entre les Viet Cong et les Américains. Et donc, ils vont se retrouver, malgré eux, embarqués dans cette horreur de la guerre, parce qu'ils vont vouloir faire des affaires avec le mauvais parrain. Et ils vont, voilà, bref, il va leur arriver plein de merde. Et le destin est tragique de fou. Et c'est marrant, parce que dans ma tête, ce film était ultra long quand j'étais gamin. En fait, il fait que 2h15. Donc, il a quand même une durée, voilà. Il était 2h à poil. Hein. Ouais, mais ils ont coupé 35 ou 40 minutes. Hein. Je pense, ouais, voilà. Sa première version, elle faisait 3h, je crois. Ah, bah tu vois, voilà. Je sais même pas, il existe une version intégrale qui est sortie en fait, elle a été diffusée une fois en festival, et après, nique-toi. Après, plus personne ne l'a jamais vu. Et donc, la version elle est devenue mythique, en fait, parce qu'il y en a qui l'ont vu. Tu vois, et donc, d'après ce qu'on sait, donc il y a la scène de piste, mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout le début du film qui est beaucoup plus long. Plus long, ouais. Avec les petits jeunes, leurs relations. Et c'est vrai que c'est assez. Le début, putain, c'est tambour battant. Hein. Ouais, c'est tambour battant. Ah ouais, là, c'est un truc de fou. Voilà. Et alors, aussi, il y a aussi une curiosité dont je vais vous parler tout de suite. C'est qu'en fait, le film est plus court à Hong Kong qu'à l'international. Et c'est pas la même fin. T'as deux versions, c'est ça ? En fait, c'est pas la même fin. C'est-à-dire qu'à Hong Kong, la fin, c'est Tony Leung qui revient avec le crâne de son pote. Et ça va être là, quoi. Il va voir, et en fait, il prend la tête de son pote, il lui colle une balle dans la tête. Ouais. Sur le bureau, tu vois. Il colle une, ah bon ? Il lui colle une bastos, ouais. Et ça se finit comme ça. Et en fait... Quand les prods, ils ont vu Une Balle dans la Tête, ils ont fait « Ouais, il est bien le film et tout, mais ça fait pas trop de genoux, tu vois, des gunfights, machin, vas-y, rajoutez-nous une petite scène de gunfight. » Et donc, ils ont retourné une fin. Donc, la fin avec les bagnoles, sur le quai et le gunfight sur le quai. Ouais, même et dans le parking, tu veux dire, c'était pas tourné, ça ? Non. Et donc, du coup, c'est devenu... voilà, ils ont rajouté 10 minutes, quoi. Ça, c'est devenu la version internationale. Mais en réalité, la fin voulue par John Woo, qui est beaucoup plus abrupte et sèche. Ouais, en vrai, c'est pas. Enfin, je comprends presque, hein, parce que c'est impressionnant, mais c'est un peu. Ça rentre presque dans le too much, quoi, à la fin. Moi, je l'aime bien, mais. Bien avec la course à vélo, moi, perso. Je suis d'accord, mais je trouve que ça. Non, et puis aussi le Tony Leung qui tire sur le. Il tire sur le crâne, le regard de Tony Leung avec le truc et tout. Bah, c'est quand même vachement. C'est écrit, ouais, c'est quand même tragique, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc d'assez définitif, tu vois, où il revient dans le bureau, t'as fait ci, t'as fait ça, j'ai ramené le crâne de notre pote.
fin, super abrupte, un peu une fin à la haine, tu vois, avec les lumières qui se rallument, tu vois, c'est assez cool. Et d'ailleurs, bah, dans la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, je vous ai mis cette fin-là aussi, vous pouvez aller la voir. J'ai jamais vu cette fin-là, moi, je suis dégoûté. Bon, bref. Bah, si tu chopes le DVD HK vidéo, elle est dessus. Et je vais le choper. Zoltan, tu n'as pas parlé sur Justin Rose, parle-nous d'une balle dans la tête. Bah, moi, je pense que là, c'est le plus grand film de John Woo que j'ai vu, en tout cas. Franchement, j'ai pris une espèce de claque énorme, quoi. Parce que, enfin, moi, il y a plusieurs trucs qui m'impressionnent. Déjà, il y a le scope du film, quoi. Je me dis, mais putain, mais genre, pas... tu sais, aujourd'hui, on se tape un film de 2h30. Et quand tu le résumes, en fait, tu comprends pas. Là, le film, moi, la version que j'ai vue, elle dure 2 heures. Et à un moment, je me disais, mais attends, mais il y a encore des trucs, ça s'arrête jamais. Genre, il continue les péripéties, il se passe des trucs de ouf. Chaque séquence arrive et est plus surprenante que celle d'avant. C'est un espèce d'une escalade dans l'horreur, dans quelque chose de totalement zinzin. En plus de ça, c'est vrai que je pense que c'est vraiment le plus beau film sur l'amitié. Ça fait partie des top directs des films sur l'amitié qui a été fait, quoi. C'est poignant, c'est fort, c'est déchirant comme film. Tu sens que la guerre, c'est quelque chose qui a été filmé de tellement de manières, mais celle-là, je ne l'ai pas vu souvent. Le côté la guerre, mais filmé par des mecs qui essaient d'en profiter, mais qui se font rattraper par le délire super vite et qui douillent presque plus que les autres. Franchement, j'ai pris. Enfin, moi, je m'attendais. Enfin, j'avais entendu parler hein, que c'était dans Super Ciné Battle, le podcast, dont ils en avaient parlé avec beaucoup de bien et tout ça. Et c'est vrai que j'avais un souvenir, j'avais écouté ça il y a 5 ans, donc pas même plus. Donc, j'avais un souvenir en me disant, putain, une balle dans la tête, il faudrait que je le voie et tout. Je sais que ça va être grand. Mais j'avoue que bah, ça a été à la hauteur de ce que j'attendais. C'est un film, une espèce d'épopée impressionnante. Ça s'arrête jamais. C'est surprenant. Les persos sont hyper puissants. Tu vois, ça joue sur des trucs hyper archétypaux, mais c'est ça qui est fort. Hein. Enfin, on en revient un peu au syndicat du crime et tout. C'est des trucs archétypaux, c'est l'argent qui va corrompre l'amitié et puis basta quoi. Enfin, ça va pas plus loin que ça. Mais ça cartonne quoi. Et pour le coup, c'est vrai qu'on fait le parallèle un peu avec The Hunter, enfin avec qui s'appelle comment en français, Voyage au bout de l'enfer, forcément, tu vois. Mais quand tu vois ça, tu te dis, bah ouais, mais en fait, c'est une proposition qui est tellement puissante. Moi, la scène qui m'a déglingué, c'est celle de la bijouterie, quoi. Où les gars font un braquage et ils se retrouvent à avoir une voiture de l'armée qui débarque et d'un coup, il y a. Bah, c'est lourd. C'est horrible. Enfin, tu fais, waouh, putain. Mais tu sais, tu sais pas où ça va aller et tout. Enfin, franchement, ça a été une découverte très, très puissante. Hein. Moi, je lui ai mis 9 là, sur Sens Critique sur 10, ce qui est un truc que je mets très, très rarement. Et je pense que ça risque d'être la meilleure note que je vais mettre cette année en 2024 sur un film que je vois, hein, parce que je vois pas trop quel film peut atteindre à cette puissance-là dans les films qui sortent, dans les films que je vois souvent, donc à moins un film que je revois, hein, mais ça fait partie de ces vrais gros chefs-d'œuvre que j'ai découvert. Quoi. Donc, merci attends, mais tu l'as découvert quand? Bah là, il y a 3 jours. Hein. Il a filé mais un non. plan, tu vois plus ou quoi, bordel? Moi je pensais quand tu m'as demandé le plan, je pensais que tu l'avais vu il y a longtemps. C'est une partie de ces films où en fait je sais que j'ai envie de le voir depuis des années, mais c'est franchement. J'aimerais être à ta place là maintenant, là, avoir découvert. Tu viens de sortir Silent Night et toi tu viens de découvrir une balle dans la tête. C'est ça, c'est que là tu vois, là franchement c'est du supra lourd. Enfin tu vois. Je vois pas quel film. Franchement, ça fait partie de ces quelques films qui t'envoient tellement à la gueule, de tellement de manières différentes, qu'il y a peu de films qui arrivent à son niveau. Quoi. Je suis d'accord. Il y a Fakula qui me dit, au passage, je vais être con que c'est une insulte. Front populaire pour la libération du Sud VTMA, c'est mieux, John Ali. Je te remercie, Stéphane. J'ai toute ma famille, une partie de ma famille qui vit au Vietnam. Je suis d'origine vietnamienne aussi. Si tu veux. Je connais un peu l'histoire parce que mon père a fui la guerre du Vietnam et est né à Saigon et il a fui la guerre du Vietnam pour vivre en Afrique du Nord et ensuite arriver en France dans les années 70. Donc, si tu veux, je connais un peu l'histoire. Mais je te remercie en tout cas. Tu te tapes ce chef-d'œuvre, Zoltan, là, mais c'est Saigon, c'est Ho Chi Minh Ville. Hein. Dis donc, il faut se mettre à la page. Et Ho Chi Minh Ville. Le mec qui fait chier. C'est con, les gars. Alors,
J'ai vu, t'inquiète pas, Mérès, j'ai vu, mais je vais te donner la parole à Beauparleur. T'as vu quoi? Dans la room. Alors, j'ai pas vu, moi. Une balle dans la tête, à l'époque des forums, qu'on disait à Shkamania, c'était celui qui était considéré comme le meilleur de John Woo, même si maintenant, c'est vrai que c'est peut-être pas celui duquel on parle le plus, en règle générale, ça c'est pour les... Bah, déjà, pas de copie, en fait, enfin, on peut pas... Oui, bah, c'est ça. Non, mais je dis, vrai, on a tendance, généralement, on a tendance à dire, grosso modo, Hardboiled, The Killer, et peut-être le Syndicat du Crime, toi, grosso modo. Mais une balle dans la tête, c'est vraiment très très bon. Alors moi, j'avoue que j'accroche un tout petit peu moins à la toute première partie, qui met les choses en place, mais j'avoue que c'est pas forcément ce qui me fait le plus plaisir, on va dire. Mais ce que je trouve très intéressant, et Zoltan l'a dit, c'est qu'en fait, c'est un film de guerre sans être un film de guerre en tant que tel. C'est-à-dire, c'est la guerre du Vietnam, mais c'est pas des soldats. Ouais, mais c'est son film de guerre sur la guerre du Vietnam. C'est ce que je me suis dit quand j'ai revu le film, en fait, tu vois. Ouais. Et justement, bah, il se retrouve dans un camp de prisonniers, c'est presque stéréotypé comme scène. Mais en même temps, comme ils arrivent là-bas et qui ils sont, c'est pas ça. Alors, petite chose très importante à savoir pour la suite, pour le film d'après, ce film a été un méga échec au cinéma. Il n'a pas du tout fonctionné. Entre autres, les gens à Hong Kong et tout ça, ils trouvaient que le personnage interprété par Wesley, c'était le mec le plus intelligent de la bande, parce que c'est celui qui a compris que c'était la merde et qu'il valait mieux prendre de fric et se casser. Faut que l'amitié, l'argent d'abord. Paul en français, ouais. Voilà, c'est une manière de penser, hein, faut pas critiquer les autres mentalités, hein, c'est comme ça. Mais donc, en gros, ouais. Les gens sont sortis du film, ils se sont dit, il est con le héros, là, qu'est-ce qu'il fait, Tony Log, là, au but de ton pote, là. Bref, ça c'est important pour la suite. Le film en lui-même, il mélange, mais c'est vraiment un mélange particulier, parce que c'est, comme on a dit, c'est la guerre, mais c'est en même temps un pur polar, un peu comme ce qu'il a fait avant au niveau gunfight et tout. C'est hyper intense, la scène du camp de prisonniers, pour moi, elle est incroyable. Elle est horrible. Simoniam, il fait du Shounfat. Hein, tu dis Shounfat dans le rôle, en fait. Quoi. Il fait un français. Ouais, Luc. Mais c'est Shounfat. En fait, tu sens que c'est Shounfat, quoi, le truc. La séquence où il gaule l'or, le gunfight, il est dément. Ouais, c'est vrai. Non, les gunfights sont incroyables dans le film. Film, il y a d'abord cette intro. Genre, c'est bon, t'as posé les bases, on peut faire tout péter maintenant, c'est bon, t'as hâte de faire chier. Allez, bam! Et après le film, ouais! Mais cette intro, moi, je trouve que justement, le fait qu'elle ait été un peu. Enfin, tu vois, moi, je trouve que ça hyper. Tu sais, tu captes la jeunesse, mais tu la captes avec le fait qu'il ait dû couper et que ça, c'est hyper accéléré. Tu sens une espèce d'énergie de comment on présente cette époque-là, mais avec une puissance. Genre, en 15 minutes, t'as l'impression d'avoir vécu avec eux depuis 20 ans, enfin, depuis 10 ans. C'est hyper fort, quoi. C'est. Je vais répondre à Shadow tout à l'heure. Mais je suis d'accord avec toi, ça donne bien ce côté bouillonnant de Hong Kong, tu as vraiment ce côté marmite. Alors, justement, pour répondre au fait que ce soit un remake, alors comme d'habitude, les gens, vous connaissez la chanson ce soir, hein, de toute façon, hein, vous êtes au courant, je vous l'ai déjà dit 50 fois. En effet, ça s'inspire de Voyage au bout de l'enfer, mais si vous regardez bien un autre film de Chang-Chi, c'est un quasi-remake en fait de Frères de sang de Chang-Chi, sur lequel John Woo a été assistant réalisateur. C'est à peu près la même histoire. Je ne sais pas qui l'a vu. J'ai pas vu ça. Blood Brother, frère de sang de Chang-Chi. C'est un des meilleurs Chang-Chi. Regardez-le. Hein, si vous n'avez pas compris la vidéo sur Bruce Lee, celle-là, en fait, on vous dit de regarder. Attends. C'est un film de guerre aussi? Non, pas du tout. C'est un Wu Chapian. D'accord. Okay. Mais si vous voulez, je vous raconte vite fait l'histoire. En fait, dans Blood Brother, c'est deux gars qui sont très potes. Il y en a un, c'est Cheng Quan Tai, qui est très très fort en castagne, mais qui n'est pas le plus futé. Et puis, il a une femme. Il y a l'autre, c'est David Chiang, qui lui, c'est le petit futé. Et ce sont des voleurs. Et un jour, ils tombent sur un mec qui arrive par là. Et puis, c'est Tilung. Tilung leur met la raclée, pam, pam, pam. Et il leur dit, j'ai besoin de gars comme vous pour mes ambitions. Je suis hyper ambitieux, tu vois. En fait, ils les recrutent. Ils vont taper des bandits qui, du coup, ils viennent un gang de bandits. Et ensuite, le gang de bandits, il va à la capitale pour se faire mandarin, donc il commence à grader dans l'armée, ensuite il fait revenir ses potes dans l'armée, avec ses potes, ils partent à la guerre, trucider des vilains pas beaux, et un jour, comme le personnage de Tilung est attiré par la femme de celui de Cheng Quan Tai, il va faire des choses avec elle, et comme Cheng Quan Tai commence à l'embêter, bah, il le trucide, et du coup à la fin, le personnage de David Chang va trucider Tilung. Voilà. D'accord. Donc, je vous ai pas donné tous les détails, mais c'est un excellent film, vraiment excellent film à voir, Frère de sang de Chang-Chi. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un quasi remake. Et ce qui est drôle, c'est que je les ai découverts les deux le même jour par hasard. Donc je les ai vus d'affilée, j'ai fait ah ouais, quand même, c'est vachement proche. Donc regardez du Chang-Chi, c'est excellent Chang-Chi. Et non, encore une fois,
ce qui est bien avec John Woo, c'est que ça, son âge d'or a été court en nombre d'années. Mais il y a des très bons films, il en a fait plusieurs. Et celui-là, franchement, il rentre parfaitement dedans. Alors, on a déjà parlé du lien avec le Syndicat du Crime 3. Pour la petite histoire, le Syndicat du Crime 3 est sorti avant. Donc, si on veut, le Syndicat du Crime 3 est un pré-remake de ce film. Mais, ouais. Mais John Woo est quand même allé au bout de son délire. Il voulait faire le film. Ça se voit. Raconter un peu sa jeunesse, etc. Dans la première partie, il a voulu faire son film. Hélas, le film a été un échec complet au box-office. Il est content, tu y arques, cet enfoiré. Pardon ? Je crois qu'il l'a tourné au noir, hein. Il l'a tourné au black, genre il est allé tout seul avec sa thune en Thaïlande et tout, genre il l'a fait un peu en mode à l'arrache. C'est sûr. C'est pas Terence Chang qui produit ce film ? J'ai lu ça vite fait, mais après... Comment, Golden Highway ou un truc comme ça ? C'est sûr que c'est pas Choi, hein. Ça c'est clair. Mais Choi, il devait être tellement content que le film a bidé, cet enfoiré, putain. En plus, lui, il a fait Syndicat du Crime 3 derrière. Enfin, avant, tu vois. Il l'a fait avant, c'est ça le pire, c'est qu'il a, il a piqué son idée puis il l'a fait avant, quoi. C'est quand même un truc d'enfoiré. Non, mais attends, avant, non, mais attends, c'est pas ça qui s'est passé. Il a fait des pieds et des biens et des mains pour que John Woo réalise le film, et il voulait pas. Donc, au moment, il a fait bon, vas-y, casse-toi. Je suis pas sûr, hein, parce que moi, d'après ce que j'avais entendu dire, c'est il voulait faire une balle dans la tête, et puis lui, il a fait non, fais The Killer, c'est vachement mieux et tout ça. Bon, bah, ils l'ont fait The Killer parce que l'autre aussi, ça l'intéressait un peu. Mais du coup, ils se sont fâchés un peu en mode, bon, écoute, t'arrêtes de me casser les bonbons, il s'est cassé. Et quand il s'est cassé, de ce heure qu'il a fait, bon, bah, puisque c'est comme ça, je fais ton film, là, tiens. Ah ouais, moi, j'ai pas du tout cette version-là. Moi. Ouais, parce que ce serait bizarre qu'il ait pas envie de le faire et qu'il fasse quand même une balle dans la tête derrière, quoi. Et qu'il mette en plus les scènes dont il raconte l'histoire dans Syndicat du Crime. Moi, il me semblait qu'il y avait un scénario développé par John Woo depuis longtemps et qui en fait il lui a volé les idées, quoi. Un peu de choix qu'il est parti avec le scénar et que donc John Woo est parti faire sa propre version. Il me semblait que c'était un truc comme ça, quoi. Bon, je suis pas sûr à 100%. Faudrait vérifier. D'accord. Je pense que le livre d'Arnaud, justement, doit contenir la réponse. J'y suis pas encore. Alors, mérais-je une balle dans la tête en avant? Une balle dans la tête, ouais. Mets donc la petite vidéo, tiens. Alors, on va mettre. On se fait pas striker avec cette vidéo, non, je crois pas. Mais bah, ça okay. Va. Alors, je juste. Mais je vais pas te copier en France, qu'est-ce que tu veux te faire hier? Il a raison. Ah, pour le coup, il est introuvable, je veux dire. Blague à part, moi, une fois que j'essaie de mettre des extraits, je me suis quand même fait striker par des Chinois, machin, j'étais super heureux. Tu vois. Les gars, on peut même pas voir le film nulle part, nous. Non, tu te feras pas striker, c'est sûr et certain. Bon, Cacolac, merci à toi pour ton don, ça fait extrêmement plaisir de soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Que vaut Tony Leung dans ce film ? A-t-il été tourné plusieurs fois avec John Woo ? Il a tourné trois fois avec John Woo. Oui, il a tourné trois fois avec John Woo, et qu'est-ce qu'il vaut dans ce film ? Il est magistral, il est incroyable. Même techniquement quatre fois, en fait. Et il est juste génial, voilà. C'est quoi la quatrième fois ? C'est le meilleur perso. C'est Redcliffe 2, en fait. Oui, d'accord, ok. Ouais, ça, si tu veux, ouais. Alors, il est génial dans ce film, il est incroyable, Cacolac. Merci pour ton don. Et tout de suite, je vais vous mettre la scène. Tout à l'heure, pour ceux qui étaient là en début de live, je vous ai mis la scène du Syndicat du Crime 1, où Marc, joué par Chow Yun-Fat, raconte l'histoire qu'ils ont vécue quand ils étaient jeunes, où on les avait obligés à boire de la pisse. Parce qu'ils avaient des contre le parrain d'une mafia au Vietnam, et donc c'est cette scène qui est racontée dans Une balle dans la tête, sauf qu'elle a été aussi coupée dans Une balle dans la tête, malheureusement. Mais là, vous allez voir Tony Leung jouer en fait Marc quelque part, et voilà, une scène inédite. Putain, je l'ai l'envers. Donc ça, vous le voyez dans le film, dans la version française. Juste pour vous dire, ça, vous allez le voir dans la version française, c'est la suite que vous n'allez pas voir. Donc là, il vide la bouteille de whisky. Et Marc, il disait, j'ai dû vider une bouteille de whisky, et c'est lui qui l'a bu à ma place. Donc là, on voit bien que c'est son pote qui la boit à la place. Joué par Jackie Chung, qui c'est lui qui donne la meilleure performance dans le film d'ailleurs. Ah bah ouais là. À partir de là, par contre, c'est plus long. Et à partir de là, effectivement, on passe en version coupée. Ah, ils ont pissé dans les. Ouais, ils ont pissé dans les trucs de. Il me faut 4 flingues sur la tempe. Mais d'ailleurs, le cut, il est hyper bizarre dans la version française. Ouais. Nous,
que tu reprends, ils sont en train de recracher, limite, genre... Pouf, ouais, il est comme ça. Sur un cut, comme ça, quoi. Une balle dans la tête, ou de la pisse dans la bouche. Même en VO, le son est décalé, la synchronisation labiale est pas bonne. Ah putain, j'ai galéré hein, d'ailleurs, moi. Ça se décalait tout le long du film. Oh, le destin de ce perso aussi, putain. Oh, des larmes mec. Dans les yeux, mec. Un vrai goût de pisse. Ah ouais, dégueu, putain. Moi, je bois de la bière, en plus, ça me dégoûte. Là. Oh, putain. Ah, il est devenu dégueu, ma bière, d'un coup. Putain. et la version, elle reprend quasiment là, je crois. Et t'as vu, là, il n'y a plus de musique et tout, c'est chambé, là. T'es avec eux. Ah, le traître, il recrache. Ça reprend là. Ouais, ouais ça reprend là, c'est ça. Ça reprend là, exactement, par exemple. Mais tu comprends pas pourquoi il se vénère, en fait. C'est hyper bizarre, la version, tu vois, coupée. D'un coup, le gars, Ben, enfin, Paul, il se lève, il est super vénère. Tu fais, mais attends, pourquoi Ne me remerciez pas. Ouais, merci. Merci. Non, mais la scène est tellement puissante. Je suis dégoûté. Comment tu peux cutter quelque chose pareil? Ben, c'est... Putain. Bon, alors, mais il pas une balle dans la tête, forcément. Maintenant, vous avez remarqué, là, il ne sert plus de la bière. Là. Il sert autre chose. Non, ouais, mais en fait, tu vois, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Un très, très bon pote. Et je trouve, et ça s'est toujours vérifié, c'est horrible hein, ce que je vais dire, c'est dégueulasse, hein, je vous préviens. Et ça s'est toujours vérifié dans ma vie professionnelle d'artiste, et même quelque part en amitié. Il m'a dit un truc très simple, il m'a dit, bois de la pisse. Dans un groupe, il y a toujours un traître. Non mais, tu vois, et en fait... Je peux avoir écouté ma life, mais enfin voilà. Et en fait, ce film résonne particulièrement en moi. Et c'est vrai que c'est je crois que c'est le. C'est toi qui t'es barré avec l'or. Non, en fait, tu vois, c'est pas le film de John Woo que je préfère. Mais je crois que émotionnellement, ouais, c'est celui qui me touche le plus. Il y a un truc de. C'est trois frères, trois. C'est comme si c'était trois vrais frères, quoi, tu vois. Ah oui, clair. Et cette patate de leur mère décédée, c'est ça? Et non, et tu sais, et ce couteau dans le dos, tu vois, un peu. En plus, c'est lui aussi dans le syndicat du crime, c'est des gars qui lui jette les billets comme une grosse merde. Et c'est vrai que cette trahison-là, tu sais, pour moi, à chaque fois, elle passe pas. En fait, ça passe. Ce film, tu sais, il laisse un goût amer de c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment, et ça fonctionne hyper bien sur moi, donc ça me émotionnellement, ça me touche vraiment hyper profondément. Et je trouve que ouais, c'est comme a dit Zoltan tout à l'heure, quoi, c'est probablement un des plus beaux films sur l'amitié. C'est un chef-d'œuvre. Je ne peux pas te le dire autrement. Dans un groupe, il y a toujours un traître. On est quatre, qui est le traître? Non, non, mais c'est incroyable. D'ailleurs, cet acteur qui joue le rôle du traître, j'ai oublié son nom, Beauparleur, c'est qui déjà le nom de. Pardon? C'est Wesley, non? Ah oui, Wesley, voilà, exactement. Wesley qui s'appelle Paul et qui a joué les deux scènes parce qu'il joue dans Syndicat du Crime 1 où c'est le jeune qui apprend. Et là, il joue aussi dans. Donc c'est assez. Mais c'est vrai que cette scène. Elle... Puis Tony Leung, tout à l'heure, Kekola, que tu me demandais comment était Tony Leung dans ce film, je te dis, il est génial. Et Jackie Chung, quand même, la performance. Non, mais les trois sont. Ouais, non, les trois sont super. Non, mais les trois sont géniaux. Mais la folie que joue Jackie Chung. Quand il prend la balle dans la tête, cette fameuse balle dans la tête, c'est quand même. Ça n'a rien à voir avec la folie que joue l'autre acteur dans Syndicat du Crime 2, tu vois. Qui est traumatisé. ça n'a rien à voir, quoi. C'est marrant en plus parce que Jackie Chung, c'est plus un acteur qui fait des comédies en principe. C'est plus un petit rigolo. Il est bon dans tout. Il sait faire des arts martiaux. Le mec, c'est un tueur. Il sait chanter. Tu vois, c'est quand même assez marrant de le voir là-dedans, quoi.
Jackie Chan, c'est Jackie Chan, mais qui sait vraiment tout faire. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais parce que je trouve qu'il physiquement, il donne un air à Jackie Chan aussi. Hein, Jackie Chan. Il donne des airs à Jackie Chan quand même. Non, voilà, les amis, une balle dans la tête, chef-d'œuvre aussi encore. Un autre chef-d'œuvre. De toute façon, pour moi, il est enchaîné. Hein. Syndicat du crime, c'en est un. Killer, c'en est un. Une balle dans la tête, c'en est un. Et là, nous sommes en 1993. Zoltan, tu veux dire un truc? Non, vas-y, je vais m'absenter 15 secondes le temps de... Vas-y, bah, il y a bon le temps de mettre des choses dans les verres. Nous sommes en 1993, et je crois que pour la majorité des gens, le premier film qu'on va voir de John Woo, et il s'agit bien entendu de Hard Boiled. Il y a l'incentif d'abord. Non, c'est pour dernier Hong Kong, si, sûr. Ah, c'est Wong Se Tif juste avant. Ouais. En fait, je t'explique, justement, j'ai dit qu'une balle dans la tête s'était plantée, et c'est pour ça qu'il a dû faire un film commercial pour enflouer les caisses. Exactement. Ah merde, putain. Ah ouais, donc du coup, il a repris Show Yun Fat dans... Alors, on parle de Wong Se Tif avant, du coup. Ouais. Bah, ouais. Oui. On finit, ouais, on va... Ouais, t'as raison, c'est Wong Se Tif avant, tu vois. Tu vois ce truc chronologique de merde que j'ai découvert bien après. Alors lui, pour le coup, il est sorti après tous les autres, quoi, tu vois. Vraiment, quoi, ils l'ont mis en dernier. D'ailleurs, les Américains l'ont découvert après la sortie de... D'ailleurs, la bande-annonce que je vais vous mettre, c'est la bande-annonce américaine. Les mecs qui n'étaient pas aguerris, hein, qui n'allaient pas dans les quartiers chinois, ils l'ont découvert après Mission Impossible 2. C'est pour dire, la bande-annonce que vous allez voir, c'est le film qui est une bande-annonce qui est sortie. Ah, salopard, je te déteste. Allez, c'est parti. Once a Thief, les associés. Oh là là, salopard, il m'a sorti le Blu-ray, je ne savais même pas qu'il existait. In a deadly game few dare to play, one team excels. From John Woo, the director who brought you Face Off, The Killer, and Mission Impossible 2, comes the explosive Asian box office smash hit. Once a Thief. Attention, bande-annonce trompeuse, hein, je préviens. Ouais. La voix de Don LaFontaine, putain, mais quel master. Cette voix de ouf. Ouais, mais c'est tellement horrible, tu sais, les bandes annonces comme ça américaines, tu sais, où il faut absolument mettre une voix off et tout pour faire genre, tu vois, je déteste. Il était une fois. Je suis trop fan. Alors, vous avez vu, hein. Tu peux me vendre n'importe quoi. Par le réalisateur qui vous a amené Volteface, The Killer et Mission Impossible 2, tu vois, les mecs, ils font putain, il vient de faire un nouveau film. Le truc, il l'avait sorti il y a 15 ans avant, tu vois. Donc Once a Thief, du coup, c'est 91. Attends, c'est quelle année celui-là? Celui-là, 91. Once a Thief, c'est 91. Ouais, 91, ouais. Tu vois, c'est bien ça. Donc, on est juste derrière. Alors là, du coup, tu dis putain, Chow Yun-fat, Leslie Cheung. Alors, moi qui adore ces deux acteurs, je suis. Mais hype de ouf, tu vois. Je me dis, oh, c'est trop. Non, moi, je déteste pas ce film. Alors, le seul truc, c'est que c'est cool, mais il y a beaucoup de comédie. Et trop de comédie, tue la comédie. Et donc, je déteste la comédie. Donc, moi, ce film, c'est aussi une comédie, mais il y a toujours cet élément un peu dramatique, cette musique inspirée quand même de John Woo. Ce côté un petit peu. Je feins la mort, je reviens. C'est un mélange de tout, mais en fait, c'est un mélange de tous ces films d'avant, mais avec plus d'humour. Il s'est dit, bon, je vais faire un truc léger. Parce que peut-être qu'une balle dans la tête, c'était trop lourd. Parce qu'une balle dans la tête, pour le coup, c'est très, très lourd comme film à regarder. Et ça n'a pas marché. Donc, il s'est dit, bah, je vais faire un petit peu, un peu d'humour avec une touche de tout ce que je sais faire. Et je crois que le film a marché à Hong Kong. Il a très, très bien marché. Et tu vas commencer le beau par là. Bah, le film a très, très bien marché. Et c'est même l'un des films les plus cultes de John Woo à Hong Kong. Comme tu vois, on n'est pas d'accord avec le Hongkongais, tu vois, une balle dans la tête se plante, celui-là cartonne, The Blade of the Earth se plante, enfin bref, on adore les Hongkongais quand ils font des films, mais parfois, à l'heure d'aller les voir, on n'est pas d'accord avec eux. Hein. Comme quoi, ils sont meilleurs à les faire. Non, c'est méchant, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit, c'est mérité. Alors bon, celui-là, c'est un film, j'avoue, c'est pas celui que j'ai le plus regardé, c'est avant tout une comédie, à savoir qu'il en a fait une série aux États-Unis, hein, ouais. Donc, que j'ai pas regardé. Le film en lui-même, faites attention, l'affiche, la bande-annonce, tout ça, essaye de le vendre en mode actionneur, c'est plus pour moi une comédie, une petite comédie de. Mais l'action pas. On n'est pas du tout dans le côté dramatique, action et tout ça. Tu vois. On a même vu dans l'extra, on a vu Chow Yun-fat qui prenait un bâton, vous voyez, qui faisait déjà un peu le con sur l'image et tout. C'est pour ça que je dis, c'est avant tout une comédie plus qu'autre chose. Un petit film de braquage sympathique, je dirais. Moi, personnellement, clairement, de cette période, c'est celui que j'aime le moins. Mais étonnamment, par exemple, quand HK Video l'a sorti, ils ont sorti Just Heroes en bonus, en théorie. Tu vois, et puis ça s'appelle Chow Yun-fat.
Et parce que c'est bien Sean Fat, il y a Leslie Chung, c'est beaucoup plus peur. Mais ouais. Pourtant, le film, pour moi, je dis, moi, j'ai Just Heroes et celui-là en bonus, tu vois. Ah bah, bien sûr. Moi, je trouve que c'est un film qui se laisse regarder. Dans mon souvenir, c'est pas celui que j'ai le plus regardé. Mais je n'en garde pas un souvenir étincelant éternel, on va dire, personnellement. Ça, c'est la fameuse série qu'il fera. Il fera un pilote et une série de 2 saisons. Un putain de scandale, de la merde en bâton. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. Par contre, Blackjack, on en parlera dans la partie 2 un petit peu. Ouais, et je vais redonner ses lettres de noblesse à ce téléfilm. C'est pitoyable, non, c'est de la merde. Non, c'est pas pitoyable. Non, c'est nul à chier. Non. C'est pas vrai. C'est faux. Non. Et je le prouve. Mais de toute façon, moi, les associés, je trouve pas ça pitoyable. Hein. Et moi, le seul truc qui m'emmerde, c'est trop de comédie. Effectivement, mais quand même, c'est mieux que énormément de films que je me mate aujourd'hui. Donc, je vais te dire, je l'ai revu là. Franchement, j'ai passé un bon moment. Mirej, toi, les associés, c'est pas possible. Déjà, moi, vous connaissez peut-être, si vous regardez cette émission, les comédies, c'est pas du tout mon truc. Et j'ai envie de vous dire, les comédies hongkongaises, encore moins. Ouais. Parce que là, c'est. On atteint, enfin, avec la comédie hongkongaise, on atteint un niveau de dangerosité pour le cerveau qui est particulièrement violent. Enfin, je veux dire, ça peut, je pense, détruire des vies, vraiment de tomber dans. Donc, moi, je tomberai jamais là-dedans, c'est pas possible. C'est super cheesy déjà. C'est vraiment, tu vois, le début à Paname et tout, ça se passe à Paris, ils braquent des tableaux. C'est un peu comme le début de Better Tomorrow 2, c'est nul. Ils jouent tous comme des culs. Enfin, tu vois, c'est vraiment pas possible. L'histoire, donc c'est une sorte de trio de voleurs qui volent des œuvres d'art, voilà. Et puis je vous passe les détails, mais Chow Yun-fat se retrouve en fauteuil roulant. Et donc, on a des scènes de gunfight où il est en fauteuil roulant, où il tourne sur lui-même avec des machins, bidi. Je spoil, j'en ai rien à foutre. Hein. Si vous voulez pas savoir, voilà. Alors, je vais spoiler un truc, je mets comme ça, puis quand j'enlèverai les doigts, c'est que j'aurai fini de spoiler. Et donc, le truc est complètement débile, parce que le scénario est débile, mais genre, t'as jamais vu ça, tellement c'est n'importe quoi. Et donc, alors qu'on s'est tapé des scènes d'action en fauteuil roulant, à la fin, t'as Sean Fudd qui se lève, qui fout des gros kicks et qui sort qui fait du kung fu et tout, et genre en fait il peut marcher quoi, et toi t'es là tu fais mais mec pendant qu'est-ce que tu foutais dans ton fauteuil roulant, c'était pour bluffer le spectateur certes, mais ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, s'il y a des méchants, tu te lèves de ton siège et tu gunnes normalement. Le spectateur, il est pas censé être avec toi à ce moment là enfin bref, ça n'a aucun putain de sens. Et le film, en fait, j'ai fini de spoiler, le film est truffé de conneries comme ça, en fait. C'est pas drôle, c'est pas très beau, je trouve, la photographie est pas super. Ah oui, non, c'est vrai que la photographie, c'est pas très beau. Mais ils ont tourné à l'arrache, hein. Tu sens qu'il n'y a pas de directeur de la photo, là, sur ce film-là. Non, mais déjà, tu sens que Chowder qui n'est plus là. Tu vois, là, je viens de regarder, c'est produit par Amichin, je ne sais même pas qui c'est. Enfin, tu vois, donc... c'était peut-être un film du Nouvel An ou j'en sais rien, tu vois, mais une comédie typique. Tu sens qu'il n'y a pas un vrai prod derrière, c'est pas possible, quoi. C'est pas très beau. Pourtant, c'est David Wu au montage et tout, hein, mais les scènes d'action. Bah, c'est sauvé par ça, moi, je trouve, hein, quand même. On retrouve le style. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais Une balle dans la tête, c'est monté par John Woo. Hein. Ouais, et David Wu. Ouais. Et John est toujours en salle de montage, hein. Pardon. Les scènes d'action sont très peu nombreuses, elles sont pas très bien. Et moi qui adore les films de braquage, parce que j'adore les films de braquage, mais t'as même pas idée, même les films que personne n'aime, genre The Score, moi je trouve ça génial et tout. Mais là, ça marche pas, quoi. C'est pas haletant, c'est mou, c'est capillotracté, c'est ridicule. Franchement, pour moi, c'est de toute cette période-là. C'est le navet de l'enfer. Hein. C'est le navet. C'est le moins bon. C'est le moins bon de. Non, c'est pas le moins bon. C'est le navet. C'est. Oui, c'est le plus nul. C'est le plus nul. C'est celui. Mais tu l'as en Blu-ray. C'est quoi cette. Mais c'est quoi cette jaquette de merde? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Et regarde, tu vois la preuve, il est même pas ouvert. J'ai même pas enlevé. C'est pour l'offrir à ton pote, ça. J'ai même pas enlevé le plastique tellement le film est pourri, tu vois. Donc c'est juste pour la collecte parce que je suis un collectionneur. Mais non, il n'est pas bien. Mais en revanche, c'est un chef-d'œuvre absolu.
si on le compare donc au téléfilm qu'il a réalisé, hein, donc pilote de la série de merde, qui est complètement catastrophique, le plus drôle étant que les comédiens, vu qu'on est à la télé, n'ayant pas le droit de se braquer des armes sur la tête, parce que c'était interdit, se braquent sous les aisselles. Et ça, c'est quand même très, très fort. Voir un chassé-croisé de John Woo avec les mecs, avec des flingues sous les bras, franchement, c'est chambé. Ça pue, c'est le cas de le dire, ça pue. Ouais, alors Wong Soo-Fi, mais ça avait été acheté par la télé américaine parce que justement ça avait cartonné à Hong Kong. Donc ils se sont dit, putain, le mec, attends, c'est celui qui a fait The Killer, celui qui a fait machin, celui qui a fait ci, bah on va faire les associés en série. Ça peut marcher, tu vois, un truc de braqueur. Bon, bah là, ils auront fait quand même deux saisons et un pilote. Après, pour une série télé, une histoire de braqueur pas trop violent, un peu comique, ça passe très bien. Hein, ouais, c'est le principe. Mais on reviendra sur effectivement sur son exil outre-Atlantique. Mais du coup, les associés, il n'y a pas grand-chose à dire. Je crois que Zoltan ne l'a pas vu, donc c'est pas grave qu'il ne soit pas là. Et on va pouvoir passer au chef-d'œuvre ultime d'action, en tout cas. Celui qui sera vendu comme le film avec la scène de gunfight la plus longue de l'histoire du cinéma. Je crois que c'était 45 minutes que ça nous était vendu comme ça. C'est ça. C'est pas forcément vrai parce que tu sais, il y a, mais oui, c'est ouais. Ça, c'est 45 minutes de gunfight. À 45 la fin, minutes. Ouais. Donc, les amis, vous l'avez tous vu et revu, vous l'avez découvert certainement comme ça. Il s'agit du chef-d'œuvresque, du cultissime. Allez, dis-le, Méry, ça va te faire plaisir. À toute épreuve. Épreuve, les amis, hard-boiled, cultissime, et voilà. Bah, alors montre-nous les éditions que tu as. Alors, moi, j'ai mieux que toi. Regarde, j'ai la VHS. Non, j'ai forcément le HK. J'ai une version qui est en fait, ça, je crois que c'est américain, mais en fait, c'est le même master que l'édition hongkongaise, donc c'est. Sous-titré anglais, donc c'est quand même bien de l'avoir sous-titré anglais. Ouais. Et j'ai le meilleur master qui existe, à savoir l'édition japonaise. Parce que les Japonais, exactement. Au niveau pressage Blu-ray, c'est des masters. Et donc ça, c'est le meilleur Blu-ray à l'heure actuelle. Avec une photo de Syndicat du Crime 3. Mais par contre, il n'y a pas de sous-titres anglais. C'est du pur... Il y a des sous-titres japonais, c'est tout. Ouais, alors, c'est ça, la photo n'est pas ouf, mais et c'est vrai que les Japonais, moi, quand je suis allé au Japon, j'ai essayé de voir pour choper des films, putain, laisse tomber. Alors, sachant que la meilleure édition, c'est celle-là, et avant qu'on, je vous donne la parole, juste vous, alors je ne l'ai pas là encore sous les mains, mais je viens de mettre la main, je l'ai commandé en tout cas, j'ai commandé cette édition. Et voilà, les amis, et oui, un bootleg avec jaquette originale, vous pouvez voir, voilà. Ceux qui sont intéressés, vous me dites, hein, vous allez sur, le mec est sur Facebook, vous tapez Blu-ray Choco, vous allez le trouver sur Facebook. Après, vous voyez avec lui, vous débrouillez par Messenger. Voilà, cette édition bootleg, à toute épreuve, moi je viens de me la prendre, je vais bientôt la recevoir, je l'aurai dans les mains, je vous la montrerai. Magnifique, avec des bonus de fou, un pressage incroyable, et tiré du Master HD incroyable de ouf. Donc voilà, j'ai hâte, je vous dirai, je vous ferai un retour dès que je l'aurai sous les mains, mais si ceux qui sont intéressés, Blu-ray Choco sur Facebook, bien entendu, ça c'est de l'inédit, les amis. Oh putain, c'est beau. Ça va très bien aller avec ça. Tu le ranges dedans, en fait, pour garder les deux. Attends, fais voir la... Remontre. C'est beau, toi. Non, ta VHS. Ah, la VHS, ah oui, je vais te montrer la VHS. Vas-y. Ok. Non, parce qu'il existe, c'est très marrant, mais il existe une... Oui, VHS, c'est pas celle-là. Non, existe une affiche de Hardball, je crois que c'est la version taïwanaise. Ou je sais plus. En fait, c'est pas le même bébé. C'est quasiment la même taupe. C'est pas le même bébé. Non, je te promets, je te jure.
Je te jure. Ils vont pas assez à Taïwan, il en fallait un autre. Il fallait un qui arrive. Non, mais parce que tu sais, probablement qu'ils ont fait plusieurs. Je sais pas, tu vois. Attends, je vais essayer de la retrouver parce que c'est trop fort. Ah ouais, je veux bien voir. Alors, ouais. En tout cas, attends, je vais regarder là. Parce que attends, et ça, c'est quoi c'est... Non, ça, c'est le bon bébé, ça. Attends. Ouais, c'est le même bébé que j'ai là, moi. Ouais. En tout cas, ceux qui veulent cette édition-là, les gars, Blu-ray Choco sur Facebook, hein, mais courez-y, hein, parce que ça, vous l'aurez jamais, hein, je vous le dis tout de suite. C'est incroyable. En plus, comme vous pouvez voir, le Blu-ray est sérigraphié, enfin, c'est juste magnifique, quoi. Voilà. Et attends, il y a quelqu'un. Alors, il y a aussi un autre truc dont je voulais parler avant qu'on parle du film. C'est sorti en 2008, il me semble, ou 2009. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Vas-y, ben, mets-la moi. Le jeu Stranglehold, qui est sorti sur 360, où tu joues le rôle de Tequila, c'est un jeu de John Woo avec le bullet time et tout. Alors, je n'ai pas. Alors, il est dans mes cartons, mais j'ai le coffret Steelbook du jeu 360. À l'époque, je l'avais acheté sur Xbox 360. Ça s'appelle Stranglehold, les gars, c'est incroyable. En fait, t'es dans un film de John Woo, sauf que tu joues, quoi. Stranglehold, c'est une tuerie. Et c'est John Woo était impliqué, c'est Chow Yun-fat qui fait la voix du perso, je crois. Ouais. Qui fait la voix du personnage Tequila, et ben, de toute façon, c'était super. Enfin, les graphismes à l'époque étaient très très beaux, hein, parce que tu joues avec une fête. Quoi. Non, mais c'est quand même, pardonnez-moi l'expression, mais je suis obligé parce que ça m'énerve, c'est quand même une enculerie ce jeu, dans le sens où c'est du foutage de gueule, dans le sens où quand t'es fan de Woo, t'es fan de Hardball, on a attendu pendant des putains d'années qu'ils nous fassent la putain de suite de Hardball avec Tequila et tout, et là ils te font un jeu vidéo, quoi. Juste fuck off, quoi. Moi, ouais, mais t'as fait quand même jouer. Je m'en bats la rein, moi, du jeu vidéo. Je voulais le film. Arrête, rien à foutre. Zoltan, t'as connu Stranglehold, le jeu vidéo? Non, j'ai jamais joué. Enfin, je vois ce que c'est. Hein. C'est sorti 2007, hein, ça, 2005. Ouais, c'est ça, 2007, 2008. De gueule. Non, jamais joué. Tout le monde dit que le jeu est lourd dans les commentaires. Non, il est bien, le jeu, mais arrêtez maintenant. Il est has-been, le jeu, c'est bon. Non. On aurait eu un film. On aurait eu un film de John Woo avec Tequila. On aurait eu la suite de À toute épreuve. Percuté ou pas le truc? Il y a un Hardball bleu qui existe à Hong Kong, hein, faut pas oublier. Hein. Ouais, mais c'est de la merde. C'est pas un vrai Hardball bleu. Oui. Voilà, donc à toute épreuve, on va commencer avec Zoltan, il vient d'en revenir. Bah, attends, montre la fiche du bébé. Bah, elle est pas là, tu me l'as pas mise. Hein. Si, je l'ai mis dans le chat privé. Non, moi j'ai le bébé, moi. J'ai encore la scène de machin, je l'ai pas. De quoi? Non, dans le chat privé, je t'ai mis un lien. Oh là, tu peux pas la télécharger, hein. Oui, attends, la comment je fais ça, moi. Mais c'est pas là, ça n'a rien à voir. On dirait le même bébé, juste que c'est une autre photo, non? Ouais, je sais pas, mais en tout cas. Attends, je fais une capture écran et je vais la télécharger, ça va être mieux. Parce que j'ai jamais publié cette affiche. Hein. Je la déteste, cette affiche. Ah, j'adore. Hein. Moi, je. Ah, j'y arrive pas. Tu peux pas le faire, s'il te plaît, Mérin. Je peux le faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu fais une photo et tu la partages dans le truc. Ah, oh, mais c'est incroyable, tu sais pas faire afficher photo. Ils ont pris un autre bébé, effectivement. En fait, le bébé, où il regarde... je crois que c'est le même, seulement il regarde de l'autre côté. Je crois que c'est le même, en fait. C'est juste qu'en fait, il regarde de l'autre côté, Mérège. Mais c'est le même gamin, Mérège, seulement il regarde. Mais c'est pas la même affiche, vous êtes teubé ou quoi? Vous faites exprès. C'est pas la même affiche. Bon, ça marche pas, je peux pas te foutre la. Écoutez, en fait, c'est une affiche où, au fait, le gamin, où il regarde la caméra, il regarde là-bas. Non, pas du tout. Mais si. On dirait qu'il est complètement tourné, en règle générale. Voilà, on dirait juste que le gamin est tourné un peu. Comment on fait pour envoyer une photo? C'est galère. Présenter, partage d'écran. On fait plutôt ça. Tu fais présenter, partage d'écran et tu partages ton écran, plus simple. Parce que moi, j'y arrive pas là. C'est chiant. Partager l'écran de quoi? Attends, je vais essayer de le faire. Allez. Alors, en attendant que tu arrives à faire cette tambouille, beau parleur. C'est insupportable. Déjà, vous m'avez cassé mon délire avec Jeff. Vous savez pas en plus me faire chier pour une photo? C'est le même bébé. C'est la même séance photo. Allez, vas-y, beau parleur, il a partagé. T'es prêt? Regardez. Voilà. C'est exactement le même gamin, seulement il regarde à côté. Et rien. Tu vois, c'est le même couloir. C'est pas la même affiche. C'est pas tout à fait la même affiche. Et même Chow Yun-fat, il regarde. Ah si, Chow Yun-fat, il regarde l'écran. Dans les deux cas, j'aime pas l'affiche. Au moins, il a raison. Dans les deux cas, au moins, elle est encore plus pourrie. Déjà que, c'est vrai que l'affiche originale est pas. C'est vrai que moi, je suis d'accord. Franchement, le bébé. Non, l'affiche originale, elle est un peu de mauvais goût en ce qui me concerne. Arrêtez tout de suite. Vous arrêtez. Non, moi, je m'en vais. Non, mais l'affiche, c'est pas The Killer. Je vais vous dire autrement, cette affiche, c'est la plus belle affiche de toute l'histoire de l'humanité. Voilà ce qu'il faut. Non, mais moi, c'était la meilleure impression. Cette affiche, avec le bleu. Non, mais n'étais pas là, Zoltan. Avec le bleu typique des années 90,
allez tous mourir, là, allez tous vous faire cramer au quatrième degré. Si vous crachez sur cette affiche, vous aurez une très très mauvaise année. Je vois mieux là. Bah, écoute, 2024 sera pas bon parce que je n'aime pas ça. Il y a un truc que tout le monde dit, mais je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais on dit que c'est une référence à Baby Cart. Le film japonais du samouraï qui se balade avec. J'ai toute la saga. Oui, bah, il se le met. Oui, bah, de toute façon, dès qu'il y a un samouraï avec un bébé, Mandalorian, c'est Baby Cart. Dans Baby Cart. Pour Mandalorian, c'est vraiment Baby Cart. Bah oui, il y a même la scène, ils reprennent la scène où ils lui font faire le choix au gamin. Tu fais bon, allez, vas-y, on a compris. Quoi. Bon. David, il a mis le bébé est moins bien fait que dans The Flash. Ça, c'est bien vu, David. C'est bien vu. Et le bébé, il n'est pas dans le film. Et le bébé n'est pas dans le film. Et en plus, c'est complètement irréaliste parce qu'un nouveau-né, c'est pas du tout grand comme ça. Ouais, non, mais celui-là, Parce que là, sinon, la nana, elle en a chié vraiment, quoi. Si tu sens un bébé comme ça la première fois, c'est pas possible. Je te jure. Ça n'a aucun putain de sens. Cette affiche est ridicule. Alors, tu vois bien. Merci. Voilà. Zoltan, est-ce que tu. Alors, dis-moi, celui-là, tu l'avais vu. Pareil, je l'avais vu à l'époque où j'ai étudié les fusillades. Tu as du temps à étudier les fusillades, du coup, parce que. Ouais. Bah, écoute, moi, j'ai un peu une. Enfin, tu vois, si je dois le mettre en comparaison avec The Killer, qui est un peu souvent les deux. Je préfère largement The Killer, parce que celui-là, je suis incapable de t'expliquer ce que ça raconte comme film. Enfin, tu vois, je m'en souviens vaguement de l'histoire et tout, mais je. Attends, l'histoire, elle est pas. T'es d'accord avec moi que. Oui, bah il y a un truc similaire, mais je trouve que dans rip-off, ils ont rip-off une scène de À toute épreuve dans avec le même acteur en plus. Ah mais oui, mais ce que je veux dire c'est que dans À toute épreuve, enfin dans Infernal Affair, pour moi c'est traité d'un point de vue émotionnel. Alors, dans tout à fait. Toute épreuve, c'est traité d'un point de vue schématique quoi, de juste on est dans deux camps machin. Enfin, je trouve pas que ce soit très très. Il y a des trucs de ouf, quoi, mais je suis pas hyper client de l'histoire. Après, les scènes d'action, c'est les scènes d'action les plus impressionnantes qui ont jamais été tournées, je pense. Notamment, à l'époque, en tout cas, ouais, et tout. Enfin, tu vois, t'as des moments. Cite-moi une scène d'action mieux filmée. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Arrête, tu vas me dire, Die Hard. Tu vas pleurer sur Die Hard dans deux secondes. Non, mais d'ailleurs, ça n'a rien à voir parce que c'est pas le même type d'action. Non, je peux considérer Time and Tide. Dans un building avec des terroristes. Je peux considérer que Time and Tide lui gratouille, là, tu vois, je peux considérer. C'est pour moi, c'est ça dépend des jours, quoi. Mais. Non, 97 d'ailleurs. Et t'as notamment ce fameux plan séquence qui est peut-être un des plans les plus importants de l'histoire du cinéma d'action parce que c'est à la fois ce qui va définir, je pense, 20 ans de jeux vidéo. Vraiment, enfin, je pense que si t'as pas ce plan où t'es en vue à la troisième personne sur un mec dans un couloir, t'as pas vraiment les 15 dernières années de jeux vidéo qu'on a connues, elles sont liées à ce plan presque. Donc c'est un truc, enfin tu vois, je pense que l'image elle est importante pour ce que beaucoup de gens. Mais il y a une démesure qui presque me sort presque du truc quoi. Et avant j'en peux plus. C'est j'ai l'impression que, je te l'avais dit, hein, mais c'est deux plans, hein, c'est pas un plan. Il y a une coupe dans l'ascenseur, dans le panneau latéral. Il faut le préciser quand même, parce que. Je trouve qu'il faut le préciser, parce que c'est un fucking visible, quoi. C'est ça. Et en plus, il te le fait. Genre comme ça, quoi. Enfin, tu vois, j'ai fait pareil. Ouais, parce que moi, la première fois que j'ai entendu ça, je suis comment ça, ces deux plans. Vous foutez de ma gueule, mais il n'a pas fait exprès. Hein. Enfin, pour moi, c'est pas deux plans volontaires. Hein. C'est deux plans parce qu'il a juste pris le début d'une meilleure prise et la fin d'une autre prise. Mais ils ont tourné l'intégralité de ce que tu vois, ils l'ont tourné en un plan. Non, le raccord, il est garanti. Alors là, moi, je te garantis, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, c'est pas tourné sur deux étages. C'est tourné au même endroit. En fait, moi, ce que je te dis, c'est qu'ils ont tourné l'intégralité de ce qu'on voit. La séquence, elle démarre et elle termine. La séquence, ça, ils l'ont tourné en un plan. Ils ont voulu le tourner en un plan. Donc, le changement dans l'ascenseur, il se fait. Tu veux dire qu'ils ont tourné plusieurs fois la même séquence. Peu importe, on s'en branle. La coupe, elle est faite pour des questions de qualité de prise
Et non, ah bah oui, mais bon, bah, ça, bah, oui, bah, c'est pour ça qu'on coupe en même temps. J'ai envie de te dire. Non, mais c'est pas genre une coupe comme dans plein de films aujourd'hui ou comme dans 1917. Oui, on reprend sur un autre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, d'accord. Non, sur un autre tableau. Ouais. Là, c'est, voilà. Là, c'est quand même au nez et à la barbe du spectateur. C'est-à-dire que même quand tu as vu le film 15 fois, ouais, il faut mettre au ralenti, il faut mettre image par image pour faire ah putain, le bâtard, alors que. Il fait juste un pauvre panneau, quoi. C'est juste ouais, dingue. Ouais, ouais. Mais ça, pour le coup, c'est. Ouais, mais même eux, ils comptaient pas le faire, en fait. Enfin, tu vois, ils l'ont fait. Non, mais je trouve ça encore plus impressionnant de savoir ouais. que c'est deux plans, moi, perso. Moi. Je trouve ça toujours frustrant parce que je me dis, putain, tu t'es fait chier à faire ce plan-là pour ne pas le terminer d'une manière stylée, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il coupe, il aurait pu. Genre, la coupe, la coupe de fin, elle est toute pourrie, il enchaîne par une autre fusillade. Enfin, je veux dire, ça. Tu sais, ça, parlant-moi, un plan comme ça, t'as envie que ça aille jusqu'à un moment qui est un peu clé, quoi. Et là, vraiment, il le bazar dans la fin, genre, mais mec, t'es fait chier faire 6 minutes de plan séquence pour terminer sur une coupe d'un mec qui passe une porte et après ça continue à se tirer dessus. Ouais, mais ça, c'est les choix esthétiques, je pense, et tout, et chorégraphiques, tu vois, qu'il a voulu peut-être en salle de montage, il s'est dit putain, fais chier, ah, ça fonctionne, mais tain, je préfère et ça. Il y a quand même un flic qui bute un flic, et genre, ça passe totalement à la il y a un petit ralenti, mais vite fait quoi. Quand même. Alors, juste les gars, moi il y a un truc, j'ai jamais compris pourquoi, mais vous allez me dire, mais je vais juste faire le petit synopsis parce que j'aime bien quand même pour le dernier film. Ouais. Hong Kong 1997. Ça, j'ai jamais compris pourquoi, mais pourquoi pas. je râle le film, j'ai pas compris pourquoi, mais pourquoi pas. Hong Kong 1997, la ville est dangereuse. Si, c'est parce que 97, c'était la rétrocession de Hong Kong. En fait, l'Angleterre rendait Hong Kong à la Chine. Et donc, du coup, il y avait un sentiment post-apocalyptique. En fait, c'est comme si tout s'écroulait, tout partait en couille avant le chaos total. Ah, donc il a voulu raconter. Ouais, mais, voilà, mais c'est pas un sujet dans le film, donc c'est dommage quand même. Tu vois. Alors, c'est non, un sujet mais... en filigrane. Voilà, c'est un sujet sous-jacent. Bien sûr que c'est un sujet. Voilà. L'énergie du film et tout ça, c'est ce que ça représente. Ouais. Franchement, ouais. Ok. Je vais être Tim Zoltan peut-être ce soir, mais là, pour le coup, franchement, bon, bref. Ah oui, effectivement, la ville est dangereuse et pourrie jusqu'à la moelle. Les gangs ont infiltré toutes les professions. Parce que ce n'était pas le cas avant, en fait. C'est à cause de la rétrocession. C'est comme le bug de l'an 2000. Enfin, tu vois, il y a un truc de... Plus on s'approchait de la date, plus tout le monde pensait... C'était l'enfer, hein. Les gens flippaient. Oui, je sais, mais je veux dire, il n'y a rien d'historique là-dedans, quoi. Tu vois, mais c'est pas grave. Mais bien sûr qu'il y a un truc historique, puisque je te dis que c'est un événement historique. Justement, non, mais t'es gentil, je sais, je suis au courant que c'est un événement historique, la rétrocession d'Hong Kong. Je vous explique. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand Hong Kong était anglais, ils avaient interdiction de parler politique, en réalité. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Et donc, quand ils abordent des sujets politiques comme la rétrocession d'Hong Kong, ils ne peuvent pas l'aborder de front. C'est pour ça que, par exemple, la plupart des films de flics infiltrés, on a parlé de Infernal Affairs et tout ça, en fait, ce sont des films qui évoque la rétrocession sans avoir le droit de le faire. Ils devaient parler de manière détournée. Voilà. Ouais, mais alors, Infernal Affair, c'est plutôt un hommage post-rétrocession, mais avant, pendant rétrocession, tu vois, enfin, pendant l'annexion. Parce que oui. Justement, il n'y avait plus la rétrocession quand ils ont fait ça, ça date de 2001, tu vois. Oui, donc, tout à fait, mais il y a toujours, tu sais, c'est toujours un truc un peu à part, oui, mais oui. Il y a toujours cette dualité chez les Hongkongais d'être Hongkongais des Han chinois, mais en même temps pas vouloir être chinois. C'est vrai. Mais ils en parlent beaucoup, ils ont dit que ça a changé, ça a tout changé dans l'industrie cinématographique d'ailleurs. Bah, John Woo, ils sont tous barrés pour ça, hein, globalement. Ouais, c'est ça. Regarde, dans Infernal Affairs 2, t'as même le moment de la rétrocession où les flics changent et tout, tu vois. Voilà, c'est un sujet dans Infernal Affair, pas dans À toute épreuve. En fait, t'as cité quel film tout à l'heure, t'as cité un truc sorti chez Spectrum, t'avais cité Zoltan, t'avais cité... Captain Robert, mais ça date de 78. Alors non, c'est pas Captain Robert, je pense à un autre film, mais qui eux aussi déjà évoquaient la rétrocession. Bon, vous m'avez niqué mon Vas-y. Mais bon, il flingue le pitch de toute façon. J'ai même plus envie de... Alors vas-y, on t'écoute. De quoi? Mais non, mais vas-y, dis ton pitch, qu'est-ce qui t'arrive? C'est nul, je peux plus le dire maintenant, c'était mieux avant. Mais vas-y, dis-le, tu le dis tellement bien. Des bandits, voilà, c'est parti. Il y en a qui n'ont pas vu le film, vas-y, non, il faut le faire, vas-y. Hong Kong 1997, la ville est dangereuse et pourrie jusqu'à la moelle. Les gangs ont infiltré toutes les professions, même la police est en majorité corrompue. L'exception est un petit groupe de flics dévoués à la lutte contre les gangsters. Le plus déterminé d'entre eux, l'inspecteur Yuen, aka Tequila, est prêt à transgresser les règles du métier
pour atteindre son idéal de justice. Tequila et ses hommes se rendent à l'aube dans une maison de thé où doit s'effectuer une vente d'armes clandestines et provoque une fusillade. Hein, toi, on peut dire que tu gaspilles pas tes balles. Peu de temps après, Tony, un jeune homme de main, tue un homme dans une bibliothèque. Tequila enquête sur le crime et découvre que la victime était un expert en armement soupçonné de terrorisme. En réalité, Tony est un flic sous couverture qui a infiltré les gangs. Tequila n'approuve pas ses méthodes, mais tous deux devront pourtant s'unir. Voilà. Ça, ça vous donne pas envie, les gars. C'est marrant parce que t'avais le pitch, HK, le pitch du Blu-ray qui est beaucoup plus simple et qui commence par quelques jours avant la rétrocession. Oui, mais, non, mais, climat, non, mais ça, c'est l'analyse de Christophe. Un climat apocalyptique s'installe sur la ville. Non, mais attends, c'est intéressant. Déjà, d'une, c'est pas le DVD, c'est pas le Blu-ray, c'est le DVD que tu tiens dans les mains. Et deuxièmement, que c'est l'analyse qui en a été faite début des années 2000, alors qu'à l'époque où la VHS sort, personne ne sait, tu vois. Personne ne parle de rétrocession parce qu'il n'y avait pas de c'était pas un sujet dans le film, quoi. Tu vois. Bon, arrêtez alors, tout de suite, il faut arrêter cet homme. Il faut qu'il arrête maintenant. Alors, précisons quand même que les Hongkongais étaient très au courant de la rétrocession et que pour eux, c'était un peu l'apocalypse, la fin du monde. Non, mais oui, mais c'est bien, elle était prévue, mais je veux dire, les gars, à l'époque où le film sort, personne parlait de ça, on est d'accord. À Hong Kong, si, tout le monde. Mais oui, c'est à Hong Kong, mais nous On peut dire depuis le début, c'est incroyable. Je pense que c'est une lecture du film. La prochaine fois que tu regardes le film, tu penses à ça, John. Tu te dis, putain, ok, ça parle de ça, et je pense que tu verras beaucoup de choses que ce que tu n'avais pas trop fait gaffe. Okay, mais après, alors, c'est normal, on a la team casse-couille en bas. Hein. Non, mais vous avez raison. Le mec a pas choisi cette date par hasard, le côté chaotique de l'ambiance en. Enfin, tu vois, clairement, c'est un sous-texte qui évoque de manière sous-jacente. Mais j'avoue que moi, dans le film, ça m'a pas du tout percuté. Quoi, vu que non, mais parce que Zoltan, ce qui est intéressant, c'est que la VHS d'époque commence Hong Kong 97, alors que le DVD sorti en 2000 commence comment, Mirej? Dans le synopsis, écoute. Quelques jours avant la rétrocession, un climat apocalyptique s'installe. C'était pas un sujet quand la cassette est sortie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'après, dans l'édition DVD plus tard, la rétrocession était passée, et là, ils disent avant la. C'est intéressant, je trouve, en tout cas. Ah, clair. Alors, qui veut commencer? Alors, allez-y, les gars. Bah, la plus grande fusillade de l'histoire du cinéma, séquence d'ouverture. Ouais, toi, c'est plus la fusillade qui t'a intéressé plus que le film en... parce que t'as étudié la fusillade. Du coup, le film, c'est pas pour toi, c'est pas un grand film. Ah, c'est le un film, bon... moi, franchement, je suis pas fan du film, quoi. J'avoue que le film en tant que, tu vois, qu'objet avec des persos, une histoire et tout, ça m'a pas marqué. Mais par contre, les séquences prises une par une d'action notamment, elles sont énormes. Et l'intro, enfin celle de la séquence de la fusillade du salon de thé là. De la maison. Là, c'est un moment de cinéma qui est dans le top 3, je pense, des plus grands grandes scènes d'action de l'histoire du cinéma, quoi. C'est énormissime. Là, tu atteins un niveau de maîtrise de John Woo, d'iconisation, de destruction, de lisibilité qui est hors norme, tu vois. Hors norme. Donc, voilà. Ouais, mais après, le film, ouais. Bon, en soi, tu vois, je trouve la fin interminable. Enfin, vraiment. Interminable la séquence de l'hôpital, j'en peux plus à la fin. Et je trouve pas les persos aussi qui me parlent pas tant que ça. Bon, après je suis peut-être un peu sévère, hein, mais voilà. D'accord. Eh bien, vas-y, beau parleur. Je suis pas totalement en désaccord avec Zoltan. Moi, je vais pas mentir, c'est pas mon John Woo préféré. Je préfère The Killer, je préfère Une balle dans la tête, qui ont plus d'émotion pour moi. Moi, je dis, chacun après son avis, pour moi, c'est pas le premier John Woo à découvrir. Parce que pour moi, il gagne en intérêt quand on connaît John Woo, comment il présente ses personnages, comment il construit ses personnages, qu'est-ce que sont ses personnages, parce qu'en fait, on les retrouve dans ce film, mais c'est esquissé à ce niveau-là. Et c'est vrai que moi, personnellement, je trouve qu'on y gagne plus après avoir vu les autres. Niveau scène d'action, il n'y a pas à chier, c'est le meilleur film d'action de l'histoire de l'humanité. Voilà. Hein, et puis même les chiens, quand ils font des films, ils n'arrivent pas à ce niveau. C'est pas que l'humain, c'est l'histoire tout court, en fait. Et c'est incroyable, c'est grandiose. Et c'est un film... En fait, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait « Ouais, ok, ça se tire dessus, c'est bien, c'est cool. » Je l'ai revu, j'ai fait « Ah ouais, non, mais c'est quand même pas mal. Hein. » Je l'ai revu, je fais « Ah ouais, non, mais c'est oufissime. » Et à chaque fois que je le revois, ce film, je me dis « Mais c'est de la folie furieuse hein, ce que tu vois dans les scènes d'action. Les explosions qui passent à 2 cm de la gueule des acteurs et tout. » Tu te dis « C'est incroyablissime. C'est incroyablissime. » Et le problème, c'est que ça fait partie de ces films que je disais, toi. Peut-être que la première fois, tu le vois, tu dis « Bon, ça se tire dessus. » Après, tu dis « Allez, je vais me refaire l'arme fatale ce soir. »
Ah ouais, putain, ça bouge pas assez hein, quand il se tire dessus. Et après, en fait, tous les autres films que tu vois derrière sont fades après ce film. Tu vois, c'est le film, il définit tellement le high level au niveau du cinéma d'action que. Donc, comme on l'a dit, hein, d'ailleurs, par rapport à derrière, c'est intéressant, c'est-à-dire vraiment d'un point de vue chorégraphie, action pure dans la manière de représenter la chose, que c'est de la folie furieuse ce film. C'est vraiment de la folie furieuse. Donc, c'est clairement, à mes yeux, encore actuellement, le meilleur film d'action de l'histoire, d'un point de vue action. D'un point de vue histoire, c'est pas mon préféré. Je préfère The Killer, je préfère d'autres. Pour moi, c'est le film qui a les meilleures séquences d'action de l'histoire. Voilà, c'est une autre manière de le dire. Et quand vous dites action, vous parlez, on reste quand même sur la niche gunfight ou action tout confondu pour vous. Non, je pense que action tout confondu, si tu mets aussi les courses poursuites et les combats à main nue, pour moi ça, d'un coup c'est large, mais gunfight, c'est indéniablement le summum. Je veux dire, là pour le coup, il y a aucun doute là-dessus. Vraiment. Et action, après, ça dépend ce que t'es. Enfin, tu vois, les sensibilités. Est-ce que t'es plus les mecs qui se tapent dessus comme dans The Raid? Est-ce que t'es plus les poursuites en bagnole, tu vois, comme dans, je sais pas, Terminator 2? Enfin, tu vois, chacun a ses sensibilités, okay. Mais en termes de maîtrise, de si tu prends, quand même, en termes d'action, les séquences, elles sont. Je veux dire, c'est. En fait, c'est une maîtrise qui est tellement impressionnante dans un domaine que les autres font beaucoup. Tu vois, les gunfights, on en voit plein, mais là, tu es à un niveau qui est tellement. Tu as l'impression que le gars, c'est d'une simplicité ce qu'il fait, alors qu'en fait, personne n'arrive à la cheville quoi, de rien du tout. Ouais, de ce film, c'est un truc de malade. Après, tu regardes des films, des classiques que j'aime bien, hein, mais tu dis, ouais, et tu regardes, et tu dis, putain, c'est pas réalisé de ouf. Il n'y a pas de gunfight, non, mais c'est vrai. Tu dis, c'est pas réalisé de ouf, tu dis, putain, la chorégraphie, c'est de la merde. Tu regardes des scènes de gunfight, en fait, c'est un mec qui est planqué, qui sort, qui tire, l'autre qui se planque, qui tire, tu dis, putain, mais sérieux, quoi. Ce film, en fait, c'est un film tue l'amour, quoi. C'est-à-dire, après, tu regardes les autres films, tu fais merde. Non, mais c'est un film incroyable au niveau des scènes d'action. Et puis, après, il faut pas oublier qu'il revient aussi à une essence du cinéma très hongkongais, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qui a une histoire, c'est un film dont l'histoire, c'est l'action. C'est-à-dire le film raconte par le geste. À ce niveau-là, on revient presque au cinéma muet, j'ai envie de dire. Je m'emballe. C'est-à-dire que c'est le geste qui est l'histoire. Ouais, mais il le faisait déjà un peu dans The Killer quand même. Il le faisait, je trouve que c'était plus harmonieux, quoi. Mais bon, après, démarche, pour moi, il l'avait déjà faite un peu avant, quoi, perso. Je suis plutôt d'accord avec toi, Zoltan. J'ai loupé un don tout à l'heure, je suis désolé. C'était Castor qui disait, après des heures de recherche, j'ai retrouvé la version de Handel utilisée dans le film Karl Reicher, 1973, Messiah. Symphonie garantie. Eh ben, merci à toi, Castor. Messiah. Il est con. Merci à toi, mon Castor, pour ton don. Désolé, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Excuse-moi. Moi, je suis un peu d'accord. Moi, il manque l'émotion. En fait, moi, dans ce film-là, il manque un peu l'émotion. Mais elle est un peu palliée par Show Yun-Fat. Mais il manque l'émotion qu'il y a dans The Killer. Pour moi, The Killer, par exemple, c'est le parfait saupoudrage de tout. Et de gunfight de folie. Parce que quand même, les gunfights de The Killer, les gars, je suis désolé. Mais... ouais, là, tu as un niveau au-dessus indéniable. Hein. Enfin, faut pas chier, là, tu es quand même au-dessus. Quoi. Mais bon... C'est la folie. Mais par contre, à toute épreuve, en termes d'entertainment pur, tu vois, de pyrotechnie, d'action et tout, et un peu ce côté... Attends, je te coupe parce que dans le commentaire, c'est intéressant, parce que vraiment, pour exposer à ce que dit le beau parleur aussi, hein, dans Cosmos Buzzy, qui dit mieux que le final de Scarface. Le final de Scarface, c'est littéralement un mec debout, en haut d'un escalier, qui désingue sans bouger 40 mecs. Hein. Ouais. Donc tu vois, c'est vraiment, on est là-dessus, c'est que il y a un... C'est intense parce que ça, c'est bien monté tout ça, mais en termes de... Si tu déconstruis la séquence, il y a rien de palpitant comme tu vois dans The Killer où les mecs font que... Enfin, ou dans une épreuve, où ça bouge, c'est un ballet de ouf, quoi, les mecs. Ouais. Je veux dire, c'est une vivacité qu'une fois que tu vois, tu compares les deux, mais t'éclates de rire. Enfin, je veux dire, c'est... Moi, je suis bien d'accord. Strat, merci à toi. J'irai le voir. Thanks. Ah ben, t'as intérêt. Si tu parles d'à toute épreuve, il faut que tu le vois tout de suite. Non, mais en fait, personne n'est arrivé à ce niveau de maîtrise de gunfight et de pyrotechnie et de chorégraphie. Parce que là, tout à l'heure, je voyais, est-ce que c'est mieux que John Wick? Les gars, ça n'a rien à voir, en fait. C'est-à-dire que
les gars pourraient pas faire ça. Les gars qui font John Wick aujourd'hui peuvent pas faire ce qu'a fait John Woo à l'époque. Ah, John Wick s'en inspire en tout cas, c'est clairement l'inspiration. Ah oui, non mais c'est la première, c'est celui-là quoi. John Wick, mais le mec qui fait John Wick te dira le mec qui fait des années 80-90. Ça c'est le cinéma de Hong Kong des années 80-90. Voilà, en fait, les mecs qui font John Wick te diront à toute épreuve, et John Woo c'est le maître en fait, c'est notre maître, tu vois, c'est ils te diront la même chose quoi. Donc, il s'en inspire sans jamais atteindre. Mais c'est autre chose, en tout cas. Mais à toute épreuve, c'est quand même un ovni parmi les scènes d'action ever du cinéma, tout confondu, quoi. Mirej. Il y a tellement... John Wick, c'est tellement à la ramasse par rapport à toute épreuve d'un enfant, vous n'avez même pas idée, quoi. C'est-à-dire qu'hormis de très rares exceptions, encore une fois, hein, moi, John Wick, je trouve ça rigolo, hein. Mais c'est... ronflant, c'est répétitif as fuck. Je veux dire, les cascadeurs sont très bons, point. Et il y a des néons. Voilà, c'est tout. Mais en fait, les mouvements de caméra, à part deux, trois exceptions, et des trucs qu'ils ont pompés chez les Coréens notamment, il n'y a rien. Je veux dire, à toute épreuve, c'est... Je sais même pas comment déterminer. En fait, c'est la folie. C'est une folie, c'est une dinguerie. C'est un truc qui ne pas censé exister, quoi. Je veux dire, le film, j'imagine que ça a été conceptualisé comme ça. J'imagine que c'est pour ça que ça se passe en 97. John Woo, il savait qu'il allait partir. Il savait que c'était son dernier film de Hong Kong. Il savait qu'à partir de 97, il pourrait plus jamais, même s'il le voulait, refaire un film comme ça. Et à l'époque, avant même que Hardball ne sorte, et les Hongkongais, c'était les meilleurs du monde dans les films d'action. C'était les maîtres incontestés. Et en fait, ce qui se dit, probablement, c'est mon interprétation, mais je pense que ce qui se dit, c'est « je vais tout niquer. Je vais faire le plus grand film d'action de toute l'histoire. » Il se dit ça, et en fait, il le fait. Et en fait, le film est tellement furieux, mais parce qu'en fait, il faut le voir pour le croire, et il faut le voir au cinéma aussi, hein. Parce que le voir au cinéma, c'est pas la même chose, hein. Ah, je l'ai pas vu au cinéma. J'ai vu dans ma salle de cinéma, mais je l'ai pas vu au cinéma. C'était bien aussi. Le film est estomacant. Je veux dire, il y a même pas d'autres mots. Déjà, le film, comme l'a dit Zoltan tout à l'heure, le film commence par un climax qui pourrait être le meilleur climax de l'histoire, c'est quasiment dans un film d'action, tu vois. Et le film commence par ça, si tu veux. C'est vrai, c'est vrai. Donc tu vois, c'est pas le début de John Wick 4. Hein. Là, t'es estomaqué, quoi. Et en fait, je trouve ce film parfait. Et vraiment, je suis pas du tout d'accord avec vous. Alors moi, c'est mon John Wick préféré ever. Les personnages, je les trouve magnifiques. La narration, je la trouve limpide, sublime. Les émotions, mais je les ressens à 100% déjà parce que je trouve que c'est une des meilleures interprétations de Tony Leung. Tu vois, la trahison, c'est tout ce qu'on aime dans John Woo, là, c'est transcendé. Rien que le plan où il tue son boss, tu sais, et il se retourne en riant, en faisant la... Putain, mec, la puissance du truc. Voilà, tout en narration visuelle, sans que dalle, sans une ligne de dialogue. C'est vrai que cette scène, elle est mortelle, putain. Non, mais tout. La bibliothèque, tu vois, le doigt sur le bouquin, l'exécution, la bagnole qui passe, les origamis avec la musique jazz, lui qui est là en train de penser à son pote qui s'est fait canner avec l'incrustation de son pote qui joue de la batterie, tout. En fait. Mais vous êtes des ouf. Tout est chamé de ouf, mais c'est même pas, pour moi, c'est, je sais pas, hein, pour moi, c'est plus que parfait. C'est plus que parfait. Pour moi, c'est inhumain, le truc. En plus, très peu de personnes faisaient ça à part lui, et d'ailleurs, personne ne le faisait, à part pour certaines séquences dans des James Bond ou des comme ça. Il va te shooter avec 7, 8, 9, 10, 12, 14 cam, une même scène, ce qui donne, en fait, parce qu'on pourrait se dire, ah, on va voir ça au montage. Mais en fait, pas du tout. Hein. C'est déjà qu'il a des choses en tête. Mais pour pouvoir les mettre en œuvre, en fait, c'est un peu la méthode coréenne. En fait, il sait
par exemple, qu'il va devoir faire un jump cut sur une action vue de loin et une action vue de près, mais filmé avec deux caméras, en fait, il va prendre à chaque fois la prise numéro 3. Ce qui fait qu'en fait, le mouvement de l'acteur va être parfaitement synchrone, même si parfois il peut revenir dans le temps. Tu vois, il ne le fait pas tout le temps, hein. Il y a plein d'exceptions. Parfois, c'est une autre prise, hein, mais je veux dire, ça lui permet d'atteindre une sorte de fluidité hors du commun. C'est-à-dire que tu n'as même plus l'impression que c'est monté, tu as juste l'impression que la caméra se déplace de façon étrange dans, et c'est pour ça que la spatialisation est tellement dingo, dans un espace qui est concret, parce que tu vois que c'est la même, tu vois que c'est le même mouvement. Mais c'est une dinguerie, les gars. Mais revoyez la scène du hangar, et tout est comme ça. Et l'émotion monte petit à petit. Même, tu vois, un de mes plans préférés dans Hardball, c'est la rose dans la poche de sa meuf. Tu vois, et c'est que des trucs comme ça, en fait, mais tout le temps, tout fait. Et tu vois, vos parleurs, tu as raison. Et en fait, c'est tellement dense. Et le film, il t'en met tellement plein la gueule qu'en fait, ça va trop vite. T'es là, en fait, tu percutes pas tout ce qu'il y a. C'est tellement, mais génial à tous les niveaux. Et je te parle même pas du cadrage, le jeu d'acteur. Et je trouve que, tu vois, c'est le seul John Woo où il n'y a rien de cheesy. Là, les spectateurs dans la salle, ils rigolent pas du tout à toute épreuve. Et pourtant, c'est aussi sincère. En fait, c'est un film, pour moi, où il n'y a pas de défaut. Je trouve qu'il n'y a pas de défaut dans Hardball. Pour moi, c'est un film parfait. Allez, il y a un défaut, allez. C'est l'œil à la fin. On voit quand il se prend la balle dans l'œil, le méchant, on voit que c'est un mannequin. Voilà. Et ça dure, le plan, il dure une seconde. Je vais dire ça. Ah, mais ça, c'est pas un défaut, ça. Non, mais bon, voilà. Mais on peut considérer que c'est un défaut. Mais je veux dire, tout en putain de practical, aucun effet spécial. Les balles, les flammes qui longent, Chow Yun-fat, le bébé, rien que ça, tu vois, la génération future, quand tu vois, ça aussi, tu vois, pour ça que la rétrocession, pour moi, ça a du sens dans le film, tu vois, les bébés, etc., tout est parfait, l'ambiance musicale, c'est le plus beau score d'un film de John Woo, pour moi, ever. Non, mais en fait, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est tellement, mais c'est incroyablissime, quoi. Donc franchement, on n'a jamais fait mieux et on ne fera jamais mieux, les enfants. Mais c'est juste ça qu'il faut se mettre en tête, quoi. On ne fera jamais mieux de ce film. Et petite précision supplémentaire, c'est un film qui a été complètement charcuté au niveau du scénario. Parce que John Woo c'était des barjots. Hein. Et en fait, au début, ils voulaient faire un truc tellement violent qu'ils ont été obligés de réécrire. À la base, et vous allez voir que du coup, ça a énormément changé. Hein. À la base, Tony Leung, c'était un psychopathe tueur de bébés. Qu'il est tué, ouais, avec ça, de la bouche de bébé, ouais. Et en fait, voilà, ils étaient partis dans un truc totalement. Tu vois, c'est carte blanche, en fait, c'est open bar. À la base, ça devait être un film sans action. À la base, ça devait être un film sans action. Alors ça, je ne savais pas. Bah, toi, oui, on dit faire un film sans action. Tu vois le film, tu fais. À quel moment dans le projet, il n'y a pas d'action. Ouais. Est-ce qu'il existe une version longue ou on a la version Et tu vois, je trouve que c'est un film qui se rapproche de Silent Night. En fait, quasiment, tu vois. En fait, il y a des dialogues, mais on n'en a rien à foutre en réalité. En réalité, tu pourrais regarder le film en allemand, tu comprends tout. Tellement c'est limpide de ouf. Non, mais tu comprends tout. Les tenants, les aboutissants, tout, c'est incroyable. Et attends, je finis sur un truc qu'il faut absolument dire. D'ailleurs, vous pouvez aller sur ma chaîne, il y a une vidéo qui s'appelle Hardball Uncut. Donc, il existe une version taïwanaise, version donc un tout petit peu plus violente avec quelques scènes d'action rallongées dans la version Taïwan.
Et sur ma vidéo, je vous ai absolument montré tous les extraits, enfin pas tous, mais quasiment tous. Donc vous verrez des morceaux inédits avec du sang en plus et des petites choses en plus et des impacts de balles dans la tête. Et à un moment donné, il tue un Condé et tout. Enfin, c'est vraiment très très cool. Et donc ça c'est la version Taïwan qui existe en DVD. Et sur cette édition spécifiquement, dans les bonus, en fait, on a et alors ça c'est nulle part ailleurs, on a en fait une version alternative de la première séquence, donc le salon de thé. Et en fait, c'est une version qui est un tout petit peu plus longue, qui n'est pas montée de la même façon, parce qu'ils avaient shooté en réalité cette scène avant pour pouvoir obtenir les fonds pour pouvoir faire le film. Et donc, en fait, ils sont allés avec ce début à Cannes, par exemple, mais pour essayer de vendre le film à l'international et récolter de la thune. Tu imagines bien qu'ils en ont récupéré, parce que les mecs, ils voyaient ça, ils étaient en alu. Et donc, c'est très intéressant parce que si on ajoute ce début alternatif plus la version taïwanaise, parce que dans la version taïwanaise, le début est conforme à la version de Hong Kong. Donc, il faudrait faire une sorte de version hybride où on aurait ce début-là et ensuite la version Taïwan, ce qui ferait une vraie version. Enfin, bref, il faut absolument posséder cette édition également. Ah bah ouais, on n'a jamais fait mieux, on ne fera jamais mieux. John Wick, c'est de la merde. Je suis désolé de vous le dire. Non, non, on va pas comparer ça à John Wick. C'est juste, il y avait une non, question. Non, on peut pas comparer. C'est de la merde. Il faut vraiment que vous compreniez, c'est nul. Je l'ai, regarde. Regarde John Wick, il est là, regarde. Je viens de m'acheter John Wick. Tu vois, parce que voilà, parce que il y a Donnie Yen, je suis content, c'est sympa. Voilà, on mange du popcorn, c'est cool. C'est de la merde. Ça. C'est chef-d'œuvre absolu. Alors, justement, Mérège, voilà. Ta version, ouais, là, elle n'existe plus. Mais du coup, moi, la version que je me suis achetée, celle-ci, là, eh ben, dans les bonus, il y a la version alternative dont tu parles, en plus, tu vois, dans cette édition-là. Donc, voilà, une édition en 1080p, magnifique. Eh bien, magnifique. Très bonne initiative. Faites-vous plaisir, les gars. C'est inédit. Et voilà, j'ai hâte de la posséder. Quand je la reçois, je vous la montrerai, parce que j'ai quand même hâte de le posséder, parce que ça, je ne l'ai pas en Blu-ray, c'est inédit. Mais évidemment, regarde, il n'a pas encore compris, il me dit c'est de la merde, mais il achète. Mais évidemment que j'achète et c'est de la merde, regarde ça, c'est de la merde, et j'achète. Tu n'as pas encore compris, je suis un collectionneur. Et donc oui, j'achète des trucs que je n'aime pas. En fait, tu vois, c'est comme la collection Disney, tu vois, avant, ils faisaient des numéros sur le côté, et moi, mon cerveau, il ne peut pas. Si, par exemple, j'ai dans la collection 1, 2, 3, 4, 6, parce que le 5 est nul, je ne peux pas. Il faut que j'achète le 5, parce que sinon, il n'y aura pas marqué 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est ma maladie mentale à moi. Elle existe, exactement. C'est la mienne. Voilà. Il y a un truc intéressant, peut-être, qu'on pourrait dire sur les films de John Woo, en règle générale, c'est les méchants. Les méchants sont très peu marquants, en règle générale. Tony Wong, qui est un super acteur, mais ce n'est pas le rôle le plus marquant qu'il ait fait. On peut citer The Killer, ou le méchant aussi, on s'en fout un peu. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il arrive à faire des films d'action très, très denses, mais qui se centrent sur les personnages principaux, j'ai envie de dire, tu vois. Et pas en position avec le méchant. Voilà. Ouais, c'est vrai que d'habitude, c'est un peu un cliché de dire que l'intensité d'un film est réglée sur la puissance du méchant ou le charisme du méchant, et c'est vrai qu'en effet... C'est un peu le contraire. Ouais, après, il a quand même toujours des personnages... Il y a toujours un traître qui est méchant et sur qui il met bien l'accent quand même, du coup. Ouais, c'est là-dessus qu'il joue. Et il y a quand même aussi en fait, je pense qu'il pallie le manque de méchants avec le côté c'est des parcours opposés qui finissent par, tu vois, le flic et le gangster ensemble. Enfin, tu vois, c'est qu'il y a une forme d'antagonisme un peu au départ qui finissent par un peu s'allier. Je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve le méchant mortel. Je trouve Anthony Wong mortel et je trouve Chien Fod, Mad Dog mortel. Non, mais ce qu'il veut dire, non, mais les méchants sont mortels. Je trouve que on n'a pas dit que les méchants n'étaient pas bons. On a juste dit qu'il n'avait pas besoin de les utiliser. Là, mais ils sont pas iconisés, vous rigolez ou quoi? Non, mais pas comme ces héros. Ce qui va iconiser vous plus, vous êtes ouf ou quoi? Mais vous êtes si tu veux. Rappelle-toi le moment même où t'as Mad Dog qui allume sa clope, il est pas iconisé, wesh. Ouais, lui, à toute épreuve, c'est vrai, mais dans le syndicat du crime, je croyais à vous parler des autres films. Non, on parlait en général. Pardon, je croyais, parce que moi, je suis resté sur à toute épreuve. Oui, lui, c'est vrai que c'est le méchant le plus graphique, le plus reconnaissable, je trouve, en tout cas, effectivement, de ces films post-à toute épreuve. Ah oui, non, parce que là, j'étais en train de me dire, attends,
Non, non, lui, c'est vrai que pour le coup, il a une vraie gueule de salopard. C'est Bolo Young, tu vois, c'est une espèce de Bolo Young avec des flingues. Mais non, il y a un truc et on n'a même pas parlé de Philippe Koch. Et t'as si coupé tu la parole à Zoltan. Non, mais pardon. Non, mais on n'a même pas parlé de Philippe Koch. Tu peux en parler, peut-être, vos parleurs ou pas ou tu... bah, c'est le chorégraphe du film. C'est un ancien des Venoms, les Five Venoms, qui, encore une fois, ont été découverts par... Chong-Chi, évidemment. Chong-Chi. En fait, c'est un jeu à boire. Dès que je dis Chong-Chi, il faut boire un coup, d'accord. Un verre de pisse, d'accord. Donc, il a fait partie des Venoms. Non, c'est bon, ça va pas mon... Pardon ? Après, on ne sera pas monté sur le bois de la piste, apparemment. Merde, il faut... Non, là, tu n'as pas idée. Mais je... Donc, c'était une équipe de cascadeurs, artistes martiaux qui ont fait pas mal de films, mais ce n'était pas la meilleure période de Chang-Chi. Puis après, il est devenu, entre autres, chorégraphe. Il a chorégraphié aussi les combats, par exemple, du Pacte des Loups, c'est lui. Donc pour dire que, voilà, c'est un bon. C'est lui qui a chorégraphié les scènes d'action du film. Et c'est lui qui a chorégraphié les scènes d'action de Hot Hot et Pom Pom, avec Jackie Chan, et c'est... Une comédie d'action où les gunfights font très très hard-boiled, je vous recommande. Hot Hot et Pom Pom. Ben voilà. Les amis, je pense qu'on a fait quand même le attends, tour. Attends, bah, Zoltan. Zoltan, ah, Zoltan. Non, mais c'était pour revenir un peu sur John Woo en général, sur cette période-là. Je trouve qu'il a réussi un truc que peu de. Il y a, je sais pas combien de réals dans l'histoire du cinéma ont réussi à faire ça, mais en fait, il a pris un genre qui était vraiment peut-être. Qui était arrivé en bout de course, quoi. Tu vois, ça me fait penser à Léon, en fait. Il y a vraiment un parallèle. C'est ce que j'allais dire. ouais, ça. Non, mais qu'il a pris un genre qui était où on avait vu le polar, le film de gangster. Tu vois, aux États-Unis, on a eu beaucoup dans les années 30-40. En France, on a eu toute une vague, années 60-70. Et qui est arrivé, enfin, en France, on est arrivé sur des trucs rincés. Hein, dans les années 80, c'était les films d'Alain Delon horribles où il colle du salami sur la tête des gens en sortie d'une. Enfin, je ne sais pas si vous avez certains films d'Alain Delon de cette époque, mais des trucs gratinés, quoi. C'est quoi pour la peau d'un flic, je pense que c'est celui dont je parle. Bref. Et donc, il a pris un genre, il a réussi à lui redonner vraiment un renouveau, quoi. Enfin, tu vois, lui redonner... Le transcender. Dans les... Hein t'as dit quoi ? Le transcender. Ouais, le transcender. Et il n'y en a pas tant que ça, je pense que j'arrive vraiment à voir avec Léon, avec le western. Et récemment, je n'ai pas d'exemple vraiment qui me saute aux yeux, tu vois. Peut-être nous avons la cité. Matrix 2 avec l'intégralité des scènes d'action. Matrix 2, c'est plus un truc de synthèse. Non, mais Matrix 2, c'est plus un film qui arrive à faire une espèce de synthèse, hein, c'est improbable. Oui, tellement c'est de choses. Ce que je te dis, c'est incroyable. Ouais, tu sais, il y a la meilleure scène de poursuite, il y a la meilleure scène de baston, tu sais, tout est le mieux à chaque fois, c'est incroyable, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas la même, c'est pas exactement la même démarche que de prendre un. Tu vois, c'est comme si. Dans 10 ans, il y a un mec qui refait un film de super-héros et qui nous sait un truc où genre, on est toujours. Waouh, non, mais putain, mais truc de malade, tu vois, parce qu'on est rincé du truc, quoi. Et c'est là, en fait, c'est un peu ce qu'il a fait, quoi. C'est un peu Mad Max Fury Road avec le post-apocalyptique, quoi. Ouais, et encore, même, tu vois, il n'y a pas vraiment d'équivalent. À part Léon, qui a fait vraiment une démarche et qui a créé un mouvement, tu vois, le Western Spaghetti et tout. Bah, John Woo, il a vraiment fait ça, quoi. Je veux dire, le film de Mafia Hongkongais, comment il l'a posé, comment ça a évolué par la suite et tout. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est que l'exemple de Léon et de John Woo sont super intéressants parce que. On parle, alors il n'y a pas que, tu n'as pas parlé que des États-Unis, mais ce sont des genres qu'on voit beaucoup aux États-Unis. Et en fait, ce renouveau est venu d'une industrie différente, avec une manière de penser différente et une manière de faire les choses différentes qui ont permis de bousculer justement la chose à ce niveau-là. Oui. Ouais. Mais peut-être ça aujourd'hui, un peu avec les blockbusters indiens. Hein. C'est vrai qu'ils ont l'air d'apporter un truc, tu vois, quand tu vois RRR et tout ce que ça apporte et tout. Je pense qu'il y a quand même un truc qui est en train de bouger là-dessus, comme tu disais au début. Non, mais je crois que les 10 héritiers derrière, ça a été. Enfin, juste deux secondes, parce que je sais qu'on ne sera pas d'accord avec vos parleurs, mais. Et j'ai beau trouver ça très sympathique, RRR et compagnie et les films indiens, mais c'est quand même. Je veux dire, c'est clipesque à mort. Il n'y a pas du tout de poésie. Enfin, je veux dire, c'est pas. Au niveau, en fait, c'est super généreux. C'est hyper kiffant instantanément. Pas de poésie, je suis pas d'accord, mais non, mais je veux dire, c'est des clips, Oui, non, mais non, avec des scénarios pourris quand même. Faut juste arrêter. Enfin, toi, ça arrive pas du tout. Ça a des codes. Non, mais Bollywood en ce moment, les films d'action là, Léo et tout,
ça n'arrive pas à la cheville de la genre de Hong Kong, mais remballe, quoi. Alors, ça, je suis d'accord. Bah oui, ça n'a rien à... En plus, ça n'a rien à voir, ça ne marche pas avec les mêmes codes, les gars. C'est pas vraiment des vraies belles scènes d'action. Mais par contre, ils te le font avec tellement d'envie, tellement de générosité. Ouais, générosité. Ça, je suis d'accord. Il y a la même générosité, mais il n'y a pas le même savoir-faire. Ça, je suis d'accord. Il n'y a pas ce côté en plus où tu te dis, ouais, il a vraiment fait la cascade, oh, il a failli se péter la jambe. Ça y est pas du tout. Ah, mais, oui, mais au moins, il y a une énergie, il y a un souffle qu'aux États-Unis, tu as l'impression que dès qu'il bouge un bras, attends, est-ce que tu es sûr que ça va? On n'a pas insulté ceux qui ont des petits bras, ceux qui ont des grands bras. Là, c'est allé. Non, mais parce qu'en ce moment, je vous entends vous enflammer sur le cinéma indien, le meilleur blockbuster. Je vois, là. Oui, mais le problème, c'est que le cinéma d'Hong Kong n'est plus. Donc, quand on parle du cinéma indien, on parle de cette année et de ce qui sort. En tout cas, quand même, on verra l'influence de John Woo. Encore aujourd'hui, on le voit dans le cinéma coréen, notamment les polars. Dans tout, n'importe lesquels grands polars coréens que tu vas me sortir, je vais te sortir une ref à la John Woo. C'est un truc de fou. C'est, voilà, bah, le mec de John Woo, pour commencer. Déjà d'une. Donc, voilà. Donc, John Woo alors, a vraiment imposé un style sur cette petite... même pas décennie en fait, en même pas 10 ans, il aura entre 86 et 93, il aura imposé internationalement parlant une marque, un esthétisme, une iconisation du film de gangster et qui je trouve qui est encore visible aujourd'hui quoi, et qui s'est transposé aux États-Unis avec Tarantino hein, parce que Reservoir Dogs et compagnie, et c'est trop marrant parce que du coup Melville, City on Fire et tous ces trucs là aussi hein, qui sont... Non mais tu vois Melville, The Killer, John Woo, Reservoir Dogs. Tu vois, je me dis en fait Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Reservoir Dogs évidemment, c'est beaucoup aussi Ringo Lam. Ouais, c'est non mais c'est non mais je veux dire c'est Ringo Lam, mais je veux dire évidemment qu'il avait vu des John Woo aussi. Ce que je veux dire, enfin, merci Jean-Pierre, Melville, il a posé des bases hyper importantes. Oui. Hein. Enfin, tu vois, oui, c'est ça. C'est juste ce que je trouve marrant, c'est que quand même le mec, il a influencé la planète entière. Ah, mais bon, je pense que si tu reviens en arrière, tu peux trouver un peu un mec qui a influencé Melville aussi. Hein. Mais c'est ça qui est beau. Mais c'est ça qui est beau, oui, exactement. Ouais. C'est génial. On a l'impression qu'il y a le cinéma américain, et en réalité, tout se mélange, tout s'influence, tout se crée, tout se recrée. Et si tout est bien. Tout est fait pour que ce soit bon et qu'on ait de la nouveauté. J'aimerais bien qu'on retrouve un peu un truc hein, quand même. Là, quand même Un peu d'énergie maintenant. Moi aussi. Non, mais tu vois, regarde. Alors moi, je comprends pas les gens qui n'ont pas aimé, hein, mais c'est pas grave. Mais tu vois, on finira probablement par ça, mais Silent Night, 1h45. Non, mais attends, on parle pas de Silent Night. J'ai une partie 2 qui est prévue. Je vais juste dire un truc. Le sans-parole, c'est clairement Melville. C'est ce qu'il faisait, sauf que c'est étiré sur la longueur. Mais je veux dire, voilà, ça a commencé toujours par un quart d'heure, 20 minutes de silence total. Et du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Je trouve ça cool, quoi. Donc, les gars, je voulais faire 2h30, 3h. On est à 3h37. Forcément, de toute façon, c'est compliqué. C'est pour ça que t'es énervé. Pour ça, non. Je le fais exprès depuis tout à l'heure parce qu'en fait, je sens que t'as envie de. Moi, tu sais, je suis juste à couper ton micro. Je sens que t'as envie de finir l'émission. Et du coup, non, c'est pas ça. C'est que j'ai encore un after à faire pour les abonnés. Je sais, c'est pour ça que je te taquine. Parce que j'ai envie que tu te couches à 3h. Et d'ailleurs, pour l'after, faites-le chier. Posez-lui des questions, ne laissez pas s'endormir trop vite. Non, il n'y a pas de problème. Non, merci à vous d'avoir été présents, Zoltan, Beauparleur et Mérège. Donc, Zoltan et Mérège, normalement, vous êtes avec moi jeudi prochain pour la partie 2. Je te confirme ça dans la semaine. Hein, voilà, tu me confirmes. Mérège sera là. Et voilà, on évoquera la partie américaine, vous allez voir, et plus internationale. On reviendra bien entendu sur les trois royaumes. Et le Reine des Assassins, mais il y aura bien entendu du Broken Arrow, du Volteface, du Harpagate. Et tu fais pas The Crossing. Et on l'évoquera, mais Titanic, c'est bon quoi. Mais on va parler de Silent Night, parce qu'il faut qu'on finisse sur Silent Night, forcément il vient de sortir, et il y a quand même des choses à redire sur ce film qui a été peut-être un peu mal jugé, je trouve, parce que moi j'ai beaucoup aimé. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Sur ce live, on se retrouve. Pour les abonnés Patreon, il y a les liens dans la description. Ceux qui sont abonnés, vous allez avoir accès à la petite after que je vais faire maintenant. Je vais mettre le lien. Vous cliquez sur le lien Patreon. Je vais vous mettre le lien du live sur la page Patreon. Et pareil pour les abonnés YouTube, je vais vous mettre le lien dans l'onglet communauté. Donc tous ceux qui sont là, onglet communauté, je vais vous mettre le lien du live privé dans une dizaine de minutes. Et on se retrouve dans 10 minutes. Pour tous ceux qui m'ont demandé ça, vous allez sur Facebook, un Blu-ray Choco, vous allez tomber dessus, vous vous débrouillez, vous l'achetez. Moi, je l'ai acheté le mien.
vous faites comme vous voulez. Merci à tous encore d'avoir été si présents pour la 7ème dimension. On se retrouve la semaine prochaine. Et demain, je sortirai, parce que j'ai enfin vu Godzilla Minus One hier en IMAX au cinéma. Et donc demain, je sors ma vidéo sur Godzilla Minus One, qui vient de sortir, qui est sorti hier d'ailleurs. Et jusqu'au 31 janvier, il me semble. Non, hier, t'as raison. Ouais, qui est ressorti hier en fait jusqu'au 31 janvier. Donc courez le voir pour ceux qui l'ont pas vu. Moi, ma vidéo arrivera demain sur la chaîne. Vous allez voir, je suis rentré dans la salle de projection IMAX et tout. C'était assez cool. Deux, trois petites surprises dans ma vidéo. Merci à tous. Et la couleur pourpre en 4K, bien entendu, qui n'a rien à voir avec John Woo. On vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Onglet communauté et lien Patreon dans la description pour le live qui va suivre. Pour les abonnés, abonnez-vous, soutenez la chaîne. Merci encore à tout le monde et merci à tous. Abonnez-vous à la chaîne de Zoltan, qui vient de reprendre du service, bien entendu. Abonnez-vous à la chaîne de Mérège et abonnez-vous à celle du beau parleur ici. Je vous embrasse, merci à tous. Ciao et passez une bonne nuit et à tout de suite pour le live after. Ciao.